Bonjour, bienvenue dans l'épisode 9 de Game of Thrones. Un épisode spécial, c'est la fin de la saison. La fin d'une mini-saison qui a commencé en janvier. On a un peu pris nos marques, on s'est un peu rodé. C'est une émission un petit peu compliquée parce qu'on a eu des petits soucis techniques, mais heureusement, il gère à fond. Et on a eu plein de gens qui sont venus nous dépanner, donc merci à tout le monde. C'est une émission un petit peu spéciale, comme disaient les youtubeuses, puisqu'on va avoir 2 heures et quelques de jeu et un peu moins d'une heure de gros débriefs sur la saison. J'ai pris toute cette semaine des questions que vous m'avez posées sur le Discord, sur Twitter, etc. Si vous avez d'autres questions, nous avons une personne qui nous aide exceptionnellement aujourd'hui. Elle s'appelle Persimonie, P-E-R-S-I-M-O-N-I-E, sur le chat de la JVTV. C'est aussi, souvenez-vous, l'ancien sénéchal de Claveau, qui malheureusement a été tué, mais elle est là. Et donc, dans la vraie vie, elle s'appelle Sam. Et vous pouvez lui poser des questions. Si vous avez des questions, elle les rajoutera à notre liste des questions. Nous allons commencer, voilà, dernière aventure, c'est l'histoire d'un vaisseau. Alors, je dis tout de suite, Nicolas n'a pas sa fiche de perso, elle va lui être apportée par Persimonie ou alors il va aller la chercher à un moment, donc voilà, on va s'arranger. Si vous avez des problèmes également de son ou de lumière, dites-le nous rapidement sur le chat, comme ça, parce que ça s'est fait un petit peu dans des conditions particulières. Bon, l'émission commence. C'est l'histoire d'un mystérieux navire appelé le Malawi Ardent, sur lequel vogue la Compagnie Créance. La Compagnie Créance, c'est un alchimiste qui s'appelle... Niklas von Trunkel, je viens de Kniga. Ouais, tu viens de Kniga et tu peux... Tu as quelques particularités physiques. Oui, tout à fait. Alors, je pense avoir pas mal. À la base, je suis un beau jeune homme, un bel alchimiste doué. En chemin, j'ai chopé une malédiction. Donc du coup, bon, j'ai une main droite qui est un petit peu brandée avec une énorme croix. Dernièrement, on a fait une soirée enquête. Et pour les besoins de l'enquête, j'ai dû me fondre dans la masse, donc jouer à certains jeux. Donc j'ai maintenant un beau tatouage câlin gratuit qui prend mes deux bras et mon torse. Un petit téton percé, mon téton gauche percé. Et aussi, tu as une jolie cicatrice dans le dos la fois où Atlan t'avait sauvé. Si ce n'était qu'une cicatrice quand Atlan a failli me tuer. J'ai multiples cicatrices quand Atlan a fait me multiplement tuer. Bien sûr. Donc voilà, je me suis endurci au fil de l'aventure et je suis maintenant un homme avec un look singulier. Merci. Nicolas, je te propose d'aller chercher ta fiche de perso. Oui, j'y vais. Et il y a aussi Clodomir. Clodomir de Cuivrechamp, tout à fait. Alors, Clodomir de Cuivrechamp, tu es... Un magicien de la noche. Voilà, très bien. Récemment promu, un petit peu cynique et bon en affaires. Il paraît, ouais, c'est ce qu'on me dit, mais moi je sais pas, j'ai entendu dire que oui, effectivement, j'avais cette réputation, ce qui est un petit peu usurpé, parce que c'est pas du tout ce que j'essaie de faire. D'accord, très bien. En fait, il est assoiffé de connaissances. Ouais. Nous avons également avec nous... Ketra Dachanul. Qui est... Gladiatrice. Au grand cœur. C'est ça. Voilà, très bien. Exactement. Mais tueuse aussi un petit peu quand même. Hein. Beaucoup tueuse. Hein. Un peu tueuse, mais... Ouais. Et tu as aussi un bel arsenal avec toi, deux haches, j'ai pas une mal lance, de... Ouais. Un poignard. un poignard particulier que vous n'avez pas encore utilisé. Oui, vous avez aussi un arc, des flèches. C'est ça. Voilà, beaucoup de choses. Pas de bouclier encore. Une louche d'or aussi. Une louche d'or, voilà, la louche qui permet de fière de sa louche. Et nous avons, en maître du navire, nous avons également... Atlan Gretten de Quirk. Voilà, qui a pleuré. Qui a pleuré, qui a les yeux rouges, du coup il a des lunettes, hein, c'est pas pour me la péter. Et pourquoi tu as pleuré, Atlan? Ah bah j'ai pleuré la mort de Maria. Je m'en suis voulu. Voilà, il regrette. Ah, il a des remords. Il a enfin des remords sur ce niveau. Assassin à mes heures perdues, donc. Voilà. Hein, Mais pendant le débrief, moi, je poserai la question, pourquoi l'avoir tué? Garde ça, mais réfléchissez un petit peu quand même. J'y réfléchis. Voilà, réfléchis à tes actes. Attends. Sur ce bateau fantastique, il y a aussi... Il n'y a plus de lapin, vous avez donné. Il n'y a plus Sangfroid-Fillon avec les arts, il a disparu. C'est dommage. Il y a une marmaille. Il y a Dawid Canabi, Eltony, Grick and Sick. Notre équipage. Grick Music, excusez-moi. Non, Grick and Sick. Ouais, non. Et il y a également Shikitsune, vous avez sauvé. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Pour une raison inconnue. Mais enfin, on aurait dû prendre l'autre. Oui, c'est ça, vous étiez un petit peu fatigué en fin de soirée. C'est très con, là. On a laissé Velo Santo, qui est celui qui a quand même kidnappé, qui t'a volé, notre petite... Qui te l'a volé, oui, bien sûr. Notre petit Amaury. Voilà. Et où est Amaury? Pour l'interrogation, quête en cours, une mystérieuse boîte, une poule noire d'Esperanza à porter à Shazam, si jamais vous arrivez à revenir à Alta Biorica sans qu'on vous pende haut et court. voilà. Et puis, vous aviez sur votre navire un mystérieux aventurier du nom de Bonne Fortune, qui avait fait un certain enlèvement d'une Cecilia... Alta Bianca, vous avez dit ramenons-la donc au palais d'Aria, ce que vous avez fait. Donc, petit flashback, je vous redis l'histoire.
Suivez mes instructions, vous déclare bonne fortune. Il guide votre navire dans une baie protégée au pied de l'îlot qui soutient le palais royal. La garde maritime paraît à vous couler, reconnaît l'homme au service de la famille royale et baisse ses armes. Donc c'est pas un fake, c'est un vrai aventurier. Bonne fortune charge Cécilia ligotée sur son dos, vous fait signe de vous suivre. Je vous la refais pas, mais vous aviez croisé Zulia, qui travaille à la logistique. Vous pouvez lui poser des questions si toutefois vous survivez à l'entretien. Quand vous redescendrez, vous traversez une rangée de gardes stupéfaits, vous prenez un escalier de pierre qui ne semble pas en finir, montant vers le palais. Vous arpentez d'immenses salles au sol de marbre. L'ambiance est froide et sinistre, même si vous êtes dans le palais royal d'Aria. Avant d'ouvrir une dernière porte, Bonne Fortune se retourne et vous dit, alors il a Cécilia sur le dos, vous m'êtes sympathique, vous m'avez aidé. Je vous préviens, alors à titre courtoisie, la princesse Oriane se met en colère facilement et n'a aucune pitié. Un mot de trop et vous êtes mort. Et si ça se trouve, ce serait moi qui devrais vous tuer. Il ouvre la porte et là, c'était le suspense. Que se passe-t-il derrière la porte? Et là, je vous dis enfin, vous ouvrez la porte et vous vous retrouvez dans un salon capitonné de velours, meublé de fauteuils très anciens où deux grandes baies vitrées donnent de part et d'autre vue sur l'activité intense de la ville. Donc vous la regardez enfin de haut, elle est très belle, les gens sont tout petits. Et de l'autre, sur la mer de la Morsure avec ses navires qui passent. Là se trouve le général Cassandre, qui vous dévisage avec stupeur. L'archiprêtre Zoltan, qui a un porte-masque et qui a un immobilisme glacial. Un grand homme sec qui porte les couleurs de l'Académie de magie. Mais surtout, on sait la princesse, mais la reine Oriane, car elle porte la couronne du roi des rois. Elle a 16 ans, 17 ans pas plus, des cheveux sombres comme la nuit et un visage dur impensable sur un enfant. Bonne fortune. Elle est belle. Bonne fortune. Jette Cécile à terre et Oriane le félicite tandis qu'il s'agenouille. On s'agenouille aussi, non? On s'agenouille. Ouais, on va s'agenouiller. On s'agenouille aussi. Vous vous agenouillez, très bien. Donc, Oriane discute à voix basse. Tout le monde se lance des regards. Oriane discute à voix basse avec Bonne Fortune. Elle lui donne ce qui semble être une bourse d'odu. Et elle dit, c'est Manant, c'est qui? Alors, il dit, écoute, ce sont des gens qui m'ont permis de... Altesse, ce sont des gens qui m'ont permis de revenir sain et sauf à Aria. Et je pense que Altabianca ne les aime pas trop, donc ils sont plutôt du côté de notre royaume, votre Altesse. Alors elle dit, est-ce qu'il y a un chef parmi vous? Quel est le chef de votre troupe misérable? Personne. Ouais, on est pour la démocratie, je pense. Pour la démocratie, monsieur. Non, mais dis pas ça, c'est toi. Ah merde, oui, non, il y a un chef, oui. Oui, un chef, c'est toi. On a un monarque, c'est toi. Non, c'était toi là-bas. C'est le noble. Oui, mais c'est toi le noble. Ah oui, c'est moi, bonjour. C'est toi. Bon, votre Altesse. Votre Altesse, donc... qu'est-ce que je dois faire? Je dois vous récompenser ou vous punir? Nous ne sommes pas venus pour vous demander une récompense. D'accord, ok. Ni une punition. Bon, bien, ce sera la fin de l'entretien, alors. On doit peut-être passer à côté d'un est-ce million. Que, est-ce qu'on peut demander où est le roi? Non. Mais je t'écoute. Si tu t'adresses à la reine et tu lui dis quoi? Votre Altesse, oui. Où se trouve le roi? Hélas, le roi nous a quittés hier et il y aura des funérailles dans 2 jours. Très bien, on a eu un entretien ensemble. Maintenant, vaquer. Eh bien, vacons. Est-ce qu'il serait possible de m'entretenir avec vous en privé? Quoi? Avec la princesse? Avec la reine, oui. T'étais sûr là? Mais... qu'est-ce que vous voulez me dire? Quelque chose qui... Non, je n'ai rien à cacher à personne, que ce soit ici. Ne me fais pas perdre votre temps, c'est le dernier truc. Alors, t'as bonne fortune. Ok. Non, mais tant pis alors. Vous voulez me dire quelque chose, dites-le-moi. Non, c'est vraiment quelque chose de... Je ne vous fais pendre à une corde, tant que vous n'avez pas... Et je fais tirer si vous ne me dites pas ce que vous voulez me dire. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Et dur en affaire. Négocie pas comme le vent. Ouais. Négocie pas comme le vent. En fait, je suis désolé. j'avais une. Je sais pas comment le dire. Je suis un peu ému, en fait. C'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de. Bon, révéler. Vous me faites perdre votre temps. Dehors. Ok. Tu voulais dire quoi déjà? J'étais magicien de la nuit, mais avec le chef de l'académie de magie à côté, je vais éviter. Bon, on vous éjecte de la salle. Vous retrouvez Bonne Fortune. Il dit bon, je vous dis pas le chemin du retour. En tout cas, c'était très sympa. Lui, il a une petite bourse, il est très content. Attends, attendez. Nous, on n'a même pas été récompensés.
Oui, puis, vous avez eu l'occasion, vous n'avez rien demandé. Pourquoi t'as pas demandé de, bon, parce que ça se trouve, elle va mal le prendre, j'en sais rien, moi. La prochaine fois. Alors, il descend les escaliers, hein. Vous pouvez le suivre. On le suit. On a risqué notre vie pour vous. Alors déjà, avant toute chose... Vous avez ramené sain et sauf. Écoutez... À la base, c'était quoi le contrat qu'on a écrit quand, quand vous nous avez... Le récupérer à 3h du matin. Oui, mais du coup, il ne nous avait rien promis comme récompense, lui. Bah, moi, il m'avait promis qu'il allait m'apprendre quelque chose, quand même. Ah, alors déjà. Moi, je... Non, oui, écoutez... Un associé de la reine... Je n'ai rien à vous apprendre, vous êtes très doué. Génial. On se parle un petit peu, là. Un homme si proche de la reine ne peut pas tenir parole. Vous avez eu votre fenêtre d'expression. Vous pouvez re-rentrer dans la salle du trône si vous voulez. Non, mais la récompense, c'était vous. C'était pas la reine. Écoutez, vous savez quoi ? Le monde est petit. Ça fait deux fois qu'on se rencontre. La prochaine fois, j'aurai quelque chose pour vous d'intéressant. Ça prend pas mal. De toute façon, regardez, vous êtes dans le palais. Vous savez quoi ? Allez aux cuisines et faites-vous un bon petit repas. Non, mais on n'a pas risqué nos vies pour un encas. Donc, à un moment, donner une partie de la récompense. Un repas princier. Un encas princier. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous voulez quoi ? Je vous ai vu avec votre coffret plein de pièces d'or. Vous voulez une pièce d'or supplémentaire ? Non, on veut plus que des pièces d'or. Bien sûr. Moi, je voudrais un laissez-passer pour la ville, pour tous les ponts. Pour tous les ponts ? L'entrée-sortie de la ville illimitée, les ponts en forfait illimité. Je voudrais également l'entrée secrète réservée aux magiciens de la nuit. Vous savez quoi, votre copine, là ? Julia, celle qui a un cheveu sur la langue. Demandez-lui. Elle est logistique, elle peut fournir ça. Oui, mais du coup, vous n'avez rien de recommandation. Mais moi, je ne suis pas votre pote. Je vous ai demandé un avis, je vous ai permis de rencontrer la reine. Vous n'avez pas profité de l'occasion, je ne peux rien faire pour vous. Ouais. Si demain, je vous donne une épée magique et que vous l'achetez dans au fin de l'océan, ce ne sera pas de ma faute. Vous avez une épée magique ? Je n'ai pas d'épée magique, mais c'était un exemple. Il y avait un arc que vous avez remporté à un concours. Et je ne vais certainement pas vous donner cet arc qui est extraordinaire. D'ailleurs, qui est dans un endroit que vous ne trouverez jamais. Écoutez, moi je vais. Il n'y a pas quand même des entrées secrètes pour les magiciens de la nuit ? Mais pas du tout. Et si j'ai un petit conseil à vous dire, n'en parlez pas trop parce que je ne crois pas que la princesse Oriane soit au courant. La reine Oriane. Non, j'ai eu raison. Ouais. Alors, juste une réponse à une question. Ouais, pourquoi ce rassemblement au... Alors, je veux bien que le roi soit mort hier, mais. Écoutez, je ne vais pas perdre mon temps avec vous, je vais répondre à votre question. Donc, il y avait qui ? Il y avait la reine, son général. Le chef de l'Académie de Magie, l'archiprêtre. Qui s'appelle comment ? Qui s'appelle Alpha Pizza. Alpha Pizza ? Ah oui, il doit venir d'Alta Bianca, lui. Voilà. Ok. Donc, c'est normal que ce soit les conseillers les plus proches et les plus influents qui soient à ses côtés. Mm-hmm. Ce qu'il faisait, probablement, il préparait... la succession du roi ? En ce moment, on est en guerre contre Akaba, donc je pense qu'ils ont beaucoup de choses à s'entretenir et pas beaucoup de temps à perdre. Passe complètement à côté Le roi est mort, il était en vie quand même depuis un petit moment. Il était en vie depuis le début de sa vie. Oui, mais il tenait, quoi, dirons-nous. Écoutez, il est tombé malade, hein, et c'est comme ça. Vous avez des informations sur cette maladie ? Mais tout le monde est au courant, c'est sa pâtissière qui l'a empoisonné. Ah, gourmandise ! J'y vais. Alors, vous êtes dans le palais royal, vous pouvez vous aventurer un peu partout. Vous avez éventuellement une direction vers la cuisine et vous pouvez aussi retourner sur le quai privé du château, qui est donc, parce que le château est sur un rocher, souvenez-vous, où se trouve votre bateau, éventuellement d'autres bateaux, d'autres soldats et Julia. Et de là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Non, mais allons voir Julia. Après, on voit Julia, non ? Je pense qu'on va aller voir Julia d'abord. D'abord, ouais. On ne pourra pas se renseigner aussi sur comment cuisine après. Oui. Parce que du coup, c'est sûrement quelqu'un d'autre qui. Bah non, à Julia. Je pense pas que ce gourmandise qui a empoisonné le roi. Bah non. Mais sûrement la sorcière. Elle a bien pu. De quoi tu parles ? La sorcière des bois, là ? Bah oui, la sorcière des bois. Alors ? T'as 5 d'intelligence, hein, t'es pas censé te rappeler. Donc vous retrouvez. Julia, vous retrouvez. Eh ben non, ça a été rapide. Oui. Est-ce que la reine vous a bien traité ? On avait peur de dire un mot de travers et de trop demander. Ben effectivement, trop demander, c'est toujours prendre le risque. De mourir. Voilà, pour le coup, on n'a rien demandé. Ah bah écoutez, vous n'avez pas pris de risque. Alors, on a demandé quelque chose par contre. La recommandation de bonne fortune, il nous faudrait un laissez-passer pour les ponts de la ville. Nous avons demandé aucune récompense. Nous avons aidé bonne fortune sur une mission stratégique et même cruciale pour vous, parce que vous détenez maintenant une des héritières d'Alta Bianca, pour mettre pression sur eux. Donc, et nous, pour une mission comme ça, je veux dire, on n'a rien demandé. Donc, arrêtez d'être aussi vénaux. Un petit forfait data passage illimité, là, ça ferait du bien. Alors, si vous voulez ce type de récompense,
Je peux vous donner quelque chose, mais ça implique de rendre un petit service de rien du tout. Encore ? Non, mais vous allez voir, je vous explique. Vous voyez, là, on est sur le port privé. Mmh. Je pourrais vous donner un pavillon royal. Donc, le pavillon royal, ça permet, parce que je vois que vous êtes plutôt dans la marine marchande, d'arriver et dans n'importe quel port de ne pas payer les taxes portuaires. Oh, c'est bien ça. Donc par exemple, ça vous fait économiser 10 écus si vous mouillez à rien. On pas prêt d'y retourner. Hein. Un pavillon royal avec un port, on se fait fumer. Puisqu'on parle de pavillon royal, vous n'êtes pas obligé de le mettre partout. Et de marine marchande. Mais c'est une très bonne, ça c'est une bonne suggestion. Est-ce qu'il serait possible également aussi, s'il vous plaît, Zulia, d'avoir le registre du port qui concerne l'arrivée de tous les navires en provenance d'Alta Bianca depuis une alors, semaine. Alors, ça tombe bien, puisque je suis à la logistique, je suis au courant de tous les navires. Est-ce que vous voulez savoir quelque chose ? Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit navire qui serait arrivé aussi en provenance dans la direction, depuis la direction d'Alta Bianca ? Pendant qu'elle est en train de vérifier le truc, le registre, tu te souviens, parce que tu es quand même quelqu'un d'intelligent, oui, c'est que vrai. Le navire en question que vous avez suivi depuis Alta Bianca était arrêté à l'île des Abandonnés. Donc, a priori, il n'est pas arrivé, et Julia te confirme, je n'ai pas de tel navire dans mon registre. D'accord. Ok. Oui, bon, on prend le pavillon royal. Ah oui, ça mais pas sûr. Possible d'avoir et en plus un pass pour le week-end éventuellement. Ouais. On est blindé à la race, on s'en fout. Ah non, non, mais nous emmerder c'est à chaque fois. Parce que t'as de l'argent, il faut le dépenser n'importe comment. Ouais, non, mais là ça va. Nous avons aidé la ville. Je suis désolé, je suis affecté pour le moment, comme vous voyez, sur ce port. Okay. Et je m'occupe des affaires assez bon, bah, prenons le. Alors attendez. Et je veux bien que Julia, vous venez nous tenir au courant si le bateau qu'on recherche. Parce que celui-là, il était à l'île des Abandonnés. Est-ce qu'il n'y aurait pas un gros navire qui serait venu en provenance de l'île des Abandonnés ? De l'île des Abandonnés ? En tout cas, vous savez ce que c'est que l'île des Abandonnés ? C'est une poubelle. Comment voulez-vous ? Les gens s'arrêtent parfois pour aucun navire n'est construit là-bas, ne fait escale là-bas. Il faut être fou furieux pour aller là-bas. Et qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait un gros navire qui vienne ? Non, bon, vous avez quoi comme navire là, qui est arrivé récemment en provenance de l'ouest ? De l'ouest ? De l'est. C'est où, Alta Bianca, par exemple ? De l'ouest. Non, c'est au. Ouais. J'ai quelques navires marchands de Aria, du royaume d'Aria. C'est tout parce que tous les navires convergent sur Alta Bianca pour le mariage du prince. Et okay. Avec Akaba, on est en guerre. Ok. Alors, ce qu'on propose, on prend le fanion, le drapeau royal. Alors, le pavillon. Autre chose par rapport, autre point positif que vous apporte le pavillon royal, c'est que quand vous le portez, on vous considère comme envoyé du roi. Ou de la reine. C'est-à-dire qu'Akaba, je vois vraiment pas le sortir. Ouais. Ah oui, ça, c'est sûr, si vous rencontrez des gens d'Akaba. Voilà. Alors, il se trouve que. Qui garde le pavillon royal sur lui, là ? Attendez, je vous le prête. Ah, vous le prêtez ? Oui, bien sûr. Oui. Il faudrait le donner à. Est-ce que vous comptez aller vers l'ouest, vers le royaume d'Akaba ? Oui. Oui. À un moment. Alors, il y a un village, juste après Vandermeer, il y a un village qui s'appelle Void. Mm-hmm. Ah, on fait de l'alcool de mouette. On a déjà entendu parler de l'alcool de mouette de Void. Ouais. On connaît bien. Tout à fait. Et juste, il y a une galère royale sur Void qui a besoin de ce pavillon royal afin de montrer un stratagème pour capturer des pirates. Quoi ? Mais pourquoi nous ? Non, je n'ai pas dit que c'était vous. C'est-à-dire que vous arrivez à Void, vous donnez votre pavillon et entre-temps, le moment d'arriver à Void, vous pouvez utiliser librement le pavillon. Ah d'accord, après on perd. Il est usage unique en fait, notre pavillon. Il n'est pas usage unique, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez, c'est un drapeau. Oui, mais une fois qu'on l'a donné à Void, c'est terminé, on ne l'a plus. Oui, c'est sûr. Ah, vous n'en avez pas deux. C'est quoi ce cadeau Vous pouvez l'utiliser quand même plein de fois entre ici et après. Mais on ne veut pas l'utiliser plein de fois. Elle n'a pour rien, on va vous prendre pour la famille du roi. Avant dernière, on va prendre pour la famille du roi. Et autant réclamer deux des pavillons, tant qu'on y est. Il n'y a qu'un pavillon royal, arrêtez. Et je veux dire que, à propos de pavillon royal, vous m'avez déjà sauvé la vie deux fois, donc je remets ma vie en vôtre, dans vos mains. Apportez ce pavillon royal à Void, sinon je vais avoir des ennuis. Mais on a combien de temps pour le faire ? Bon, je sais pas, le temps du voyage, disons deux semaines. Un mois ? Un mois, si vous voulez. Ok. Pour deux jours, on est mort. J'ai l'impression qu'on s'est mis une mission d'une rentabilité folle. De toute façon, il va falloir aller à Cabin. De toute façon, il y a Naporia sur la route, non ? Il y a Naporia et Vandermeer. Voilà, il y a Naporia sur la route. Et même un village qui s'appelle Fouya. Fouya. Il y a quelque chose qui me chiffonne quand même dans cette histoire. Qu'est-ce qu'il y a, Clodomir ? Notre ami Amaury, il faudrait peut-être Moi, ce que je propose, c'est que vous me prévenez. Je laisse mon chat qui me préviendra. Voilà, vous lui dites. Vous lui dites. Il y a un bateau bizarre qui vient d'arriver. Ce ne sont pas des marchands. Pas magique. Un bateau avec un équipage très réduit. Attendez, vous me laissez ce chat. Je vous laisse ce chat. Pourquoi ? Je le laisse parce que c'est mon messager.
Mais, je pense qu'il fera ça. C'est-à-dire qu'il va voler dans les verres. Non, mais vous lui accrochez un truc sur le cou. Vous mettez un petit message, vous disiez le bateau est arrivé. Un bateau est arrivé. Mais et c'est hop. Ça, je vais lui dire devant moi. Un chat boomerang, il revient toujours. Donc, non, mais j'ai confiance. Ok, admettons. Donc, ce phase le garde. Oui, bah, oui. Et je mets quoi autour du cou ? Alors, lorsque vous voyez un bateau suspect arriver qui ne sera pas un navire marchand, probablement, avec un équipage très réduit. Un bateau avec un équipage très réduit ? Est-ce qu'il sera arrivé avant nous ? Bah non, quoi, techniquement, il n'est pas arrivé, il n'y a rien sur le... Mais quand on est arrivé, il était déjà plus là, le gamin. Non, parce que sur le registre. Il n'y a rien sur le registre. Y a c'est normal, vu qu'ils se sont arrêtés sur l'île des abandonnés. Ah oui, mais il faut bien qu'ils viennent après pour donner le gamin. Flashback, je vous rassure, remets la mémoire en tête. Vous partez et vous avez ce petit bateau au loin oui, que vous suivez, nous, ouais. Vous suivez. Vous trouvez ce bateau sur l'île des abandonnés, vous y arrivez, vous décidez de laisser tomber un peu l'enquête et vous repartez. Voilà. Bah oui. Non, mais il y a un moment, il doit aller on aurait dû faire l'enquête sur l'île des abandonnés. En je sais pas pourquoi on est reparti. Je pense qu'il faut y retourner, hein. Tout simplement. Bon, je... C'est Kitsune qui est près de vous dit quand même, j'ai le problème que vous me déposez Aria d'avant. Mais t'es Aria, je suis Aria. Non, vous êtes tourné sur un rocher qui est au large d'Aria. Aria, c'est à 300 mètres. Julia, vous pouvez prendre chez Kitsune, le déposer dans une galère qui part à Aria, qui nous fout la paix. Et est-ce qu'il pourrait faire un bon soldat, vous pensez ? Lui ? Oui. Oh bah oui. Bah, en tout cas, il mettra du cœur à l'ouvrage. Très bien, on va voir ce que je vais en faire. Bon. Donc, chez Kitsune part avec Julia. On va se tourner à l'île des amoureux. Ah, bon, je garde le chat. Bah, on oublie cette histoire de chat. De toute façon, on a. Alors, concrètement, à part aller jeter un coup d'œil en furtif du côté du manoir Treherne pour voir si. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres affaires à Ariane ? Parce après, que tout le monde veut nous tuer. Ouais. On a le pavillon maintenant. Donc on alors, est bien tout le monde veut te tuer personnellement. Ah. Les heureux autres, ça va. Moi, je suis très bien. Hein. Bah, vous voulez pas... Tu restes sur le bateau. Bah, moi, je reste sur le bateau. Et tu lis mon bouquin. Eh ouais ! Eh ouais ! Vous voulez pas aller planquer du côté du manoir Treherne avec on va faire une planque là-bas. Mais très non, on reste une soirée. Il est quelle heure ? On va dire qu'il est 11h du matin. Vous prenez une longue vue. On bouffe. Et vous prenez une longue vue. Ouais. On bouffe. Vous vous calez dans le quartier des UP là-bas, là, je sais plus comment il s'appelle. Ouais. Et vous surveillez, vous faites une planque, vous surveillez le manoir Treherne, vous regardez les entrées et venues, est-ce qu'il n'y aurait pas un gamin ou un sac à patates qui rentre ? Exactement. Mais si on voit un gamin qui rentre, de toute façon, on est filouté. Ah bah non. C'est nous qui l'avons ramené. Mais bien sûr que si. S'il arrive. Non, mais c'est pour savoir. Ouais. Parce que là, si ça se trouve, les gars. Non, mais alors, attendez. Déjà, il faut qu'on se mette d'accord. Oui. Est-ce que cet enfant, vous comptiez le rendre ? Ou est-ce qu'on va juste le délivrer pour qu'il reste avec nous dans notre équipage ? Ah non, on le rend. Ah non, on le rend. Vous êtes vraiment des salauds. Hein ? Bah, on le ramène à sa famille. T'as vu le boulet que c'était ? Mais non ! Tu l'as fouetté jusqu'à la mort. Tu l'as fouetté jusqu'au sang, je te rappelle, t'as fait une tuée. Les accidents arrivent. Bah justement, j'ai réfléchi à son sort pendant le voyage. J'ai collé sa tête et tout. Oui, mais toi, c'était très sale. Moi, je pense que ce gamin, il faudrait qu'on le garde avec nous. C'est un bon petit gars. T'as vu le fric qu'il rapporte ? On a déjà une bande de 12 stagiaires. Mais on est blindards ! On a de l'oseille. Filez-moi n'importe quoi, je le vends vite. Mais on a plein de stagiaires, Clodomir, déjà. Qu'est-ce qu'on en veut à un autre ? Bah, je l'aimais bien, celui-là. Mais il veut faire du tir. Tu sais quoi ? Il nous rejoindra plus tard dans l'aventure. Déjà, avant toute chose, allons-y. Mais d'abord, la bouffe. On a promis un repas principal royal. Hein. Alors, il y en a qui n'ont pas moi, trop de pémé. J'aimerais bien récupérer quelques points de vie. Alors, donc, vous retrouvez aux cuisines, non pas dans la salle de dîner royal, mais une grande cuisine quand même, avec beaucoup de cuisiniers, d'aides cuisiniers. Et donc, tu as Ifawa, qui est le cuisinier en chef royal. Et il dit, mais qu'est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous voulez chercher à travailler peut-être ? Ah non, non, non. Vous a promis un repas, je cite, princier. Qui vous a promis ça ? La reine. La reine Oriane vous a promis La reine Oriane. Vous voulez aller excusez-moi, lui demander vous-même ? Excusez-moi, on va dresser tout de suite dans la salle royale. On va mettre sortir les couverts dignes de votre rang. Vous venez d'où ? Attendez, c'est... Dans la salle royale, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée quand même. On va manger dans les cuisines, discrètement. La reine vous a demandé un repas royal dans les cuisines. Non, oui, nous c'est très. Attendez, je vais pas me faire avoir des ennuis avec la reine. Non, mais vous n'avez pas une petite salle tranquille qui soit pas très royale. Qui soit royale. Royale, vous savez, c'est très nouvelle cuisine, ça. C'est vraiment à la bonne conquête, quoi. Quand même. D'accord, on a une petite salle. Donc, il vous installe une table et des couverts somptueux dans une belle, jolie salle avec quand même une petite fenêtre qui donne sur la mer. Et donc, on vous sert. Alors, j'ai une liste de choses, ça arrive. Moi j'ai demandé un menu dégustation. Donc. Menu dégustation. Oui. Arrive. Je vous avoue que j'ai un petit pincement pour la petite gourmandise du coup qui devait être dans une géole quelque part là. Bah, elle est peut-être morte même déjà. Non, on reviendra un jour. Bah, on peut demander à Ifawa s'il connaissait gourmandise vu qu'il bosse dans la cuisine, ça devrait pas ouais. Le. Oui. C'est vrai ça. Mon cher. Ifawa. Connaissez-vous gourmandise ? Oui, très bave mais une traître.
Ah, mais vous c'est pensez vous vraiment. Il vous sert un potage de châtaigne délicieux. Attends, mais ça se trouve, c'est une entrée, ça. Oui, une entrée. Ok. Attendez, ça se trouve, c'est lui. Quoi ? Qui a empoisonné le roi. Non, c'est. Qui a fait porter le chapeau à gourmandise. Est-ce que vous préférez une tourte à la langue de bœuf ou une perdrix ? Une perdrix, moi. Une perdrix dans une tourte ou. Trois perdrix. Vous voulez une tourte à la perdrix ? Bah, je sais pas, ouais, c'est possible. Moi, j'aime la langue. Ok. Très bien. Toutes les langues. Je vais apprendre ces langues. Toutes les langues. Quelques andouilles ou pas ? Ouais. Ah oui. Ah allez. Bah oui, tiens. Une dizaine. D'accord. Elle nous fera un petit doggy bag aussi au passage. Ok. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont moins de 5 points de vie ? Oui. Non, t'en as 5. Ah non, j'en ai 5. Ah, donc ceux qui ont moins de 5 points de vie. Non, ceux qui ont plus de 5 points de vie gagnent 1 point de vie pour ce somptueux repas. C'est tout. Bah, un point c'est, de vie. C'est pas un repas magique, hein. Peut, ah, mais un point de vie sur nos maximums. Du crabe dégueulasse ou un truc, c'est un point de vie. Donc si on est max, du coup... Donc à la fin, il y a un entremets au beurre, des fruits à la crème et de la confiture et du pain. Alors est-ce que, cœur sur la main, est-ce qu'on peut, ça se fait pas mais ça se fait, est-ce qu'on peut récupérer quelques desserts ? Faites-nous un petit assortiment de pâtisserie du coin et on va les amener aux stagiaires. Un petit doggy bag princier. Bah oui, c'est sympa, toi tu retournes sur le bateau. On n'est pas méchants, nous. Hein. Il dit, c'est parfait, je viens de faire pour la reine, mais je vous en donne une copie. Un délicieux pain à la pâte d'amande. Oui, pain à la pâte d'amande. Est-ce qu'il n'y aurait pas des pains qui mériteraient d'être bénis ? Exactement. Je peux bénir ce pain. Évidemment, mais on a notre propre prêtre du pain à demain. Ah, mais il est bon ou pas ? Est-ce qu'il bénit les miches vraiment bien ? Parce que moi, je les connais, les charlatans. Hein. Ça arrive, ça fait que dalle. Hein. Mais écoutez, si vous voulez postuler en tant que maître prêtre du pain royal, vous pouvez aller au bureau des doléances. Non, on va pas y aller. Ok, très bien. Très bien, le poste était à pourvoir. Bon, j'y après ce merveilleux repas, vous ressortez sur le quai. Oui. Julia vous regarde à nouveau, mais reste à ses affaires. Que faites-vous ? Moi, je retourne donc sur le bateau avec les pâtisseries. Ouais, et mon bouquin. Le codex runica. Je te laisse mon codex. Ouais, le codex Oscura, là, où c'est Nebria, je ne sais pas comment il s'appelle, là. Et nous, on prend la tatoum. Et fais un jet de lire écrire. Mais bien sûr, jet de lire écrire. Et toi, vous allez faire la planque, c'est ça ? Ouais. Et voilà, on prend la longue vue. Réussi ou pas ? Bien sûr, réussi. À plat. Tu me lances un dé à 12 faces. Un dé à 12 faces, j'en ai peu. C'est comment ? Je peux pas te donner un dé. Ah, c'est celui-là, ok. Allez, c'est parti. Et c'est le 6, mais je l'ai déjà. Ouais. Ouais, je l'ai déjà fait. Et un autre. Relance. Et c'est un 2, mais je l'ai déjà fait. Non, t'as pas fait 2. Relance. Ah, si. Tu sais lire, toi ? Et c'est encore un 2, c'est incroyable ! T'aimes bien relire tes passages préférés, toi. Hein. Et c'est un 8 que je n'ai jamais fait. Ok. On verra ça plus tard. Sympa. Donc, pour l'instant, vous retournez à Aria, cette délicieuse odeur, pas très bonne en fait. cette densité, ces petits rats dans les rues, cette petite ville médiévale avec des toits fatigués, mais quand même le beau quartier, le quartier des nobles. Et d'ailleurs, beaucoup de choses, beaucoup de flashbacks, même si c'était il y a 3 semaines. Vous retrouve. Donc, quel est votre plan exactement ? Il y a le manoir des Tréarnes que vous connaissez. On va aller se poser près du manoir. Peux-tu décrire un peu les alentours ? Autour du manoir Tréarnes, le manoir Tréarnes donne sur la mer. Il a un très grand jardin autour de lui, donc c'est une grande bâtisse à 2 étages. Il donne sur la mer. Il y a donc un très grand jardin autour, à la fois côté mer et côté rue. Et il a une grande grille avec une grande porte. Devant la porte, il y a deux gardes en permanence. Ce sont des gardes privés, ils sont habillés en noir. Sinon, ça reste le quartier des nobles, c'est-à-dire c'est des rues pavées avec des manoirs espacés. Pas aussi beau qu'Alta Bianca, mais c'est beau quand même. Et un peu plus loin, un peu plus au nord, tu as la fameuse place des nobles où se trouve l'arbalète. Qu'ils te connaissent très bien. Exactement, mon établissement préféré. Est-ce qu'on voit le manoir depuis l'arbalète ? Alors, pas depuis l'arbalète, mais tu peux. Il y a un angle. Tu peux mettre en terrasse. Avec une longue autant faire une plante. Avec t'es une plante, autant faire une plante. Bah ouais. Non, mais par contre, effectivement, un peu loin. Le bouquin. Tu peux, à deux rues de distance, et avec une longue vue, ce ne sera pas très discret, tu peux regarder l'entrée du manoir. Eh bien, c'est parti. Allez. Mais c'est pas très passionnant quand même. Hein. Bah ouais, on aurait préféré aller à l'arbalète. Ah ouais. Un écu, le petit-déj. Donc là, on fait une demi-journée de planque. Bah on est obligé hein. Allez, on fait une demi-journée. Tu veux pas aller faire des courses toi ? Vous voulez pas demander directement aux gardes si le gamin a été ramené ? Ah c'est ça nous éviterait pas mal de alors, d'attente. Pendant ce temps-là, moi je vais retourner chez le. J'avais rencontré un médecin à Aria. Oui, tout à fait. Enfin, c'était pas l'amour fou, mais oui.
C'est pas l'amour fou, mais... Ah ouais, si on commence à se séparer, c'est mort, quoi, non? Bon, bah, je reste avec vous. Ok, la planque. Donc, okay. Rien ne se passe. Attends, on va demander aux gardes quand même avant. Rien ne se passe jusqu'à la tombée de la soirée. Ok. C'est là c'était une journée productive. On a, ouais, rien, rien branlé devant le manoir. Non, je vais te dire, mais... Parce que je lis, hein. Quoi, ouais. Bah, demander aux gardes si le gamin a été ramené ou pas. Ouais, mais on est un peu cramé à rien, en fait. Cool, bah, non. Non, mais sur le, sur le pont de la conversation. Bah ah, oui. Voilà, t'y vas, okay. Tu fais genre... Oui, mais c'est toi le charmant. Moi, bon, bah, on y va, j'y vais. Moi, j'ai une tête de babos qui jongle près des fontaines, là. Comme, je m'approche des gardes. Alors, Beldeus, le garde, te reçoit, Beldeus. Oui. Et il dit, du balai maintenant, c'est le manoir Tréherne, ici. Je le sais, messieurs. Bonsoir. Par curiosité, on a été très attristés de la disparition du petit... Depuis déjà un moment, des nouvelles ? Non, pas de nouvelles, c'est très triste. Il n'est toujours pas... Vous en avez, vous ? Alors non, mais sachez que si j'en ai, vous serez les premiers informés. Merci. Bien évidemment. Et d'ailleurs, c'est bien que vous me disiez ça, parce qu'une récompense est prévue. Mais si vous me le dites à moi, je peux peut-être négocier en votre faveur et faire en sorte que la récompense soit un peu plus grosse et puis on partage un peu. Tout à fait, je prends bonne note. Bonsoir, messieurs. Et du courage. Hein. Il serait parti du côté vers l'ouest. Ah, vous savez, les rumeurs, j'entends des rumeurs dans le manoir qui dit qu'il serait parti sur les chemins par la porte de l'ouest, peut-être ces petits villages, Vandermeer, Naporia, on ne sait pas. Intéressant. Ok. Ouvrez l'œil hein, ce soir. Hein. Ok. Bon, bah, faut retourner sur l'île. Bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend un peu plus des, non, il faut retourner sur l'île des abandonnés. On l'a quitté à toute vitesse parce qu'on l'a quitté à toute vitesse parce que Bonne Fortune nous avait dit faut y aller. Oh, mais il nous a roulé dans la fin. Jusqu'au bout. La prochaine fois qu'on le retrouve. Alors là, franchement, mais. On le fume et on récupère son arc. Ouais. Je rigole pas. Franchement, j'ai l'impression d'avoir loupé. Bon, bref. Bon, bah, du coup. Vous venez sur le bateau. Alors. Voilà, sur le bateau. Quand Demure finit sa lecture, t'avais dit quoi, toi 8 Le 8, ouais. Alors, tout le 8. Il y a quelque chose. Il y a une personne. Est-ce une divinité, une héroïne ou une personne normale qui s'appelle la guerrière du secret. La guerrière du secret, elle a créé un ordre, l'ordre des protecteurs. Vous n'avez pas déjà entendu cette histoire d'ordre des protecteurs ? Impossible. Chose. Les protecteurs ont un sens spécial qui leur permet de détecter quelque chose qui s'appelle les tulpas. Les tulpas ? Les tulpas. T-U-L-P-A. S quand il y en a plusieurs. Et une lame ointe de leur sang peut tuer un tulpa en un seul coup. C'est quoi un tulpa ? Et c'est la seule façon de tuer les tulpas. Ah. C'est bizarre, donc pour tuer un tulpa, pour faire couler le sang d'un tulpa, il faut le sang d'un tulpa. Ce serait pas un tulpa que vous avez croisé? Non, c'est un protecteur. C'est les protecteurs qui ont un sens spécial. L'ordre des protecteurs, les protecteurs ont un sens spécial qui leur permet de détecter. De détecter et de tuer les tulpas. Enfin, ils peuvent détecter les tulpas et s'ils mettent leur sang sur la lame. Non, ouais. Ah, c'est le sang des tulpas qui. Non, le sang des protecteurs sur la lame, ils peuvent tuer un tulpa. C'est le seul moyen de les tuer. Le mage pété que vous avez croisé, c'était pas un tulpa? Quel mage pété? Celui qui vous a fait faux bond, qui était insensible à la magie. Ah, vaporeux là, celui qui se faisait choisir pour. Je sais pas, on sait pas ce que c'est, pas. Celui qu'on a quitté. Est-ce que ce serait pas justement les protecteurs? Je sais pas. Non, peut-être. C'est celui qui avait pris la forme du parfumeur. Exactement. Bah attends, le dieu ennemi, l'ordre des protecteurs, c'était déjà. Bah du coup, on ira demander. C'est la deuxième fois que j'entends parler de l'ordre des protecteurs. Bah oui, c'était sur le chapitre 6. Est-ce que tu peux nous redire le chapitre 6 ou pas? Dieu ennemi, ordre des protecteurs. C'est ce que t'avais noté? C'est comme ça que tu prends des notes? Merci. Il y a la fac ou quoi? C'est pas un cours magistral à la fac. Non mais normalement il y a un petit résumé que tu vas me filer. On a tout noté. Bouquin magique. Attends. Il a rien noté, mais quel con. Une demi-journée. Hein. Alors, ta demi-journée à déchiffrer? Du protecteur, du tout. Ah ouais, je l'ai noté. Mais t'as rien noté. J'aimerais bien vous y voir. C'est la 6. On va noter pour toi, c'est moi j'ai la 2. Non, pas noté la 6. Non, j'ai la 6, forcément. Oh là là. Moi, la 2, j'ai exil du roi des dieux. Le codex glandulica. Non, mais attends, j'ai le bouquin. Et 12, c'est quand même beaucoup. Attends. Maître du jeu, c'est à toi que je m'adresse. Oui. Moi, j'ai le bouquin, là, quand même. Il est là. Tu peux le relire. Bah, je peux le relire. D'accord, mais attends. T'as pas noté. On verra s'il a vu le 6 ou pas, et s'il a besoin de relire, on verra. On avancera dans le temps. Et moi, je me rappelle d'un truc, là. On avait noté que... Ah oui, En Osmanie, il y a le sanctuaire de l'ordre des protecteurs. Ah, c'est en Osmanie. Sur une île. Voilà. C'est quoi l'île? L'île, c'est Imali. Quoi? C'est où? Imali. J'ai pas ça dans mes notes. Imali Adazir. C'est l'Osmanie ou l'Osmanli? C'est pareil. L'Osmanli. Donc c'est bon, j'ai retrouvé mes notes parce que je suis très appliqué. C'est l'île de quoi? Imali. Imali Adazir. Ah d'accord, parce que. Mais comment tu sais ça, toi?
Bah, je l'ai noté quand on nous l'a dit. Oh là là, j'y crois pas, le déchiffrer, c'est pas lire, mais elle a mieux noté le truc que toi. Ouais, 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 mais c'est n'importe quoi. Le dieu ennemi ouais. avait deux serviteurs spéciaux uh-huh. qui, contre l'ordre des protecteurs, qui les traquent. Ah oui, l'ordre des protecteurs traque les deux gardes. Les deux c'est serviteurs ça que j'ai spéciaux, noté. Exactement. Et puis, il y a une chapelle secrète à ouais, Imrali, oui, mais ça, à Dazil. Imrali, ouais. Et dans la mer Marmobréenne ah, d'Osmali. Un sanctuaire de l'ordre des protecteurs. Voilà, c'est ça. Mais alors, on sait pas qui sont les gentils, qui sont les méchants. Ah, mais du coup, pas de gentils, mais du coup, pas on méchants. Y va, on chope du sang. Mais est-ce que, le dieu, est-ce que le dieu interdit, c'est un tout le pas en fait? Mais c'est quoi un tout le pas? Il faut savoir ce que c'est un tout le pas. Il faut finir de lire ce bouquin. Il y a des trucs. La seule manière de tuer un tout le pas, c'est l'ordre des protecteurs. Imagine trois ordres des protecteurs sont en train de chasser des mecs dont le dieu interdit. Est-ce que le dieu interdit, c'est deux protecteurs, enfin ces deux gardes du corps, ce serait pas des tout le pas? J'ai fait une petite ellipse, mais vous avez pu accoster au quai d'Aria. Oui. Et vous avez accosté sur les quais militaires parce que. On a le drapeau de toute façon. Vous avez le drapeau. Écoutez, mes amis, de toute façon, nous n'avons lu que 4 chapitres sur 12. Oui. Donc je pense que la lecture et l'étude approfondie. Est-ce que tu viendras mieux la prochaine fois? Mais bien sûr, je n'arrête pas. D'ailleurs, je l'ai noté. Chapelle secrète sur l'île d'Imrali, à Imrali Arasi, mer marmoréenne, Osmanli, vitrail, visage du dieu ennemi. Hey, tu notes des trucs genre. Eh ben bah oui, mais ça fera sens quand on se parle. Mais le contexte. Non, mais ça, je compte sur le. Il y a très peu de contexte sur le Wikipédia. Bon. Le soleil se couche et vos petits stagiaires se régalent de votre goûter et vous remercient et ils arrêtent de t'appeler la méchante pour le coup. Voilà. Pour l'instant. Parce et ils disent vraiment on vit l'aventure, on est bien traité, vous n'avez pas voulu nous laisser sur l'île des abandonnés oui, et ça nous a fait beaucoup plaisir. À votre avis les enfants, où est votre leader? Amaury. Alors David Canabi dit déjà c'était pas le leader, c'était moi le leader. Alors c'est toi le leader, alors où est Amaury? Mais j'en sais rien. Il était avec nous, mais vous l'avez emporté. Il vous a jamais parlé de ce qu'il voulait faire Si, il voulait. Quand il était avec nous dans la bande de petites poules, il voulait qu'on ait une sorte d'autonomie et qu'on devienne une bande autonome, tout ça. Et puis après, quand il était sur le bateau avec nous, il voulait plutôt devenir peut-être un pirate ou peut-être un marchand. Et après, je sais excuse-moi, Daoui, mais pour moi, c'était lui le chef. Il est plus jeune que moi déjà. Bah oui, mais j'ai noté Amaury, chef. C'est vrai. Ah, les nôtres, non, mais il est, là, en fait, j'étais la chef, c'est une fille, j'étais la chef, mais il est arrivé, il a un peu tout organisé. Ouais, donc il était au... Vous étiez deux chefs. Donc c'est un mec du patriarcat. C'était coach. C'était mon conseiller premier. Voilà. D'accord. Qui t'a volé le rôle du chef. Okay. En fait, toi, t'as noté Amaury chef, hein. Comme tu notes aucun... Comme tu notes aucune forme d'autre chose. Mais c'est pas grave, maintenant t'es chef. A volé le rôle du chef, tu vois. Oui, bah oui, mais bon, je peux pas te noter. Bon. Est-ce que de nuit on peut voyager jusqu'à l'île des abandonnés? Sans problème. Oui, c'est pas loin. Okay. Allez, on lève l'ancre. Allez, on y va. Allez, on lève l'ancre. Attends. On a un navigateur. Tu peux faire Aria? Ah bah non, moi c'est. Ah merde, on a pas essayé la navigatrice à Alta Bianca? Oui, si, pas mal. Au phare d'Alta Bianca, on l'a vu. Vous voulez engager une navigatrice? Ah bah oui, on a de l'argent. Bah si. J'ai l'impression qu'on a envie de dépenser cet argent, mais. Bah ça coûte peu cher. Nos 112 écus 50. Ça va. Donc où est-ce qu'on peut engager une navigatrice sur le port? Eh bien, à l'anguille d'argent. La taverne de César Costa que vous avez... Oui, c'est vrai. Moi, je reste dans attends, le bateau. Parce qu'il a cramé, la dernière fois, j'ai cramé un bateau. Ouais, en essayant de faire pression sur César Costa. Allons-y. Donc, vous avancez de nuit dans Aria. Vous retrouvez certaines ambiances. Tu passes pas loin du quartier chaud. Ah. Tu vois certains poissonniers qui font des signes spéciaux. Voilà. Vous arrivez dans la taverne très animée de l'Anguille d'Argent, très grande, où il y a tous les marins, tous les marchands... Et on vous voit rentrer, on calcule que vous êtes le mec qui est avec Clodomir qui est recherché par tout le monde, mais ça va, c'est pas... Attends, moi je suis pas là, hein. Oui, je sais. Okay. C'est pas l'ambiance de western où tout le monde s'arrête de... voilà, les gens, des regards se croisent comme ça. Vous pouvez... Bah, déjà, j'ai envie de traquer, parce que ça fait longtemps qu'on prend une bière. Santé. Bon, mais sans Clodomir, du coup. Est-ce que je pourrais lire le bouquin, moi, pendant ce temps-là? Pendant toute la nuit, si tu veux. Allez, c'est parti, je lis mon bouquin. Tu fais-moi un jet en lecture. Mais bien sûr, j'arrête pas. Vous payez votre coup? Hein? Ah oui, on paye le coup. 39. C'est un écu. 39, non, c'est beaucoup moins. Mais bah oui, parce que c'est une alors donne-moi un denier pour tout le monde. Ouais. Ah bah oui, un écu. Non, mais un écu, c'est vous payez. C'est ça, déjà. Tournez de façon généreuse. Ah, t'as cru qu'on 39 voir, pour le jet. 39, parfait. Et tu me lances un dé à 12 faces. Allez faire un 12. Et voilà. On verra ça pour plus tard. 12. Donc, que faites-vous dans cette taverne? Je bois. Bah non, on cherche. Bah je bois. Bon, vous cherchez, on va pas chercher. Je m'approche du tavernier. Oui. Je dis... César Costa, bon. Un chauve avec, qui a un grand sourire et qui vous reconnaît, qui a un regard perçant. Oui. On a déjà eu l'occasion de faire affaire, César. Oui. Figurez-vous que nous nous sommes débarrassés
de l'énergumène qui a brûlé votre bateau. C'est pas moi, c'est Mardonios. Ah oui, bon, c'est pas, on s'en est débarrassé quand même. Donc nous, on est clean. Nous, il n'y a pas de souci. Nous, on n'a pas accepté. Ouais, cette... Déjà, vous payez vos bières, donc c'est pas mal. Voilà. Nous recherchons un navigateur ou une navigatrice, quelqu'un de fiable, de compétent. Senior. Profil senior. Hein. Profil senior. Avec une santé un peu costaud. Bon aussi, salaire hein. En perspective, aventure à la clé, quelqu'un de discret, si possible. Alors, j'ai deux candidats. Mm-hmm. Donc, vous avez le profil. J'ai Eluvatar. Eluvatar. C'est un Osmanlien qui avait connu un peu toutes les mers, mais il est un peu filou. L'Osmanlien, on en aura besoin à un moment donné. Ouais, hein. C'est ce que j'allais dire. J'avoue, l'Osmanlien est débrouillard, mais l'Osmanlien est filou. Mais filou, c'est-à-dire il pique ? Qu'est-ce qu'il fait ? Si boit très bien, il pique. De... Ok. Mais aussi. Sinon, c'est super ça. Kétra, on le met sous ta surveillance un peu, non ? Non, mais prenez pas un mec. Non, mais attends. Quel est l'autre problème ? Le problème, c'est que l'autre, il s'appelle Sankik. Alors, sans kick, il est un peu jeune. Il n'a pas trop d'expérience. Il a quel âge ? Mais vous pourrez gagner en loyauté à long terme avec vous. Ah, les deux, ce sera un denier par jour. Ah, c'est-à-dire qu'un mauvais est aussi cher qu'un bon. Oui, oui. C'est un mauvais fiable contre un bon. Un bon n'est pas fiable. C'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il manque d'expérience. Oui, mais il sait naviguer. Ah, bien sûr. Il a pas d'expérience sur l'eau, il a appris où, il a fait une simulation. Je dis juste que si vous allez au centre du mer de la morsure et que vous rencontrez un monstre géant ou une tempête, vous aurez peut-être des problèmes. Mais ça, on peut gérer. Oh, c'est un monstre géant, les tempêtes, ça, vous connaissez. Donc, il sait naviguer, c'est bon. Un monstre, on peut gérer. C'est intéressant, le profil osmanien, mais le problème, c'est qu'il va nous tirer des trucs. Quoi. Ouais, je suis fatigué d'avance d'être parano sur mon bateau. Ouais, pareil, on va prendre le petit. On aime bien les petits alors, jeunes. Un denier par jour, 5 deniers d'avance. On va le former à l'aventure. Pas de soucis. Ouais, allez, on va le former à l'aventure. Il va pas regretter, hein, parce que... Alors, en plus, il va pas être dépaysé parce qu'il a presque 16 ans. Je suis jeune. Donc, voilà, il est jeune, mais il est prêt. Il a été matelot depuis qu'il a 9 ans, donc il est prêt à naviguer sur un navire. Bah, c'est super. Ouais, vous faites quelque chose d'autre pendant la nuit ? On peut pas acheter des potions. Toi, tu peux pas remplir tes. Bah, en fait, mes potions sont pleines. Moi, je suis bien là. En fait, je voulais aller voir le médecin pour en faire d'autres, mais vous me laissez jamais le temps de. Oui, j'aimerais bien me soigner. D'upgrader mes potions. Voilà. J'ai pas le temps d'aller voir le médecin. Le médecin est ouvert, mais de la journée. Oui, là, il est à 11h du soir. Bah, écoutez, je paye une deuxième tournée. Vas-y. Allez. On boit. Toute la nuit, c'est ça ? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Et l'autre, il est dans le bateau. Alors, si vous voulez vous amuser, il y a un combat de bras de fer ce soir. Il y a quoi gagner ? Vas-y, Kétra. Ah ouais, je veux bien. C'est vrai ? D'accord. Alors, tu es quand même costaud. Donc, voilà, tu commences à faire les demi-finales contre des gringalets. Et donc, mise un écu. Vas-y. Donc, tu peux gagner un écu si tu gagnes. Okay. Donc, c'est un certain Corrigor. Ouais. Un mec avec des bras énormes. Il a un tatouage. Et il a un tatouage en forme de colonne sur le bras. Et, c'est quoi un tatouage en forme de colonne ? Ça nous dit quelque chose ? Ça ne nous dit rien, ça ? Bah non, ça ne nous dit rien. Ok. Alors, il se met comme ça, face à toi. Ok. T'es prêt à te battre contre lui ? Je paye les culs. Je le regarde bien dans les yeux. Il faut que tu envoies... t'envoies des dés et en dessous de ta force x 5. En dessous de ta force x 5. Ça va, j'espère. Donc 62, t'as fait combien ? 62 sur 80. Sur 80, donc tu as fait 18 de delta. Lui, il a 70, ok ? Ouais. Attends, je peux avoir un dé à dizaines ? Donne-moi le tien. Des dizaines. Des unités. Lui, il a 70. Ouais. 68, et donc, tu le bats. Et tout le monde t'applaudit, bravo. Ouais gagné, bravo, et tu gagnes un écu. Est-ce qu'il a brisé le bras ? Non, quand même pas. Mais c'est pas tous les jours qu'on voit une bonne femme battre un mec. Eh ouais. Bah nous, on voit ça tous les jours. Bravo, Kaïtra. Vous savez qu'elle a tué des... Non, j'ai rien dit. Vous faites la fête jusqu'au petit matin. Ouais. Vous êtes un petit peu fatigué. Vous rentrez au navire en chantant des chansons de marin. Et Claude Mire a travaillé toute la nuit. Et quand Atlan rentre sur le navire, il lui explique le savoir qu'il a découvert. Alors qu'as-tu découvert bien, les gars. Savoir numéro 12. 12. Il existe un rituel. 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 Notez tout. Non, mais arrête de dire. Il existe, existe rituel. Rituel. Slash. Les rituels de l'exil. L'exil. Il permet de forger une arme. Ah. Alors, elle est représentée sur les dessins par une épée, mais ça peut être tout type d'arme. Une arme capable de tuer un dieu.
Genre un dieu exilé, quoi. Le rituel consiste à tuer 3 rois avec 3 armes différentes, puis de les fondre en une seule avec un feu plus puissant que le feu que seuls les jacimistes de Kniga peuvent. Il y a déjà un roi qui est mort, le roi derrière bah, soi-disant de poison, mais on sait pas en fait. Parce que moi je rappelle que la sorcière de Xac qu'on a rencontrée, qui est un peu la meurtrière des rois, j'ai l'impression, elle était maudite par un roi quand on a livré au tout début dans la forêt là. C'est un peu. Un peu plus de tout ce qu'on a fait, c'est fou. Et bon. En fait, et d'ailleurs. Est-ce qu'elle aurait tué ce roi aussi avec une autre arme? Mais quelle arme? Bah ça on sait pas. C'était quoi les 3 objets sacrés? C'était le sceptre, la couronne. Non. Donc c'était pas 3 armes en tout cas, c'était 3 objets. Du coup, là déjà, la mort du roi, déjà on savait que c'était pas gourmandise. Bah là on le sait encore plus quoi. Absolument, on pourrait tuer la reine. Hein. Mais non, mais pourquoi tu veux tuer la reine, Claude? Bah voilà. C'est la reine. T'en as des plans comme ça On tue 3 reines, 3 rois. Enfin, 3 rois ou 3 reines. Et vous avez une arme capable de tuer un dieu, ouais. Super, et on a après, une méga après, arme. Et après? Et après on forge. À quoi ça sert? Après les deux on autres. On fond les 3 armes avec lui là qui nous fait un feu incroyable de Kniga là. Et hop, on a une méga arme et on peut tuer les dieux. Et voilà. Bah super. C'est pas mal comme plan. Génial. Non mais par contre, ça nous met un peu la puce à l'oreille là cette histoire quand même. Ah bah oui, vraiment. Parce que bon. Parce que quand on a rencontré la sorcière Xa, on est quand même entré dans un tombeau où il y avait un roi qui était mort aussi. Oui, dans un tombeau dans un roi qui était sous l'arbre là. Elle a récupéré l'arme. On lui a donné sa flèche. C'est vrai. Du coup, elle en aurait deux, quoi. J'avoue qu'on est encore en train de voguer en parallèle dans l'intrigue, sans regarder à droite. Genre... Par contre, ça fait 24 heures que vous n'avez pas dormi. Ouais, on dormira sur le bateau. On dort sur le bateau. D'accord, donc vous demandez à comment il s'appelle à Sankiki, c'est ça? Sankiki, ouais, de nous mener à l'île des abandonnés. Ah, il dit où on est dans une demi-heure. Eh ben, une on va faire un Ouais! La fameuse Voilà! C'est ça! Vous connaissez pas de quoi? 20 minutes! Moi je me tape des cuites, après une sieste de 20 minutes, je suis reparti pour le journée c'est de boulot! Bon, hein. De toute façon, on doit aller à Void aussi, c'est sur le chemin ou pas? Oh oui, c'est ah, ça! Non, c'est pas ça dépend de quel chemin, mais bon! Je rappelle, faut qu'on garde. Oui, non, mais qu'on se. Alors attendez, juste un truc par rapport au sommeil. Si vous faites pas une bonne nuit de sommeil, vous aurez des malus partout. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Non, mais il faut faire une nuit là, non. Vous dormez toute la journée? Bah oui. On jette l'ancre, on dort. Pourquoi on a non, dit non, qu'on dormait bah, pas la nuit. Claude Mire part un peu bosser, toi, parce que toi, t'as plus dormi que nous, non? Ça fait 24 heures qu'il y est aussi. Ouais, non, faut tout. Et que je bosse, de toute façon, moi, je fous un pied en dehors du bateau, je suis mort. C'était une demi-heure, mais en fait, c'était en banlieue, le truc, c'est juste à côté. Ah, c'est une petite, elle est vraiment à côté. Avant de dormir, moi, je veux aller voir le médecin. On est parti, là, non? Bah donc, on dort là, parce que c'est la nuit. Ouais. Mais on a dormi une demi-heure, là on est à l'île des abandonnés. Mais non, mais on n'est pas parti. Là on est si. On n'est pas parti encore. Il nous dit juste on est au port encore. Tu vas donc faire un médecin sur la place des nobles. Alors, ça sera. 14h. Bah, il vous connaît, allez, 3 deniers. Oh, c'est donné. Ok. Bon, mais attends, il est quelle heure là? Moi je fais la grasse matin. Il est à 9h du matin. Moi je fais la grasse matin, je suis en train de récupérer un max. Tu récupères combien de points de vie? Tu récupères un dé à 6 faces de points de vie que tu lances toi-même. 3 deniers. À 6 faces. Je crois qu'on va taper dans la réserve parce que j'ai plus de pièces sonnantes et trébuchantes. 1, 2, 3. Attention, ça va être 1, regarde. 5. Oh, non, je te donne de la monnaie. Ouais. 5. Bah, je te donne le cul alors. Merci. J'ai fait 5. Tu gagnes 5 points de vie. Yes. Le médecin t'ausculte et dit, oh là, disons, en 3 semaines, il s'en est passé des choses. On avait des cicatrices et des... Ça, c'est clair. C'est, oh là là, c'est pas un bec de cormoran, ça? Et ça, c'est pas... il reconnaît tout, quoi. Toute votre histoire. C'est pas une semaine de soldat de... Vous faites la grasse mat toute la journée, donc? Non, on fait la grasse mat jusqu'à 14h. On est bien après 14h. 14h, 14h30. Ouais, 14h30. Je retourne l'argent et je dors. Donc on va dire en fin d'après-midi, vous arrivez sur l'île des abandonnés. Voilà, enfin. Donc à nouveau, cette île, on va dire, enveloppée de brume, avec des petites bicoques et des gens sur la plage ramassent des choses et vous revoir revenir. Alors déjà, je vérifie si l'esquif qu'on avait vu quand on est arrivé la première fois est toujours là. Alors, il est toujours là, mais il est un petit peu désossé. Les gens ont pris des morceaux. Ouais. D'accord, c'est-à-dire que ce bateau-là, en tout cas, c'est le bateau qu'on suivait depuis Alta Bianca, n'est pas reparti d'île, apparemment. Bien joué, Charles. Donc, ses occupants sont toujours sur l'île, mais où? Bon, faut y trouver Vélo Santo. Faut qu'on aille parler à Vélo Santo. À Vélo Santo, exactement. T'as raison, Quatre. Vous retournez donc sur la rive. Voilà. Oui, on descend du bateau, les enfants et Sankiki gardent le bateau. Et nous retournons pour aller discuter avec Vélo Santo. On l'a relâché, Shikitsune. Ah oui, Shikitsune, vous l'avez relâché. Il y a encore Tarsil Vernet. C'est vrai, Tarsil Vernet. Tarsil et le roi de l'île, je ne me souviens plus de son nom, je suis désolé. Alors, attends, moi parce je sais là, plus... c'est pas lui. Sparkat ou Onizuka? Sparkat, j'ai. Onizuka, le roi des abandonnés. C'est Onizuka qui est sur son trône de bois flotté, qui vous dit, ah, vous êtes de retour, on va faire du troc à nouveau.
Alors, je parlais déjà à Velo Santo avant de faire du troc. Mais après, on fera du troc avec lui. Alors, je vous rappelle les termes de notre contrat. Si vous voulez parler à Velo Santo, oui, il faut libérer Velo Santo. Et libérer aussi Tarsil Vernet, parce qu'il appartient à Tarsil Vernet, qui appartient lui-même à Shikitsune, mais vous avez préféré libérer Shikitsune en priorité. On n'a pas libéré Velo Santo. Donc, et Tarsil Vernet, il est vénère contre nous aujourd'hui. Et l'idée, c'est de, on échange un humain contre un humain. Et comme Velo Santo n'est pas tout à fait en forme, je serais ravi de l'échanger contre un humain. Et à propos, les lapins se portent très bien, nous sommes déjà à 6 lapins. Vous êtes ravis. Arcanine, nous sommes ravis, mais c'est pas la peine de négocier. Vous n'êtes pas menti sur les lapins. Hein. Eh non. Vous gagnez de l'argent, là. Vous gagnez de l'argent. On gagne de l'argent, tout à fait. À part que l'argent n'a pas cours ici, mais bon. Attends, le problème, c'est que... Qui on non, mais avant de parler, enfin, avant de racheter Velo Santo, il faut qu'on voit dans quel état il est. Bon, je veux est-ce qu'il est capable de parler? Voilà. Il est capable de parler. Vous pourrez le transporter à un médecin. D'ailleurs, en fait, c'est pas un drame. Si vous, il va se rétablir et il va un jour pouvoir retravailler pour nous, pour notre mais beau royaume. Mais en tout cas, Velo Santo, il n'était pas venu avec un gamin? Alors, il y a Tarsil Vernet qui il dit peut-être. Peut-être oui. Il est là, ce petit coup. Alors, je prépare ma potion. C'est justement ce... Je prépare un son de Coltou. Justement, ce gamin qui nous intéresse. Hein. Quel gamin? Le gamin peut-être. Tout le monde dit, tu sais, de la même voix, ils disent, quel gamin? Un gamin. En fait, je suis très impatient. Un humain contre un humain. Eh ben, un humain contre un gamin. Ouais, si vous voulez. On veut le gamin qui arrive avec Velo Santo. Quel est l'humain que vous nous proposez? Petra, on pourrait te proposer. Après, tu butes. Non, non, je vous explique. Tarsil Vernet a découvert Velo Santo. Oui. Donc, il lui appartient. Oui. Donc, normalement, vous échangez un humain contre un humain auprès de Tarsil Vernet. Loi du troc. Oui. Mais Tarsil Vernet a la condition suivante, c'est qu'il dit que lui-même, il va être échangé à partir sur votre bateau, donc c'est deux humains. Pourquoi on n'a pas... Mais pourquoi on a rendu Shikitsune? On a pu le rendre, quoi. Ah ouais. Et là, on a que les stagiaires. Hein. Et le nouveau navigateur. Bah, on a deux stagiaires, je sais que tu aimes les stagiaires, Claude. On viendra les chercher. Ah bah c'est... Mais c'est comme des colonies de vacances. Ouais, ils seraient ravis. Attends, une aventure sur une île de bois flotté, génial. Génial. Ah, c'est horrible. Bon, non, mais on avance ou pas là? Parce que là, on piétine depuis. Et on peut utiliser la magie sinon? En gros, tu veux buter tout le monde? Ah, pour le cœur des hommes? Non, pour gagner le cœur des hommes un peu. Tu peux pas, toi, le. Apaiser les cœurs. Oui, tout à fait. Non, mais ça marche pas. Non, mais en gros, ils savent où est Amaury, et là, il faut qu'on trouve Amaury. Tu fais une potion d'hallucination. Je la jette, mais on fait quoi? Ça ne dira pas où est Amaury. Et ben on leur fait croire qu'on leur a donné quelqu'un, et on... Non, mais la potion d'hallucination, la dernière fois que j'ai utilisé, tout le monde est parti en bad trip. Ouais, mais parce qu'on était là. Oui, mais on sait pas ce que ça fait comme effet, je peux pas le suggérer ce que je veux. Est-ce que tu peux pas demander à Fripouille de partir discrètement checker les environs? Pour voir quoi? Ce qui se passe dans les... Alors, techniquement, tu parles pas au chat, toi, c'est plutôt... Ah oui, c'est bon. Ouais, mais c'est mon pote. Oui, bah en tout cas, nous inquiétera. Si j'y pense très fort. On n'a pas un objet. Tu peux lui demander, trouve un enfant éventuellement. Mais oui. Donc je pense très fort. Je pense à Amaury. Je le connais, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Fripouille, on le connaît aussi. Je pense à Fripouille. Alors le chat s'absente quelques minutes pendant que Onizuka vous explique à quel point les vertus du troc sont excellentes. Et il revient et puis il fait miaou. D'une façon un petit peu sibylline. Ouais. Mais c'est un mia positif, ça. Ouais, ça c'est un... Ouais. Quand un chat fait mia comme ça, c'est bien. C'est mia. Je dirais pas, je t'ai interprété ça. Hein. Du coup, si on lance ton truc hallucinogène. Attends. On va pas troquer. Si on lance ton truc hallucinogène, après on suit le chat. Mais non, on demande au chat de nous emmener là où est l'enfant. Et puis on va. Le chat, il a trouvé les effets du. Mais on se met loin. On fait genre, on s'en va. On balance le machin. Moi, on pourrait tout simplement dire à Onizuka qu'on retourne au bateau pour trouver des trucs à troquer. Oui. Et en fait, on file à l'anglaise, enfin, on file à l'osmanlienne, et hop. Mais non, on suit Fripouille. On ne peut pas se baser sur l'île comme ça. Il faut que les gens vont nous regarder. Ils nous regardent tous les jours. Mais là, ils sont en train d'essayer de récupérer des palettes perdues là, dans l'eau. On ne peut pas faire un jet de perception pour voir s'ils sont vigilants? Je te dis qu'ils ne sont pas très vigilants. De toute façon, ils sont. Même. Imaginons que Keitra rentre dans une rage folle et veulent tous les tuer, elle pourrait se les faire à toute seule, tous, parce qu'ils sont tous mal nourris et... Mais oui, c'est une disco. On les bolosse un peu et on leur explique qu'ils sont L'enfant, on le prend, quoi. Oui, on prend. Ah oui, on va chercher l'enfant, on va l'arracher. Est-ce que tu peux aller mettre juste un petit taquet dans la gueule, là? Non, mais au pire... Non, mais je peux les menacer, mais je vais pas les tuer. Nous, on reste, on discute. Quelle compétence à intimider? Vas-y, intimide. Mais non, mais attends, non, regarde, ce qu'on fait, t'intimides rien du tout. Tu pars, on chercher l'enfant,
Pendant 4 ans, on dit que la conversation pour faire diversion et personne ne meurt. Okay, tu fais genre, tu vas aux toilettes, tu vois. Bah, du coup, je vais suivre le chat et toi, tu continues voilà, à parler. Voilà, moi, j'ai fait mon chat s'est enfui. Ketra va le chercher. Les deux là, vous restez avec Onizuka. Où est-il ? Et nous deux, et moi, j'accompagne Ketra. Quelle est la teneur de la conversation que tu as avec Onizuka ? Alors, bah, on papote un petit peu de leurs conditions de vie sur place parce qu'on est très intéressés et on veut troquer des choses, effectivement, mais pas forcément des humains. D'accord. On a des marchands. Alors, saviez-vous que l'île des abandonnés nous appartient par décret du roi d'Aria, mais autant du roi des rois ? Est-ce que vous voulez que je vous dise du roi des rois ? Autant du roi des rois. Est-ce que vous voulez une info importante sur le roi d'Aria ? Est-ce que vous avez ouais. Il est mort de manière décédée. Et il est complètement mort. Sa fille est devenue la reine aujourd'hui. Non, bah, elle était charmante, cette princesse. Ah, vous étiez charmante ? En fait, pas vraiment, je sais pas. Non. Alors, vous, il est mort hier dans des conditions quand même un peu étranges, donc faites attention. Autant du roi des rois, c'est intéressant, ça. Oh, c'est d'ailleurs, c'était il y a des siècles. Je pense que vous connaissez plein de légendes. Des anciens dieux, des dieux exilés. Bon, nous, pendant ce temps-là, on est déjà. Okay. C'est pas alors, j'ai de perception. Allez. Allez. C'est toi. Attends, oui, laisse-moi. Tu suis Fripouille et Fripouille retourne au navire. Ok. Retourne au navire, à notre navire. Ouais, à votre navire. Il est con ou quoi, Fripouille ? Non, mais on le suit. Tu vois que le gamin, il est caché sur notre navire depuis le début. Attends. Attends, j'ai de perception. Trop tard. Il retourne au navire. Et vous faites quoi ? Attends, ça se trouve, il va trouver les gamins de notre navire. Non, on va demander de chercher Amaury. Ah oui, okay. Il a pensé fort à Amaury. Bon, bah, on retourne au navire pour suivre le chat. Mais non, c'est débile. Rien de particulier. Ok, et bah. Attends. On fouille le navire. Qu'est-ce qu'il a branlé, Fripouille ? Ah, on est pas là, nous. Qu'est-ce qu'il nous fait là ? Fripouille, je lui parle, je peux lui parler. Oui ? Je lui trouve Amaury. Vas-y, fais ton gère en parler de nous. Tu peux avoir mon dé, toi qui l'as. Excuse-moi, tiens. 10. Oh là là, c'est un critique là. Le langage corporel du chat te fait comprendre que Amaury n'est pas sur l'île. Quoi ? Et que son miaou, que vous avez interprété comme un oui, était plutôt un non. mais les autres, elles ont l'air au courant, tous en mode Amaury, je suis pas au courant. Donc en fait, ils ont voulu nous arnaquer. Non, mais c'est bon. Faut qu'on parle aux autres. Viens, tu lui mets deux claques. Tu lui mets deux claques au mec, il va avoir peur, il va tout dire. Non, mais faut qu'on parle. Ouais, j'intimide. Alors, on retourne là. Tu retournes. Alors, qu'est-ce que dis-tu ? Et ensuite, fais ton jet d'intimidation. Alors là, on dit. Attends, qu'est-ce que je vais dire ? Et que fais-tu aussi ? Tu arrives dans la. Un truc pendant qu'il est en train de disserter sur la fois où le roi des rois a donné l'île abandonnée. Vas-y, mais tarte-le, Onisuka. Je veux dire, bon, maintenant tu vas nous dire où est le gamin. Vas-y. Qui est arrivé avec Vélocendo. J'avoue les pressions. 57 sur 60. Sur 60 mmh. Alors, il est intimidé et il dit bon, de toute façon, déjà, il n'y a pas de gamin. Ah bah super. Mais j'ai jamais dit qu'il n'y a pas de gamin. Pourquoi vous semblez être un peu tous au courant les uns les autres dès qu'on parle du gamin ? Oh, faut qu'on parle. Parce que Vélocento, dans sa fatigue, nous a parlé d'un enfant. Qu'est-ce que vous a dit sur l'enfant ? C'était des propos incohérents. Et puis, de toute façon, si vous voulez lui parler, il faut le troquer. Vas-y, on va te partir. Encore, là. Ok, j'intimide encore. Non. Il faut qu'on aille parler à Vélocento. On va en fufu parler à Vélocento pendant que les deux, ils continuent à lui parler à l'angle. Ok, si tu veux. Oh là. Deuxième plan, vous attendez encore. Ça fait deux fois qu'il me voit partir et revenir. Mon chat, il part avec le chat, il revient, il met deux tartes et repart. Mon chat est encore parti. Ok, cherchez Vélocento dans le village et il faut faire un jet de perception pour trouver parmi les trois maisons... 57. Vous l'avez trouvé ? Oui, largement. Alors, à travers une fenêtre sans vitre, d'ailleurs assez grande pour que vous puissiez rentrer par la fenêtre, vous voyez donc Vélocento allongé sur un lit de paille mouillé et qui est en proie à la fièvre et à une grosse blessure. À mon avis, il est en mauvais état. Tu peux regarder sa blessure pour savoir un peu comment il s'est fait blesser ? Ouais, je peux l'observer. Je connais bien les blessures. Il y a une compétence soignée. Bah, tu peux le soigner. Non, regarde juste. Quel bâtard. 3. 0-3, tu veux le soigner ou tu veux l'examiner ? Franchement, les deux. Je le soigne en l'examinant. Voilà, et j'examine aussi pour savoir d'où ça va. Alors, tu, grâce à des points de pression que tu as découverts grâce à ta connaissance de l'anatomie dans les arènes, puisque tu sais comment meurent les gens et les tuer très rapidement, donc tu sais paradoxalement comment les soigner, tu vas faire baisser sa fièvre. Tu t'aperçois que les nombreuses blessures qu'il porte sont des blessures d'épée ou d'armes blanches. Donc, il a forcément eu un combat à un moment. Et après, il a contracté une fièvre qui est en train de complètement tomber suite à une infection parce que les blessures ont mal été soignées. Donc là, tu le gifles pour qu'il se réveille ? Oui, il commence à reprendre ses esprits.
Ok, et donc là, il va pouvoir nous dire ce qui s'est passé déjà, ce sera intéressant. Mmh. Alors, présentez-vous parce qu'il vous connaît peut-être pas. On s'en fout, on lui dit qu'on est. Mais surtout Claude avec Atlan. Il dit écoutez, il faut me sortir de cette île, je vais mourir d'une infection. C'est terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé comment? Quoi? Sur le bateau. Sur le bateau, qu'est-ce qui s'est passé? Et j'étais en route depuis Alta Bianca pour une certaine affaire et j'ai été attaqué par des pirates. Oh putain. C'est la revanche du lion, le bateau? Je sais pas, j'ai pas vu le nom. Le capitaine, il t'a dit quelque chose? Capitaine Mardonius, par exemple? Il n'a pas dit son nom, mais en tout cas, il m'a attaqué et voilà. Il a pris des choses que j'avais des possessions. Non, mais ça doit être le mec à qui j'ai brûlé le bateau, qui a fait un changement de carrière, là, et qui nous avait poursuivi, rappelez-vous. Oh, le karma qui super, a frappé en pleine tronche. Non, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, il suffit d'aller à Void, de remettre le pavillon royal à la galère royale qui est dans le port. Et du coup, ils attaquent les pirates. Et partent en chasse aux pirates. Vous notez pas, ah vous, quand on vous donne des trucs ou quoi? Oh là là. Ça va prendre combien de temps, là? Je vous avais dit, il faut le faire. Moi, à la base, le gamin était attaché à moi. Il était meloté à moi. Bah, par littéralement, moi, il était dans mon dos. Par un hasard malheureux, je l'ai perdu. C'est pas de ma faute. Bon, Velocento, du coup, on sait que tu as... Toi, t'es pas là, toi. Vous allez me sortir de... Alors, ok. Donc, ensuite, que faites-vous? Ben nous, on se barre par là où on est rentré, c'est-à-dire la fête. Attends, on lui a posé toutes les questions, là? Mardonius, attends, Velo Santo. Oui. Cette possession que vous avez là. Possession de quoi? Enfin, le truc qu'on vous a volé, que les pirates vous ont pris. Oui. Comment vous l'aviez récupéré initialement? Écoutez, c'était à moi dans la famille depuis des années. Ah ouais? D'accord. On ne perdait pas de temps, demandez lui juste s'il avait. Et pas là. Pas là. Peux nous en dire plus sur le bateau qui vous a attaqué? J'étais en train de revenir à Aria et je les ai pas vus venir. Ils étaient très rapides. Ils avaient un. Petit demât, ils étaient plein de voiles. Je ne suis pas un marin, donc voilà. Un petit demât. C'était un fameux petit demât. Frais comme un... Quel est le prochain plan maintenant? C'est haut. Ouais, c'est... Ah bah là, on les rejoint, nous, on se casse. Hein. Non, non, mais vous savez pas où on est. On va au bateau. Merci beaucoup, Nizuka. C'était une très bonne discussion. Et alors, on ne fait pas de troc Alors, nous reviendrons. Tarsil Vernet. Nous reviendrons. Ah, Tarsil Vernet non, en fait. Bah non. Si, parce que lui, c'était Tarsil Vernet, il était au bureau des doléances. Oui. Ah, mais on ne pas Tarsil Vernet. Non, mais dans l'optique où on reviendrait pour le prendre, parce qu'on peut. Oui, on pourrait s'en servir, le ramener à Aria, et du coup, il serait dans notre poche. Bon, parce qu'il récupérait son poste au bureau des doléances. Il déteste un petit peu quand même. Quoi. Bah, on le rachète, le mec, il va en pas fait, nous détester. Il va pas nous en vouloir, mais il va pas forcément être sympa avec nous. Ah ouais bah, je pense, hein. Parce qu'il avait dit non. Ok. Bon, non, oui. Vous repartez sur le bateau. C'est pas loin. C'est pas loin. Oui. Sans Kiki lève l'ancre et cramer dit, Naporien, on va capitaine, où est-ce qu'on va? On va à Void. Tu veux pas cramer Naporien? Bah, vous voulez aller à Void directement? C'est où Void par rapport à où on est? Alors, là, il faut aller plein ouest. Et entre Void et ici, il y a un petit archipel d'îles inhabitées. Ensuite, il y a une ville qui s'appelle Naporia. Ensuite, il y a une ville qui s'appelle Vandermeer. Éventuellement, on peut prendre la route du sud et passer par Alta Bianca. Ah, plutôt. Et un peu plus loin, il y a Fuya. Et ensuite, enfin, il y a Esperanza. C'est pas là. Personne ne sait où est Esperanza. Et enfin, il y a Void après Fuga. Ça vous dirait pas d'aller à Void en passant par Naporia? Pas mal, de toute façon. Non, mais Naporia, vous allez pas brûler tout franchement, le monde. Franchement, votre délire de. On de, va pas brûler tout de Vendetta, là. Je vais juste gifler un mec. Quoi, on va juste gifler un mec. Mais on a une réputation de marchand, là. On s'est fait arnaque, je te rappelle. On va perdre du temps à gifler un mec. On va perdre du temps. C'est une réputation. En plus, ça y est, on est riche maintenant. Les gars, on est wanted à Aria. On est wanted à Alta Bianca. Mais on sera wanted, de toute façon, ça aurait pu. Autant être wanted dans tout plaisir. Ah, mais attends, le mec il crame des bateaux sans le vouloir. Si là, c'est, bien si c'est un chaud truc, pour vous, moi je n'aimerais pas vous aider. Hein. C'est très bien que si c'est intentionnel, j'arriverai jamais à cramer quoi que ce soit. Alors, capitaine, quel cap vers où? Déjà, on va à Void, mais on va sur Void. Mais non, ah, le cap. Est-ce qu'on frôle Naporia si on va à Void? Bon, passons par Naporia, allez, on va rigoler. Alors, aiguise tes armes quand même. Le voyage prendra. Non, non, moi je vous aide pas sur ça, vous êtes fous. Alors, pendant cette journée. Je décide de lire une page de mon codex. D'accord. Tu prends une demi-journée pour lire et une demi-journée pour te reposer? Ouais. Ok. Alors, également, ceux qui ont... Moi, j'avais une statue. Ceux qui ne font rien du tout peuvent gagner un point de vie. Cool. Alors, moi, je veux bien aussi savoir ce que je peux faire de l'ugly ambré. J'en avais, je ne l'ai pas encore... est-ce que je l'avais... Tu veux faire une expérience avec? Oui. Et tu as une fiole vide? Non. Okay. Il faut que je... On n'a pas une bouteille. Tu passes un jet en lecture. Mais j'ai jamais, vous ne laissez jamais le temps de récupérer des petites bouteilles. Un jet en lecture plus ton D12. Bien sûr. Vous ne laissez jamais le temps aussi de. Je peux pas upgrader mes potions. Alors, 63. Eh, t'y penses pas, c'est de ta faute, c'est pas nous. Bah, hein. Et voir ou. Et voir, faut choisir. Faut choisir, 9. Je suis d'accord. Je l'ai jamais fait celui-là. Alors, vous naviguez toute la nuit.
À un moment, Sankuki mouille l'ancre dans une île des archipels, là où il y a eu le Kraken, mais pas trop loin quand même, pour se reposer aussi. Puis on repart au lever du jour. Clodomir lit un peu et fait des pauses aussi, mais il revient. Donc c'est neuf, c'est ça ? Oui. Alors, Clodomir arrive à synthétiser sa longue lecture et dit que, selon lui, l'ordre des protecteurs a éliminé toute influence de l'ennemi avec un grand U, donc peut-être du dieu ennemi, au fil des siècles. Et leur famille, donc la famille de l'ordre des protecteurs, a diminué en nombre. Lorsque le roi Blaise est monté sur le trône, parce qu'il y a toute une chronologie, elle ne comptait plus que deux membres dans la famille dans l'ordre des protecteurs, c'est Niccolo et Zaccaria Santa Sofia, qui heureusement avaient le projet d'avoir des enfants. Niccolo, on l'a jamais entendu, Niccolo ? Ok. Zaccaria Santa Sofia. Voilà. Du coup, Clodomir. Zaccaria, c'était la femme de Niccolo. Il voulait avoir des enfants. Il voulait avoir des enfants à l'époque. Le roi Blaise, c'est celui qui vient de mourir. Et effectivement, Sankiki vous dit, regardez, ce petit village, ce joli temple du dieu exilé et cette odeur de morue, nous en arrivons non loin de Naporia, voulez-vous mouiller l'ancre ? Oui. Voulez-vous mettre le pavillon royal ? Oui. Bah c'est oui, autant l'utiliser. Oui. Naporia, ils sont pas en... Non, bah non, ils sont avec eux. Ok. Naporia, je vais vous redécrire un petit peu. Faut voir ce qu'on fait. Non, bah, de base, au moins, ils nous donnent la marchandise qu'ils n'ont pas. On a le pavillon royal, c'est-à-dire qu'on est très proche de la famille royale, oui. Donc on peut faire pression. Donc Naporia, petite ville côtière nichée au fond d'une baie, nombreuses maisons de toits, de tuiles rouges qui font sécher sur leurs terrasses d'innombrables filets, un grand temple sur un côté de la baie faisant face à une large plage où on tire les barques des pêcheurs. Vous accostez et Linkouf, le charpentier, vient vous voir et il se met quasiment à plat ventre devant vous en disant la famille royale est bienvenue à Naporia, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? On a un petit upgrade gratos du coup. Ah bah Linkouf. Ça tombe bien. Tu sais qu'on n'a jamais utilisé notre système de largage de... Ah, mais c'est vous, ce qu'est le beau navire. Ah, c'était mon manchet d'avant. Il est un peu mimé, d'ailleurs, notre navire. Ouais. On a perdu... Est-ce que vous pouvez nous le retaper un petit peu ? Bon, on est à 85 PV. Écoutez, pour un petit écu, je peux vous remettre ça à neuf. Mais vous n'aurez pas aussi une petite fonctionnalité supplémentaire à ajouter ? Un petit canon ? Non, je suis allé au-delà de mes capacités. C'est vrai ? Très bien. Mais c'est pas un écu, j'ai dit. Un écu ? Ah, pardon. Bah, c'est du travail. Alors, comment s'appelait le bourgmestre de Naporia, là ? Je te le donne, mais je déduis de notre... Nous avions 102... 50. Alors je crois que ça s'appelait Icar. 101,50. Linkouf, où se trouve Icar, s'il te plaît ? Dans la maison du bourgmestre. Eh ben, alors attends, est-ce qu'on y va tous, hein ? On y va tous. Les enfants sont restés à bord, ils surveillent. D'accord. Les réparations prendront un jour entier. Un jour ? On n'est pas un jour près. Vas-y. Donc vous arrivez dans la maison de Naporia. Donc c'est Icar, c'est un gros lard qui semble perdu, qui porte une robe rouge vif. Ouais. Et il vous dit, re-bienvenue, cher marchand. Je le gifle. Il dit, mais qu'est-ce qu'il vous prend ? Tu le re-gifles. Je le re-gifle. Mais vous voulez faire des affaires ou tu le re-gifles. Je le re-gifle. Tu veux vraiment... Mais qu'est-ce qui se passe ? Je crois que vous êtes un malotru parce que vous avez le pavillon royal, vous croyez tout permis. Je sais d'où vous venez, vous êtes un parvenu. Je le gifle. Je te re-gifle. Mais arrêtez, il se met à pleurer, c'est fini. On le re-gifle. Mais pourquoi tu te rappelles de nous, Icar, ou pas ? Oui, écoutez. Les tonneaux, tu te rappelles ? Je sais que. Tu sais ? Il y avait quelques caisses. Quelques caisses ? Je gifle. Toutes les regardez, caisses. Combien de caisses ? Regardez, cette mademoiselle, elle est gladiatrice, on est d'accord ? Oui. Mademoiselle, vous êtes une gladiatrice professionnelle. Si demain, vous voyez un petit blanc bec qui arrive avec un petit bâton qui va dans l'arène, bah, vous allez lui mettre une canette derrière la tête. Vous avez voulu jouer les marchands, vous y connaissez rien, je vous ai mis une petite canette, ça vous a appris la vie. Et bien là, je le regifle cinq fois. Je viens de traiter de blanc bec. La prochaine fois, je te gifle avec une hache. Bon alors, vas-y, fais un jet de. Comment ça s'appelle ? Fais un jet de force, ta force. T'es chaud, Nicolas, là. Fais attention quand même, tu risques de te fouler un poignet. Fou. T'as des potions au pire. Hein. J'ai des potions, j'ai un piercing au téton. J'ai l'impression. Ok. 40 ? Sur 45. Du coup, tu retiens pas ta force et la gifle l'assomme complètement et tombe à terre. Ah. Il a sonné. Voilà, super. Donc super. Là, du coup, on sert. Vous savez quoi ? Ça fait un bien fou. Vous avez assommé le maire. J'ai porté ça en moi pendant de longues journées. Ça fait un bien fou. Bon. Donc, on lui demande quoi ? Parce que là, on lui demande rien. Il est KO. On va le réanimer. Bah, du coup, je le relis pour le réveiller. Un saut dans la gueule. Je le claque. Ouais. D'accord. On le réveille. Et il se met à pleurer. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Non. Il va falloir payer maintenant. Qu'est-ce que vous voulez ? Toute la marchandise que tu ne dois plus. Non, simplement la valeur de la. On va pas se charger, on a plus rien à vendre. Non, écoutez, moi j'ai plus de liquide, je peux vous donner des vraies caisses de morue. Mais elles sont premium.
Non, 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 non. C'est de l'amour premium. C'est de l'amour premium. L'amour premium. C'est-à-dire qu'elle pue plus que l'autre, c'est ça ? Non, mais elle est vraiment très fraîche et les gens vont se battre pour elle. Attention, combien ? Combien ? Attends, combien il nous avait donné combien de caisses de tonneaux de morue à la base ? Je me souviens parfaitement de l'affaire. Vous aviez acheté 8 caisses et effectivement, il y en avait 6 que j'avais remplies de cailloux. Bah, c'est très bien. Comme ça, tu vas me donner 16 caisses. Et vous faites ça souvent ? 16 caisses ? 16 caisses. 16 caisses. 10 caisses. 16 caisses. 12 caisses. Tu veux vraiment négocier ? Je lève mon truc. Attends, attends. Tu te rappelles du attends. 10 caisses, c'est bien, 12. Non, pas 12. Allez, 12 caisses. Non, 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 12 caisses, si ça trouve. 14 caisses. C'est bien, 12 déjà. Mais justement, c'est bien déjà. C'est-à-dire qu'on ne fait pas affaire avec lui. On ne fait pas affaire avec lui. Attends, t'as redonné une petite baffe. Et super déterminé, l'alchimiste. Maître Alchimiste, je vous donne 12 caisses. Et vous dites du bien de moi à la famille royale d'Aria. Et vous en faites de Naporia, la fournisseur en morue d'Aria. Alors. Ça vous 16 caisses. Le mec, il négocie. Exactement. Moins que donnez plus de caisses dans ce cas-là. T'as cru que j'allais mettre 5 étoiles ou quoi, là, Icar ? T'es fou, quoi. Mais non, ok. Alors, je 16 caisses, je te mets une étoile sur 5. Alors, je vous donne 16 caisses. Oui. Mais. Tiens, fais un jeu en intimidé. Je peux intimider, moi ? T'as un gros bonus parce que moi je peux intimider. Moi je peux intimider. Moi je peux intimider. Ah bah il l'a pris très personnel. Ça fait arnaquer. Ou 10. 13. Oh là là. Alors il est très intimidé. Il dit écoutez, vous avez vos 16 caisses. Simplement, si vous pouvez donner une des morues de cette caisse à la cuisine royale d'Aria et vous dites que ça vient d'ici. On fera. Je ne garantis rien, on verra. Ok. Charge les caisses sur le bateau. Vous en tirez bien. Par contre, une par une. Oui, on ouvre. Vous allez nous les ouvrir une par une et les receler devant nous. Ils le feront. Non, non, ils le font maintenant. Oui, ils le font. Ils le font très sérieusement. La morue. Goûte ta morue. Cette perte de confiance non, quand même, mais j'ai voulu vous apprendre. Tu goûtes de chaque tonneau, tu prends un morceau. Et tu vas chercher les morues au fond du tonneau pour voir si c'est pas des. C'est ça, je ne prends pas celle dessus. Avec des cailloux aussi. Il fait tout ça. On vérifie tout. Et il a un peu des larmes au coin des yeux et vous sentez que vous n'êtes pas fait un nouvel ami encore. Non. Non, mais de toute façon, c'était là. Ok. Alors, Dawib Kanabi. Suggère, elle dit, et si on repartait au fort et vous nous laissiez là, finalement, on continuait notre vie. Les enfants, on a fait. Les enfants refaire le banc des petites poules. Vous souhaitez vraiment retourner dans votre vie de misère ? C'est vrai que c'est amusant avec vous, mais j'ai eu peur que vous nous échangez sur l'île des abandonnés. Est-ce qu'on vous a échangé ? Est-ce qu'on vous a échangé ? Est-ce qu'on vous a pas amené du gâteau ? Jamais, jamais. À un moment, vous avez parlé enfants. Entre vous et on a écouté. Jamais. Et, voilà. Les enfants, jamais. J'aurais pas laissé faire ça. La méchante. Nous, on veut bien vous laisser repartir au fort de l'étoile du matin, mais. Vous êtes libre. C'est un peu triste. Qu'est-ce que j'allais faire à part voler des morues séchées à des mecs Bon, d'accord, on reste avec vous. Donc, vous passez une nuit sur votre bateau au large de Naporia, c'est ça ? Au large. Ouais. Moi, j'aurais bien été faire un petit tour au temple du exilé. Non, pas au large. Akaké, il y a Linkou qui travaille dessus. Ouais. Oui, c'est vrai. Tu vas aller au temple du exilé ? Ouais, j'aurais bien été faire un petit tour. Ça va vous faire maudire encore une fois. Ouais, je sais pas, ça m'intrigue quand même de. On y est déjà allé en plus dans ce temple. Je vois se mettre en place une grande mythologie. J'ai l'impression que j'en fais un peu partout. Une trame dont on ne sait lire dans les lignes. Et donc, vous faites rien de particulier cette nuit-là ? Bah, il lit, non ? Non, il dort peut-être ? Ouais, je vais finir par. Quoique. Ouais, non. Moi, j'ai me rebaladé du côté du temple du exilé rapidement, je fais un petit tour. Juste alors, pour voir si la sensation soirée, dans ma main. Ah, je te oui, dans la soirée, hein. Tu passes, et donc, t'as un certain Lucas Kane, qui est. Lucas Kane, qui est prêtre, on va dire un peu novice du exilé, qui est là. Ouais. À mesure que tu t'approches du temple. Oui. Tu peux rentrer dans le temple ou pas ? Je m'approche pour voir si j'ai une sensation. Oui, tu as une petite sensation. Démangeaison dans la main. J'appelle le prêtre, je le vois au loin, du coup. Monsieur, est-ce que d'accord, vous pouvez... D'accord, il vient, je suis pour vous, mais là, il faut rentrer dans le temple. Il montre ma main. Alors, il dit, c'est un signe du dieu ennemi. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur la manière dont on attrape cette malédiction, comment on la gère ? Alors, désolé, vous voyez, mon jeune âge vient de commencer. Par contre, à Aria se trouve un grand prêtre du dieu exilé oui. Qui s'appelle Nibnao. Je vous conseille de bah oui, on l'a déjà rencontré. De contacter. C'est vrai qu'on l'a rencontré. Je ne sais pas si je l'avais parlé ou pas. Non, on n'a pas eu le temps. Si, il t'avait demandé d'envelopper ta main dans la soie la plus fine. Mais il s'est passé tellement de choses depuis. Et par contre, vous avez rencontré beaucoup de soie la plus fine entre-temps. Mais bon. Ouais. J'ai oublié, on avait rencontré la soie fine. Oui, vous en avez volé un bout... Chez Doghetto d'Akaba, le fameux traducteur oui, non, de la boîte. Pas la non, elle n'était pas assez fine. Elle n'était pas assez ouais, fine. Pas assez elle était semi-fine. Après, il y avait de la soie fine chez Albert et Fredo de la Puerta. Oh. Des détails. Oh là là, mais j'étais un peu enivré par la douleur du piercing. Du tatouage. Ouais, on n'était pas là. Bon, très bien. Une dernière chose, vous n'aurez pas un petit flacon qui traîne dans votre église ? Non. Le fond vide ? Non. Bon, ok, je repars. Du coup, je les rejoins en bateau. Ok. Au matin, vous avez tous dormi ? Oui.
votre navire est à 100 points de vie, et grâce au travail de Linkouf le charpentier, et vous pouvez repartir, et sans qui vous dit, capitaine, avec un S, où doit-on aller? À Void. Void. Alors, Cap entre Void, il y a Vandermeer. Est-ce qu'on aurait quelque chose à faire? À Vandermeer, il y avait quelqu'un qui cherchait une longue vue, mais après, c'était pour deux écus, c'était pas non plus... Et puis, vous avez une longue vue. Et oui, on a une longue vue. Elle nous sert bien, quoi. Elle nous sert bien, la longue vue. Il y a du pinard à acheter. Encore du pinard à Vandermeer. Bah non, on va pas. On peut. De toute façon, la morue ne vaut rien, Vandermeer. Ou pas, pas. Elle aura plus de valeur à Aria. Je veux retourner à Aria. Non, on va à Void. On s'arrête pas à Vandermeer. Non, on s'arrête pas à Vandermeer. Bah, il y a juste une. Il y a la longue vue, mais la longue vue, on en a besoin. Pour deux écus. Après, on peut se renseigner sur les pirates et tout. Bah, un jour pour aller à Vandermeer. Non, on va à Void. On va à Void, ça va ou pas? Comme vous voulez. Hein, Est-ce que vous voulez faire quelque chose à Vandermeer? Attendez. Peut-être de clôturer une quête, c'est quand même. Comment dire? Naporia, Vandermeer, Void. Oui, bien sûr. Fouya et Void. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait ramener la longue vue. Hein. À chaque fois, on a une journée d'arrêt, de tout le travail et tout. Vous voulez aller donner la longue vue à Vandermeer? C'est aussi moyen de clôturer une quête plus importante d'aller à Void. En fait, surtout la longue vue, on utilise régulièrement la longue vue. Ouais, okay. On va pas la donner. On a 100 écus là, non? Bon, une première journée se passe, vous faites quelque chose de particulier sur le bateau? Bah, on navigue, du coup. Toi, dis, ceux qui ne font rien du tout peuvent gagner un point de vie. Moi, je lis. Vas-y, lance un dé de lecture, lire et écrire, plus ton dé 12. Je vais mettre à Vandermeer pour acheter du vin juste pour le vider, déjà pour le boire, on serait bien. Et après, ça ferait des flacons pour avoir des potions. 8 de jeu. Pas faux. 5. Yes. Bon. Alors, 5. Je vais préparer un truc. Donc, toi, tu fais quoi pendant le voyage? Bah moi, je suis en pleine forme. Et en fait, ça vous dirait pas juste de vous arrêter rapidement à Vandermeer? Rien n'est rapide ici, en fait. Tu sais que ça va être une journée. Bon. On va avoir un truc qui va se passer. Bon, tu veux faire quoi à Vandermeer? Juste boire des flacons. J'avais envie d'expérimenter des nouvelles. Tu boire de l'alcool de mouette. J'ai un peu rien branlé côté alchimie, hein, depuis que... Bon, le temps d'arriver à Vandermeer, vous passez une nuit sous les étoiles. Et Clodomir raconte ce qu'il a lu. Donc, il a lu dans le livre que le roi des dieux... Le combien? Le 5. Le roi des dieux, avant son exil, a lui aussi nommé deux serviteurs spéciaux, un homme et une femme. Donc le roi interdit... L'un d'entre eux était une femme, donc qui s'appelait la guerrière du secret, et elle avait pour nom Santa Sofia. Elle était chargée d'éliminer les agents de l'ennemi, et plus particulièrement les agents surnaturels. Ah, est-ce que c'est pas un de ces mecs-là qu'on a croisé du coup, qui avait l'apparence de Giacomo? Mais attends, donc Santa Sofia, c'est... Et alors, ouais, vas-y, l'autre, c'était qui? L'autre n'est pas précisé. Ah ouais. Bah je peux lire plus fort. Pas précisé dans ce moment-là, mais tu passes une demi-journée à lire et une demi-journée à dormir. Donc ça veut dire que, si je résume... Hein, Santa Sofia, mais on l'a entendu juste avant. Oui, dans l'ordre des protecteurs. Oui. J'aimerais bien qu'on fasse un bon schéma de qui, quelle vue, avec quel truc, qui se battait contre en fait, qui. C'est Santa Sofia, c'était Zacharia Santa Sofia, la femme de Niccolo, qui voulait avoir des enfants. Protecteurs. C'était les deux derniers membres de l'ordre des protecteurs. C'est les deux protecteurs. Qui sont là pour éliminer l'ennemi depuis des siècles. Donc eux, ils étaient pro du exilé. De toute façon, dans tous les cas, je pense qu'on n'avancera pas tant qu'on ne sera pas allé au temple sur l'île d'Imrazi Adazil. Oui. Là, on aura toutes les infos. Ouais, mais là, c'est en Osmanie, les gars. De toute façon, on s'y dirige, hein, par la force des choses. Ok. Bon, alors du coup, on... Sankiki vous montre la grande statue de la navigatrice et la belle ville de Vandermeer que... est très cher à Clodomir, il dit c'est Vandermeer. On s'arrête ou... Non, on continue. Allez, on va à Void. Fais un petit jeu de perception quand même, parce que tu es un peu nostalgique. Bah moi c'est Malbouzon, mon bled. Eh non, ton maître Mélanda était à Vandermeer. Mais il est bien son kiki. Hein, mais attends, on pourra aller voir ton maître. Ouais. Tu remarques qu'il y a une sorte d'attroupement au milieu de Vandermeer. Vas-y, frein à main, son kiki. On drift. On arrive en drift et on regarde en tamponnant le quai comme ça. Pac. Tu veux t'arrêter? On va s'arrêter. Ouais. Allez, comme ça je vais prendre un peu de vin. Vous vous arrêtez à Vandermeer. Personne ne vous attend pour percevoir la taxe. Personne n'arrive voir votre arrivée. Enfin, il y a des gens qui doivent regarder, mais il se passe quelque chose sur la place du village. On a dressé un échafaud. Oh là. Oh bordel. Et quelqu'un est sur le point d'être pendu. On le voit, cette personne? Alors, on voit surtout la personne qui est sur le point de pendre, qui est Alexander, l'autre disciple. Non, excuse-moi, pas Alexander. Non, c'est pas Alexander, c'était Grindel, non ? Grindel, tout à fait. Grindel. C'est Alexander dans ma Bible, mais c'était Grindel dans le jeu. Oui. Donc Grindel, le disciple jaloux de toi, qui avait été banni par son maître, qui porte un uniforme de miséricordieux, c'est-à-dire les chasseurs de mages,
Et il est avec un autre chasseur de mages sur l'estrade et il est sur le point de pendre ton maître Mélanda. Oh et il fait un long discours expliquant que maître Mélanda a pris un disciple secret, que ce disciple secret a tué bien des gens et qui a même semé le chaos à Altabianca et que Mélanda mérite ça et Mélanda a l'air bien résignée à son sort. Non, elle est sur le point d'être pendue. Qui est l'autre miséricordieux? Alors c'est quelqu'un d'inconnu, c'est une femme, elle a des cheveux roux. Et ça n'a rien à voir avec la personne qui aurait pu te chasser. Et Mélanda, elle ne peut pas se défendre. Elle s'appelle Pure. 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 Alors, ça craint pour ton maître. Ça craint de ouf. Alors, ils ne vous ont pas vu arriver pour l'instant. Vous êtes arrivés, il y en a tout le monde. Il y a tout le village, ça n'arrive pas souvent. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On l'aide, on jette une potion. Là, Grindel est en train de faire un discours comme quoi il ne faut pas craindre les mages, parce que les mages sont au service du... du royaume d'Aria, et d'ailleurs en ce moment les mages sont dans la croisade de Estienne pour combattre Akaba, mais ils ont des règles, et je sais que vous aimez bien Mélanda, elle vous a bien aidé, mais il ne faut pas dépasser. Est-ce qu'on ne pourrait pas, vu qu'on a un pavillon de la famille royale d'Aria, genre tout arrêter? Toi, tu arrives, moi je ne me pointe pas parce qu'il va me reconnaître. De quel droit on n'a pas, c'est parce qu'on a un pavillon qu'on est tout puissant. De dire que... Que le roi n'est pas d'accord avec ça. Que le royaume d'Aria n'est pas d'accord avec... Actuellement, je peux tenter de mentir. Avec ton pied apaiser les cœurs. Exactement, et tout, là. Je peux tenter à mentir convaincre, mais préparez-vous à fuir. Là, c'est le début de la fin. Mon arc, si jamais... Laissez le moteur tourner. Attends. Alors, ok, donc toi... On se prépare bien. Je sens mes potions. T'arrives avec le pavillon d'Aria. J'arrive avec le pavillon royal en mode grand seigneur. Avant de lancer les dés, tu t'approches, genre, tu montes sur l'estrade, arrêter ce mariage et tu veux faire quoi? Stopper tout. Par ordre de la reine. Oh, il est couillu. Tu montres le pavillon. Par décret de la reine, je montre le pavillon. On doit ramener Mélanda. Cette exécution ne doit pas se produire à Vandermeer, mais à Aria pour montrer à la foule que la magie n'est pas bien vu. Ok, lance... C'est une très bonne idée, ça. Je sens mal. 56, oh, bon, largement, 80. Alors, Pure dit, je suis surprise, parce que Alpha Pizza, le maître de la guilde des magiciens, nous a donné pour consigne d'en finir ici avec Mélanda. Mais est-ce que est-ce que Alpha Pizza a une autorité sur la reine? Le roi est décédé hier. Et la reine a pris cette décision dans sa nouvelle politique. Eh bien, qu'il en soit ainsi, effectivement, vous êtes arrivé juste à temps. Faites enchaîner ces prisonniers. Il n'y en a qu'une. Hein. Nous allons amener Mélanda à l'Académie de magie et nous allons la pendre sur la place de l'Académie de magie. Quel est votre nom, Seigneur? Nous nous en occupons. Quoi? Nous nous en occupons. Quel est votre nom, Seigneur? Je suis... Je suis Robert... Roberto Ménardin. Robert Ménardin. Alors Mélanda prend la parole et elle dit « Je reconnais cet homme, c'est un fidèle allié de Clodomir, mon disciple. » Je mérite d'être pendu parce que Clodomir a trahi tout ce en quoi je croyais en tuant tous ces gens innocents. Et effectivement, j'ai failli et je mérite ce jugement. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais faites la terre. Alors elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle te regarde à nouveau. Fais un jet de mentir convaincre. C'est une prisonnière, elle est en train de divaguer. Elle délire complètement. Je sens tellement mal. 0-4? Ouais. Alors, il met une gifle à Mélanda, il fait effectivement, elle délire. Donc elle délire complètement. Donc, je vous la transmets. Où est-ce que vous la portez à l'Académie de magie, c'est ça? Nous nous en occupons, nous retournons de ce pas à Aria. D'accord. Dans les jets de déclutch. Alors, la foule est un petit peu déçue parce que... Mais effectivement, avec ton 0-4, et juste avec ton apparence, sans rien dire, tout le monde te prend pour genre le roi. C'est Robert Ménardin, quoi. Robert Ménardin, tu vois. Magistrat de Béziers. Alors, Grindel est un peu déçu de ne pas avoir tué. De ne pas tuer Mélanda. Elle dit ce sera, on se retrouve à Aria. Vous vous amenez Mélanda sur votre navire. Et on se casse. Attends, avant de partir, je veux pas récupérer du vin, juste prendre du vin. Mais t'en trouveras ailleurs du vin. Oui, on va. Je te dis, il y a de l'alcool de mouette là-bas. Je suis frustré. Bon, ok, à Void, c'est vrai qu'il y a de l'alcool de mouette. On va à Void. Allez, on part pour Void. Alors, je vois mon maître quand même. On part. Alors, Mélanda dit, je suis extrêmement déçu, Clodomir. J'ai appris tout ce que tu as fait. Le contexte est très important. Tu es un peu l'Alexandre Benalla du...
Les magiciens. Les magiciens. C'est un bon nom de... Mais non, mais... Non, mais maître, tout ce qu'on a fait, c'est vraiment parce que c'était le dernier recours. Tout ce que j'ai fait, c'était en dernier recours. Mais t'as tué qui ? Et en plus, j'ai tué personne, j'ai brûlé des bateaux. On m'a dit que, Clodomir, tu avais fait suspendre par les vêtements oui. Les gardes et tu les as mis dans le parcours et avec leurs armures, ils se sont noyés. Ils sont pas morts. Hein. Donc c'est les armures qui tuent, c'est pas les hommes. C'est très bien. Je vais te demander, Clodomir, je te remercie de m'avoir sauvé, mais je vais te demander de me déposer au prochain village. Ok. Genre, on vous sauve et vous nous remerciez comme ça. Oui, je ne vous remercie pas, je suis extrêmement déçu. Moi, j'accepte la mort, j'ai failli. Maître, tu n'as pas failli, vous n'avez pas failli, maître, enfin. Dire que je t'ai nommé magicien de la nuit et c'est pas perdu. Et tu as tué des gens. Non. Déjà, je les ai pas tués, je savais pas. Tu sais, j'ai entendu parler d'un dragon à Alta Bianca qui aurait mangé des tas de gens et que tu aurais apporté. Un lézard, déjà. On va remettre les choses dans le contexte. Ah, c'était bien toi en plus. Non, alors le lézard ne m'obéissait pas, ok bah, ces gens-là se sont mis à mettre. Ils ont fait des feux d'artifice. Le lézard est devenu fou et on a réussi à éviter un carnage et un bain de sang en lui faisant regagner la baie. Enfin, on a réussi à limiter le. On a limité. Oui, bon, bah, il avait commencé. Bah, vous aussi, Nicolas, vous m'avez beaucoup déçu. Mais... Pourquoi je vous ai déçu ? Non, cela dit, je crois savoir que vous n'avez tué personne et vous êtes peut-être même le seul de cette joyeuse compagnie. Et je n'ai donc... tué personne. Et là, je baisse les yeux parce que moi, je m'en veux un peu quand même. J'ai tué personne. Le Rhenilium. Non, mais c'est pas moi, c'est une potion. Et ta femme Maria. C'est pas moi. Alors, moi, ça m'arrange pas, en fait, que vous partiez, en fait. Moi, je vais vous garder sur le bateau, en fait. Bah si. Pourquoi ? Bah parce que, bah pourquoi on va pas la laisser partir hein. Vous savez... Sinon, on l'échange contre... contre mais enfin, c'est une grande... Maître Atlan et Maître Nicolas et même Maître Clodomir, je vous rappelle que je suis un très puissant mage. Bah oui, si non, je voulais partir, je pouvais partir, sûr. Donc oui, mais simplement, mais justement, à Fouya au prochain village. Nous avons besoin de vous. Là, c'est des petites affaires nulles, en fait. Il se trame quelque chose de... Nous, on a quand même un complot. Ouais, je lui raconte ce qui s'est passé. D'ordre divin sur les bras. Je lui raconte ce qui s'est passé dans les tréfonds de Alta Bianca, là. La rencontre avec l'usurpateur de Giacomo. Qui s'est envolé d'un coup. Et le dieu ennemi. Est-ce que tu as découvert dans le codex ? Et donc... On lui dit tout, okay. On la met à jour. On lui dit que si elle veut mourir, oui, mais après avoir sauvé le monde, par exemple. Non, mais explique-lui ce que tu as découvert dans le codex, l'histoire des armes, tuer les dieux. Je vois, Clodomir, que tu t'es mis à lire, c'est intéressant. Oui, le codex occulte à tout. Moi, je pense qu'effectivement, alors elle parcourt les pages, je dis, vous aurez toutes les réponses sont dans le codex occulte à tout. Je peux rien vous apprendre de plus que... Et cette créature que nous avons croisée par rapport à l'usurpateur, là, de... Ah, est-ce qu'elle sait ce que c'est un... Alors oui, c'est quoi un tulpa ? Alors un tulpa, c'est une créature. Mm-hmm. Je connais très bien les tulpas, mais dites-nous tout. Tout est expliqué dans le Codex Occultatum. C'est quasiment un guide sur les tulpas. Sympa. C'est un guide sur les tulpas. Et donc, il y en a encore de nos jours des tulpas ? A priori non, puisque l'ordre des protecteurs les aurait tous. Et la personne là, le l'usurpateur qu'on a croisé. L'usurpateur là, de je sais pas, j'ai jamais rencontré de tulpa. Et des gens qui se transforment en nuages de fumée là ? Ça me dit rien. C'est quand même grave, non ? Oui, quand même, maître. Ce qu'on a vu, là, c'est grave. On a besoin de vous, en fait. Hein. Le roi qui meurt bizarrement. On a besoin de votre aide. Le roi qui meurt bizarrement. Je suis très accablé émotionnellement par, par la disgrâce de mon disciple. Mais ce n'est pas une disgrâce, arrêtez. Hein, une bonne nuit de sommeil, une bonne morue. Eh bien, je dis, ça repart. Je peux lui cuisiner un plat de morue délicieux avec ma louche d'or. Ah oui ! Je n'ai pas du tout d'appétit. Je vous propose de me laisser tranquille. Tiens, Clodomir, reviens dans un an et un jour. Je serai à Fouya. Reviens dans un an et un jour et tu me diras si tu as fait quelque chose de bien d'ici là. Et si tu n'as pas fait quelque chose de bien, je me rendrai moi-même à l'Académie de Magie pour qu'ils me pendent. Bon, vous avez gagné un an et un jour, c'est déjà pas mal. On est content. Bon, vas-y, on l'a. Alors attends, moi, il y a un truc là que j'aimerais bien. Oui. Alors, êtes-vous la bonne personne ? Je ne sais pas. C'est apprendre à lire. Parce que bon, on m'a donné un bouquin, je suis obligé de lui faire lire la moitié du temps. Alors, connaissez-vous ? Alors, si vous pouvez m'apprendre à lire. Si vous avez le temps, un de ces jours, autrement, indiquez-moi un endroit. Alors, où si tu vas apprendre à lire, tu dois faire un geste. Tu fais un geste sous ton intelligence et ça te prend comme Clodomir une demi-journée. Et après, je te dirai ce qui se passe si tu le réussis. Attends. Alors, il y a un jour pour aller à Fouya. Ouais. Donc, Clodomir peut lire. Vous pouvez faire d'autres choses. Pour l'instant, Mélanda médite sur le pont. Je peux apprendre à lire aussi, du coup. Moi, je lis un chapitre du codex. Mais alors, faut un livre pour lire. Qu'est-ce que vous lisez comme livre ? Moi, je lis le codex Botanica. Ok. Et toi ? Il restait quoi comme codex ? Runica ? Ouais, on a le Runica. Ouais. Allez, Runica. Ouais, vous êtes studieux. Hein.
Ah ouais. Codex Naturalia. Codex Runica. C'est des ingrédients. Tu veux de... dire Botanica plutôt? Naturalia. Non, c'est Naturalia. Moi, c'est Naturalia alors. Oui. Bah, lis le Runica, j'ai lu Naturalia. Okay. Ok, faites un jet sur votre intelligence. Et toi, tu fais un jet aussi sur lire et écrire. 77. C'est pété. Raté. Du coup, le jet sur l'intelligence, il est basé sur la deuxième stats? Oui. Ok, je vais. 68. Oh, j'ai 65. Je ne comprends rien. 52 hein, sur 50. Alors, alors c'est marrant parce que vous êtes tous là avec vos livres et personne ne comprend rien. Et vous arrivez à l'Arche de Fouillat qui devait être un... On a un cooldown sur le truc, on peut retenter. Oui, prochain jour. Mais vous arrivez à Fouillat, un petit village avec un petit ponton. Et malheureusement, il a été brûlé. Il n'y a que des cendres, en plus à peine chaudes. C'est étrange, j'ai jamais foutu un pied là-bas. Oui. Alors tout le village a brûlé ou juste le ponton? Le ponton n'est pas en bon état et le village a été brûlé, pillé et il y a quelques habitants morts au milieu du village. Alors on fait un jet de perception avec la longue vue. Un coup de longue vue, ouais, perception longue vue. Vas-y. Je monte sur le mât, hein, à la vigie. Oh. 0-1. Oh. 0-1. Alors, voit tout. 0-1 net. Tel un super-héros Batman, il comprend tout ce qui se passe. Wow. Il analyse tout. Et d'ailleurs, même Mélanda, qui a perdu foi en toi, a dit quand même qu'il était intelligent. Quel gâchis. Tu revois toute la scène. Ouais. Tu comprends que des pirates sont arrivés. Ah, merde. Ils ont pillé la ville. Ces pirates, faut les stopper. Ils ont incendié. Il y a les traces des barques qui ont accosté sur la plage, tout ça. Donc tu expliques ce drame. Et Mélanda dit, c'est pas grave, laissez-moi là, je resterai là et finalement je reconstruirai le village. Tiens. Bon, on la laisse. Donc hein. Dans un an et un jour. Par on contre, est quel jour, est-ce que on peut. Il y a des survivants ou pas? Vous êtes. Attendez. Vous êtes le jour de Dagana, du mois de l'eau. Ouais, non, mais. Jour de Dagana, du mois de l'eau. Il n'y a pas un codex calendrier. Du coup, on sera aussi le jour de Dagana, du mois de l'eau, mais non, de l'année. Non, on sera le jour de Enlia, du mois de l'eau. Ah oui, logique. Non, pas du mois de l'eau. Ah oui, du mois de l'eau, mais de l'année. De l'année dans un an. Ouais. Ok, il y a combien de mois déjà? 12 mois. Ah, c'est, cool. C'est pareil que. Ok. La vie bien faite, des fois. Il y a des survivants ou pas? Non, pas de survivants, beaucoup de cadavres. Et ils ont été pillés, si vous voulez savoir. On s'attarde pas, on la laisse, non? Non, mais moi c'était pour savoir si c'était pas Mardonius ou. Bah, ça sent le pirate dans les environs qui a un peu fait. Traumatise tout le monde, hein. Ça sent le. Alors, ça veut dire que ces pirates-là, donc ils ont ruiné le village, ils ont explosé Velo Santo. Ils ont tout pillé, ils sont partis. Ils ont chopé Amaury, mais ils savent même pas quoi foutre avec en fait, puisqu'ils ont pas le. Qui c'est qu'ils savent pas? On sait pas. Bah, il y a que nous qui savions. Ils ont peut-être fait parler Velo Santo. Ah, avant de le. Bah oui, on sait pas. Ça, on sait pas. Ils auraient pas gardé le gamin, sinon. Ouais, après, ils ont pris le gamin, peut-être pour faire des basses. Voilà, oui, des mais bon, en général, c'est un enfant, c'est une charge, hein, tu le butes. Hein. Non, bref. Mais les pirates, ils sont. Bon, mais c'est un peu toi qui as créé ces monstres, Codomir. Je sais pas si tu vas régler ce bordel. Non, alors, rien ne nous dit que c'est Mardonius et la revanche ou la vengeance. Oui, bah, il n'y avait pas de pirates là-bas. Hein, là, ah, bah, les pirates, ça a toujours existé. Attendez, je peux pas être responsable. On part vers Void. Allez, on va On laisse Mélanda. Mélanda ne se retourne même pas, elle part comme. C'est horrible, franchement, c'est horrible. De quoi? Mais c'est pas grave, on reviendra dans un an. Il aura rien. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive en un an? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de mal? Bah oui. En trois semaines, regarde ce qu'il a fait. Attends, un jour. Une question comme ça, là, ça fait combien de temps en temps de jeu qu'on est dans le. Ça fait un mois. Un mois depuis Arans. Ah ouais, merde, donc en un an, en fait. Ouais, t'as le temps de faire des conneries. Ah bah ouais. Bon, je retente de lire. Ok. Ah ouais, pareil. Je m'acharne sur ce codex botanica. J'y arriverai. Un jour, j'arriverai à lire. Je serai le plus. Ouais. Alors attends, c'est quoi déjà moi? Et toi, tu vas lire aussi ou pas? Ouais. Faut que tu fasses ton jet. Allez, salut. 97. Non, vas-y. 97. Je tente une lecture. Mais Atlant, putain. 81. Oh là là, vous êtes vraiment. Non, mais c'est incompréhensible. Et là, moi, je vous regarde. Raté, toi aussi. Et je rigole beaucoup. Alors, non seulement ils n'arrivent pas à décrypter, mais en plus, toi, tu t'énerves. Je ne comprends rien, tu vois. Il y a un coup de vent et le non. Non. Mais non. Bah, c'est 97. L'héros s'envole, mais il est pas encore tombé dans l'eau. Il vole. Qu'est-ce que tu veux faire? Bah ramasse-le! Non mais il vole, je peux le ramasser! Non mais tu fais quelque chose là! Je cours et je Non mais là il vole sur l'eau, il vole de l'autre côté du... Enfin, il vole dans le ciel au-dessus du... Voilà. Mais est-ce que t'as une idée de génie pour attraper ce truc ou est-ce que tu le laisses? Y'a pas un filet quelque part? Sur le bateau, il y a un filet? Ouais, il y a des filets, des Bon, moi je balance un filet sur... Le codex naturalia, Alors il faut que tu fasses entre 0 et 20 avec un jet pour attraper au filet. 0 et 20, hein? Ouais. On va 0, 1 et 20. Je savais pas si c'était aussi risqué de lire. Ouais.
80. Bon, un filet de perdu. Je dois retrouver. Non, mais Guétra, tu sais nager, je peux pas plonger pour choper le. Non, mais t'as cru que j'allais rattraper toutes tes conneries, toi. Bah, si, là, pour le coup. On a besoin des conneries, c'est pas bien. Et plouf, le codex tombe dans l'eau, alors il surnage. Hein, parce que... Mais voyez l'encre commence à se dissoudre dans la mer. S'il te plaît, s'il te plaît, mais Guétra, s'il te plaît. Pourquoi forcément? Parce que t'es à ça, à savoir faire ça. On affale toutes les voiles, on arrête le bateau, là. Voilà. On accroche une corde à Guétra. Mettez l'encre. Et je vais choper le livre. Tu vas nager? Ouais. Fais un jet en natation, enfin courir sauter. Putain. Franchement, c'est dur de lire. 30. Bon, c'est réussi. Donc, Kaïtra ramène le codex. Malheureusement, il est profondément mouillé et un peu altéré. Il faut le mettre dans du riz. Et de la pas de riz. Mais elle est un peu effacée. Ce qui fait que maintenant, à chaque fois que tu lanceras pour le lire. Un jet pour le lire. Un malus de... Si c'est un nombre pair, tu pourras le lire. Si c'est un nombre impair, ton jet de dé, tu ne pourras pas le lire. C'est-à-dire que la page a été effacée. En plus, j'attends que ma prune se déclenche sur la prise d'initiative. Et vous arrivez à Void. Void est un petit... Ah non, j'ai oublié, toi, t'as pas réussi à lire. Void est un petit village de pêcheurs avec de nombreux filets. C'est dur de lire. Ah bah les gars, c'est pas facile, hein. Bon, excuse-moi, oui. Alors, des filets. Un village de pêcheurs avec de nombreux filets qui sèchent sur des bâtons et un long quai de bois qui s'étend dans la mer. Le village est dans une crique calme. Sur l'ouest, la terre se prolonge en une haute falaise où domine un phare primitif éteint. Ça vous rappelle des choses. La falaise est de triste mémoire pour l'alchimiste. C'est ici que son navire, à l'époque, s'est échoué. Mais oui, mais il n'a jamais connu Void, la mer l'ayant poussé sur une plage plus loin à l'ouest. On avait enquêté sur le phare. Pour les auditeurs, les spectateurs qui ne le savent pas, à Void, c'est là que se passait un de nos pilotes. Donc, ils connaissent très bien le lieu, ils connaissent très bien les gens. Voilà. Mais attends, mais c'est, en plus, c'est à Void. C'est là où tu avais eu le litige, parce que le phare n'était pas allumé. Et Void est connu dans le monde entier pour son fameux alcool de mouette. Oui, l'alcool de mouette. Avec une mouette morte et séchée. J'en ai Mais si, l'alcool de mouette. Et le village était même pillé, non? Pour moi, c'est à cause du... Parce que le phare n'avait pas éclairé le bateau, qu'on s'était craché, donc je voulais être remboursé. Mais t'avais eu un endommagement? Oui, j'avais un endommagement. C'est même comme ça que t'étais devenu magistère. Comment ça s'appelle? Vous pouvez... Il y a aussi quelque chose de fascinant à Void, c'est qu'il y a une immense galère royale. Donc, c'est un bâtiment, donc c'est un vaisseau, avec... De toute façon, c'est là qu'on doit amener Oui, le pavillon. Le pavillon royal. Ouais. Il y a deux trébuchets sur la galère. Okay. Donc, trébuchets, c'est pour ça. Ouais. 50 rameurs, une petite armée de soldats. Voilà. Et il y a un capitaine de frégate qui vous voit arriver avec le pavillon royal. Il se met au garde à vous quand il vous voit arriver. C'est stylé. Et il y a également le chef du village qui vous attend sur le bonjour, c'est la compagnie Créance. Alors, le chef du village s'appelle Purple Pachyderme. Purple Pachyderme. Bienvenue. Alors, il est un peu sourd. Bienvenue à Void. Bonjour. Est-ce que vous venez acheter notre fameux alcool de mouette? Oui. Entre autres. Mais pas que. On vient vendre de la morue. Est-ce que vous aimez la morue? Vous êtes dans un village de pêcheurs, malheureusement. Ah bah oui, c'est mort. Ah, rien, on ira. Tant pis. On vient acheter de l'alcool. Oui, de l'alcool de mouette. Oui. Bon, bah alors. Combien? Non, mais attendez. On a le drapeau royal. On a le pavillon royal. On est potes avec les mecs de la galère qui est à côté de vous là. Bon, allez, un écu la caisse. C'est un alcool qui a des effets très spéciaux. Des caisses de combien? Alors. Oh, c'est des caisses, je sais pas, de 50 bouteilles. C'est quoi, spéciaux? Eh ben, ça a des effets sur le corps, sur l'esprit. On prend ça pour... c'est puissant. Oh. Ah, j'aime bien, j'ai besoin de muse. Trois caisses pour deux écus. Trois caisses pour deux écus. 150 bouteilles. Qu'est-ce que tu vas faire? Ma confiance. Pourquoi trois caisses? Mais tu veux faire 150 potions? Dealer de la mer de la morsure. Mais on va... Eh non, monsieur, je peux faire qu'une caisse par écu. Parce que c'est le prix. Oui, mais t'es on perd pas le pachyderme. À votre pavillon, là, il vous permet juste d'être gratuitement au hacket. Oui, mais tout à fait. Prix, quand même. Ah non, mais on vous paye. Mais allez, ça va, une caisse. Allez. Oui, bah 3 écus, non? 3 écus pour 3 caisses. Ah oui? C'est parti. Tu voulais négocier? Ouais, je voulais négocier un peu. Arrêtons de négocier, là. Arrêtons de négocier, des mecs qui a passé 25 jours à négocier du vin. Grâce à moi, on a de la thune. On est allé Mais non. Est-ce que vous voyez tous les jours des voyageurs arriver comme ça avec un drapeau, un pavillon royal? Vous me faites de la peine, vous êtes de la famille royale et vous négociez. On paye. Allez, on paye. On paye. Tu veux vraiment trois caisses encore? Allez, on y va. Tu enlèves. Alors, notez que vous avez trois caisses et. On est à 98,50. Alors, je sens qu'on aura besoin de cet alcool de mouette tôt ou tard. Okay. Bon, déjà, je attends, vérifie les caisses quand même. Oui, on vérifie les caisses. Vérifie les caisses, il y a bien des. Tu vis de l'alcool de mouette? Écoutez. Est-ce que vous voulez goûter cet alcool de mouette avec moi? Non, pas tout de suite. On va d'abord voir la galère et ensuite on boit. Une petite lichette pour moi. Alors tu bois un peu. Alors ça, l'alcool de mouette fait très très fort, plus fort que l'alcool le plus fort. Et ça a un impact beaucoup sur ton mental en fait.
Et sache que maintenant, toutes tes jets qui ont lié à ton intelligence vont être un peu affectés durant les jours. Enfin, bon, durant les heures. Du coup, ta lecture, tu vas t'asseoir dessus. De toute façon, ma lecture, je m'étais déjà assis dessus. Ouais, de toute façon, on ne lui donne plus aucun livre. Alors. Go vers la galère, là. Du côté de la galère royale. Alors, le capitaine de frégate qui s'appelle Gecko. Gecko. Alors, il est tout en costume d'apparat de la marine d'Aria. Et il se met deux genoux à terre devant vous. Et il dit. Représentant de la famille royale, je suis extrêmement honoré que vous soyez venu à Void. Vous êtes les bienvenus. La classe, ça, quand même. C'est sympa. C'est la turbo classe. Écoutez, nous sommes envoyés par la reine en personne. Bon, personne, vous savez. Pour vous venir en aide, nous apportons ce pavillon et nous souhaiterions partir au plus vite en chasse d'une troupe de pirates. Vraiment, vous voulez faire partie de l'expédition? Bien sûr. Tout à fait. Évidemment. Et d'ailleurs, on a un équipage. Vous prêtez main forte. Ah, attendez. Alors, il vous fait monter sur la galère qui s'appelle l'Orbe. Donc, la galère a beaucoup d'endroits, beaucoup de places, beaucoup de pièces, un peu comme un petit château, c'est assez impressionnant. Et vous rentrez dans une des pièces qui est la chambre, une sorte de chambre du capitaine, où il y a une table et il y a une carte un petit peu des environs. Et il vous explique que là, vous êtes sur Void, c'est un endroit qui s'appelle la Côte d'Argent. La Côte d'Argent, pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup, avant le début de la guerre, d'échanges entre Arya et Akaba. Et effectivement, du coup, comme il y a beaucoup de vaisseaux marchands, il y a beaucoup de pirates. Donc les pirates, ils sont sur une île qui est globalement au sud d'ici, qui s'appelle Esperanza. C'est quoi qu'on doit foutre à Esperanza? Trouver une poule. Ah. Une poule noire. Les vaisseaux d'Esperanza, ils harcèlent les navires entre Alta Bianca, Kniga, Arya, Akaba. Et on lui explique que le village de Fouya s'est fait... Je suis au courant. Aucun sujet. Comme la croisade du Princesse Tienne mobilise toute notre armée, ils ont redoublé d'audace et on a affaire vraiment à un vrai barrage naval. Ça nous pose un vrai problème. Ce sont des navires à voile très rapides. Donc leur chef, vous connaissez, c'est le Corbeau Noir. On n'a jamais réussi à l'avoir. En plus, c'est lui qui a organisé tout. C'est un vrai roi. Il est en train d'organiser quelque chose sur les îles et c'est compliqué. Et alors, les lieutenants, il y a Gus le Chauve, c'est un mec vachement sévère. Il y a Kaena Dachanul. Il y a un nouveau venu qui nous pourrit la vie. Quoi ? Il s'appelle Mardonios l'Enflammé. Attendez. Et nous savons où se trouve Esperanza. Mais on a un problème, c'est que sur Esperanza, il y a des forteresses. Ils ont aussi des trébuchets et des catapultes. Donc si on arrive, ils nous envoient dessus. Mission d'infiltration, ça. Il y a une façon d'y arriver parce que. C'est dans notre corde. La nuit, il y a d'énormes brouillards sur toute la région. Ce qui fait qu'on pourrait s'approcher, mais on ne sait pas où est exactement Esperanza. Donc effectivement, on a un plan, mais il y a un petit peu. Dangereux, mais on a besoin du pavillon royal pour ça. On a besoin aussi d'un bateau. Vous avez un bateau, on va le réquisitionner. Donc en gros, on prend votre bateau, on met un pavillon royal, on met quelques soldats dessus. On laisse le navire se faire capturer par les pirates. Les soldats essaient d'arriver tant bien que mal sur l'île d'Esperanza. Ils allument un grand feu et dans la nuit, on bombarde et on tue tous ces pirates. Donc on sert à cheval de Troie un peu. Non, vous ne servez à rien. Vous restez à Void tranquillement, vous buvez de l'alcool des mouettes avec moi. Ah mais vous... Non, on vient avec vous. Nous dire qu'on chope donc là, ça veut dire que là, vous réquisitionnez notre bateau à nous, le Malaria Ardent, là. Oui, mais vous inquiétez pas, on le récupérera. On récupérera d'autres choses. Mais qu'est-ce qu'il nous dit que les pirates, ils vont pas juste le couler sur place, en fait? C'est possible. Mais bon, la reine vous envoie, non? Oui, la reine nous envoie, bah cool, mais la reine, elle est pas magicienne, la reine, elle est reine. Peut-être qu'on peut négocier aussi avec... Vous pouvez parler avec un peu plus de dignité de la reine, notre reine, s'il vous plaît. Oui, notre reine, qui est très gentille, d'ailleurs. Un peu dure, mais gentille. Est-ce que, parce qu'on a quand même un nom qui surgit aussi. Ouais, un fier équipage, là. On pourra en savoir plus sur... Parce que Mardonius l'Enflammé, ça me dit quelque chose. C'est un pirate récent. C'est un pirate récent, je pense que... Il est lieutenant, c'est ça? Non, c'est un lieutenant du Corbeau Noir. Il a un vaisseau et il n'arrête pas de sillonner, en plus très très près d'Aria. Oui, il est énervé, on l'a croisé. Mardonius l'Enflammé. Ouais. Alors on aurait. Par contre, vous avez mentionné Kaena Dachanul. Oui. Qui est une pirate, donc. Eh ben, elle vient d'Akaba, comme son nom l'indique. Ouais, et donc, c'est quoi ses faits d'armes, cette personne? Elle a. Son drapeau, c'est une colonne. Et son navire, je n'ai plus le nom de son navire. Un truc avec une colonne, pas de fer. Voilà. Et. Voilà. Comme tout pirate, elle pille, elle vole. Voilà. Mais vous comptez les capturer, les pirates, ou les zigouiller? Non, ce qu'on voudrait, c'est tuer le Corbeau Noir en priorité. Mais l'idée, c'est qu'ils ont une sorte de petite ville ou un petit royaume sur cette île d'Esperanza. On va vraiment faire une pluie de feu sur cette île. Dès qu'on Si je puis me permettre, Gecko, oui.
Le combat à distance, ça sert à rien, il faut aller sur le terrain, vraiment. Ah mais de toute façon, comme je l'ai dit, on va envoyer des soldats. Oui, mais ils seront prisonniers. C'est ça l'idée, ils se libèrent une fois sur l'île. Et comment ils se libèrent? Comment ils se libèrent, vos soldats? Ce sont des gens compétents, ce sont des espions, ce sont des agents. Vous avez un meilleur plan? Bah techniquement, oui. Alors allez-y, je vous écoute. Ça risque de saigner un peu, mais... Ouais, tu devais pitcher pendant un an. Ah non, mais moi je touche à rien. En fait, la personne qu'on a à côté, là... Attends, qu'est-ce que tu vas dire, là? Elle est très forte, et elle est très discrète. Oh alors, non, discrète, non, Si, elle était discrète. Tu voulais être sur votre navire pendant qu'il se fait capturer? On t'envoie seul, mais attends, mais c'est quoi le but du jeu pour nous déjà? C'est d'aller zigouiller le corbeau noir. Oui, mais surtout, nous, c'est Mardonus et Amaury à la base. Bah, c'est ça. On va récupérer un enfant qui saigne. On peut pas... Bah oui, mais donc on va chercher Amaury. Ouais, mais s'il balance du feu sur l'île, le gamin il va crever aussi. Bah oui. On voudrait récupérer Amaury et moi je dois parler à Kaïna quand même. Bah ça sera intéressant quand même. Là, il y a quelque chose par rapport à sa destinée là qui se dessine. Du coup, faut pas cramer quoi. Faut y aller au pire. Nous, on veut bien partir avec une escouade de soldats. De super soldats, je précise. Attends, le plan, c'est quoi? Parce que si on reste sur notre bateau... Ce que je propose, on se met tous sur le bateau, on laisse notre équipage de petits ici parce que j'ai pas envie qu'il leur arrive des bricoles. Si tu es vraiment attaché à ces petits... Ouais, je les aime bien. On laisse la morue. On prend 2-3 dans les poches, c'est cool quand même pour... Non, mais voilà, donc on est sur le bateau, sauf que on rajoute une petite barcasse à voile noire, ok? Et on leur refait une Alta Bianca. C'est-à-dire on met les voiles noires. C'est-à-dire que nous, Alta Bianca. Mais il faudra. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, on le l'île d'Espérance, on sait même pas quoi. Non, mais en fait, quand le bateau va se faire arraisonner, on essaie d'y aller de nuit, mais avec tout le feu allumé pour éviter les récifs. Tous les feux allumés. Du coup. Ça sert à quoi d'y aller de nuit avec des voiles noires avec tous les feux allumés? Non. Le bateau principal, le Malaria Ardent, en fait, lui vogue avec des voiles normales, les feux allumés, comme s'il était en train d'essayer d'esquiver les récifs. Il va forcément se faire capturer par ces malandrins. Et nous, en fait. On suit de loin avec notre voile noire, et dès qu'il se fait capturer... On voit zéro récif, on voit rien. Ah si, on garde le... En fait, ils vont pas éteindre notre bateau quand ils vont le capturer. Donc après, on le suit jusqu'à l'île d'Espéranza. Et on s'infiltre. Ils penseront pas regarder derrière eux. On va laisser notre bateau, quoi. Parce que là, s'il se fait capturer, je sais pas comment on va le récupérer. Bah après, de toute façon, on pourra partir avec d'autres bateaux, les pirates... Moi, j'aimerais bien, vous savez quoi? J'aimerais bien prendre comme bateau la Vengeance du Lion. Le bateau de Mardonius, si on peut se barrer avec, on aura tout gagné. La Vengeance du Lion, malheureusement, il a été brûlé. C'est celui que tu as brûlé. Non. Il y en a un autre. Celui que j'ai brûlé, c'était le truc du lion aussi, mais la justice du lion. Ah oui, d'accord. La vengeance, c'est justement l'autre qui l'a remonté derrière pour nous poursuivre. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux prendre ton deuxième bateau à Mardonius? Bah oui. Est-ce qu'on suit ce plan? On suit ce plan? Ah, il a l'air foireux, mais moi je suis ivre, donc je m'en fous. Moi, j'aime bien les plans. Alors, Jaco dit il vous faudra au moins. Oui, une barque, ça, Walnor aussi, il vous faudra aussi un navigateur, donc j'ai... Votre meilleur. Ok. Le deuxième meilleur. Un très bon navigateur, je pourrais vous le donner, oui. On a plus nos navigateurs. Bah ouais, mais il connaît pas, il est... Non, mais j'ai pas un navigateur militaire. Son kiki et tout l'équipage, on les laisse à Void. Alors par contre, il y a beaucoup de... Donc tous vos objets, vous les laissez à Void? Ah bah pas tout. Alors moi, j'ai besoin de vider des bouteilles. Quelqu'un veut boire avec moi ou pas? Non, mais on peut laisser, effectivement, on peut laisser notre cargaison. On garde quelques caisses histoire de donner le change pour un navire marchand quand même. S'il a rien dedans, les pirates ils vont dire vous foutez de notre gueule. Alors, ok. Bah, on garde les objets. Moi, je serais carrément monté sur le bateau avec les soldats au lieu de. Et te faire capturer? On se cache dans le bateau, un truc dans le genre, tu vois. On va se faire capturer du coup. J'ai l'impression d'avoir une petite esquive à arriver. Derrière un bateau qui va se faire peut-être agresser par des... Mais non, mais ils seront contents de leur prise. Et nous, on profite bien. Ça va se passer exactement après, comme dans Pirates des Caraïbes. Ils seront contents, ils vont s'enivrer, ils vont boire du rhum, et nous, on arrive derrière. Ils vont boire l'alcool de mouette sur le bateau. Ah oui, comme ça, on va... Ah là là, alors, on empoisonne l'alcool de mouette, ça fait qu'ils se prennent la gueule. Non, tu peux le laisser déjà, regarde comment il est. Tu peux le laisser, l'alcool de mouette. Non, mais pire que ça. Alors, quel est votre plan? Tu fous des gouttes d'élixir hallucinogène dans l'alcool de mouette. Trois caisses d'alcool de mouette. Ils célèbrent ça. Et c'est pas mal ça. Est-ce que je peux saboter les bouteilles d'alcool de mouette avec un peu de potion hallucinatoire de Niklas von Trunkel? J'ai une potion peux, là. Tout à fait, tu peux couper l'alcool de mouette avec des potions hallucinatoires. On prépare un tonneau, tu vois. Genre, je prépare un tonneau de 50 bouteilles d'alcool de mouette avec quelques gouttes de ma potion d'hallucination. Niklas von Trunkel. D'accord, tu prépares ça. Donc, on charge ça sur le Malaria Ardent. On garde une ou deux caisses de morue qu'on avait. Ouais. Et tout le reste, vous mettez où?
Bah, on le stocke sur le void. Alors, pour être plus précis, par rapport à tout ce que vous avez, vous laissez. Tout dans la galère. Dans vous, la laissez, galère. Vous laissez 10 caisses de morue dans la galère, c'est ça mm. Dans la galère c'est bah, 15 dans la galère qui parce qu'on va les aider, voilà. Donc ils peuvent nous garder ouais. Nos affaires quand même. Attends, mais pourquoi 10 caisses bah, on peut laisser ça. Soit on laisse dans la galère, soit on laisse à void. Moi, je préférerais qu'on laisse à void. On laisse à void. Laisse à void. Il y a un inventaire. On trouve un petit entrepôt, on paye. Ah oui. Mais non, mais. Et on laisse les gamins, on dans, laisse l'entrepôt. Les gamins dans l'entrepôt. Voilà. Voilà. D'accord, donc je veux savoir par rapport à tout ce que vous avez, les choses que vous laissez à void définitivement. Alors, on définitivement. L'équipage, ouais. Les 16 caisses de morue et 2 caisses d'alcool de mouette. Okay. Et on emporte avec nous une caisse, enfin nos affaires personnelles, voilà, et une caisse d'alcool de mouette que j'ai coupée avec de. Je veux pas qu'on fasse aussi quand même 2 caisses de morue histoire de donner le change un peu, genre il y a des trucs dans la cale. Bah, 2 caisses de morue. Bon, allez, deux caisses de morue, on en laisse 14 sur place. Encore, ça me met en train de grignoter en chemin en plus. Ok, ok. C'est bon la morue. Hein. Vous. Alors attends, 2 petites secondes. Oui. Juste. Du coup, j'ai un flacon vide. Que veux-tu faire? J'en profite pour. J'en profite pour tester une petite potion avec du lugli ambré. Donc. Donc c'est un jet d'intelligence alors, ou pas non. Ah oui, c'est vrai. Oh merde. Alors, je le ferai peut-être plus tard. Je rappelle aussi que tu as la prune. Fais-le. Il y a tout, je rappelle tout. Ah, ouais. Là, c'est vraiment pas le moment de faire un jet d'intelligence. Là, je suis défoncé. Oui, d'accord. Donc, ça s'est fait. Donc, du coup, votre plan, c'est d'être tout sur le Malawi ardent. Gecko, t'es OK ou pas? Donc, Gecko, il dit bah, du coup, je vous confie quand même Aleru, qui est un très bon. Aleru. Un très bon navigateur. Et également 2 soldats. Ils s'appellent Tolmir et Vélo Santo 2. Ah, Tolmir et Vélo Santo 2. Attends. Il n'y a que 2 soldats et un navigateur. Bah, vous êtes déjà 4, ça fait 6 sur votre bateau. Ça fait beaucoup, je trouve, même. Mais non, parce que attendez, je l'explique, Clodomir. Vous ne connaissez pas les pirates. Si vous êtes trop nombreux, ils vont en tuer 4, d'accord? Donc, si vous n'êtes pas beaucoup, ils vont vous garder en esclave. On ne sera même pas sur le bateau avec eux, en fait, parce que nous, on sera sur l'esquive derrière le bateau. Ah, d'accord. Ah, donc vous faites le coup de l'esquive, alors? Bah oui, je sais pas, c'est ce qu'ils veulent faire, moi j'y crois pas. Non, on les laisse sur le bateau. Non, il faut au moins, parce que nous, notre équipage à la base, quand même, avec tous les gamins plus nous, on était une bonne dizaine, quoi. D'accord. Ben, il vous donne donc 4 soldats plus le navigateur. On était 11. Ok. 4 gardes, un navigateur et vous. Très bien. Donc Tolmir, parmi eux, il y a Tolmir et Vélo Santo 2. Vélo Santo 2. Tolmir, je soupçonne qu'il s'appelle Philippe, mais je ne sais pas pourquoi. Vous partez. C'est bon, vous êtes prêts à partir ? On est prêts. Donc on est d'accord. Nous, on reste sur le. Nous, on reste sur la voile noire. Donc on part. On suit dans l'ombre, dans le brouillard. On part. De jour. C'est loin, Esperanza, le. En fait, c'est pas vraiment. Donc non, on part en fin de journée. Il faut qu'on reste sur le bateau pour l'instant. On sautera du bateau dernier moment. Dès qu'il va commencer à faire nuit, on se met sur notre petite barque à voile noire. Non, mais ça peut peut-être durer une semaine le voyage, on sait même pas en fait. Bah, on sait pas où Esperanza. On reste sur le bateau. On aurait dû garder plus de. Plus de morue. Donc un premier jour se passe. Est-ce que vous faites quelque chose pour un premier jour? Vas-y, allez-y. Alors, je profite. Toi, c'est pas la peine. Moi, je lis aussi. Ah non, 100. Oh non, c'est pas vrai, il y a que moi qui fais ça. Oh non, quoi, mais merde. Le connex chronique, c'est pareil. Non, mais non. Tu veux que je ne comprends rien, là. Une rafale, et là, tu le vois s'envoler, mais loin dans le ciel. Attends. T'as l'impression qu'il redescendra jamais sur Terre. Attends, je peux pas faire un truc. Ah non, mais là, 100, c'est mort. C'est envolé, mais dans le ciel, non, en plus, non. C'est fou. Mais tu sais quoi? Tu sais, t'as le sentiment qu'un jour, il va se passer un truc, il va te retomber dessus, tu vois. Ok. Bon, voilà. Et sinon. 100, ça fait 100. Vas-y, à toi. Et tu sais quoi, Kétra? C'est vraiment dur de dire. C'est super dur. Hein. Aussi, vas-y, lance un dé à 12 faces. Putain. Ah, tu pouvais pas finir la saison autrement. J'ai paumé 11. Le codex runica. T'as paumé le codex runica? Mais qu'est-ce qu'on va faire de vous? Ça, j'ai déjà fait. Il nous reste d'autres bouquins. Sauf celui. Non, tu n'es plus rien, t'es comme moi, on ne touche plus rien. Non, t'as pas fait 11. 11, c'était la chapelle secrète sur l'île d'Imrali, je sais pas quoi. 8, c'est déjà fait. C'est des sons. Qu'est-ce qu'on va faire de vous? 12, c'est déjà fait. 12, c'est déjà fait. 10, tiens, 10, j'ai pas fait. 10. Alors, l'ordre des protecteurs, tu apprends, est issu de l'ancienne Osmanli. Ah. Et est habituellement placé à Varna, dans un manoir sur la place de la Salamandre. La rumeur d'étranges événements survenant à Altabioka a forcé la dernière famille à s'y installer.
Oula, attendez. Altabianca. Camille Altabianca. La rumeur. Qui, victime de rumeur, a dû aller s'installer en Osmanie. Non, il y avait l'ordre des protecteurs qui était en Osmanie à Varna s'est installé à Altabianca. Voilà. Et pourquoi ? Salamandre. Ça, on l'a pas vu quand on était à Altabianca. On n'est jamais été à la place de la salamandre. Mais non, la place de la salamandre, elle est à Varna. Oh, je suis fatigué. ça se trouve, le fumigène man, c'était peut-être un de ces gars. Hein. Donc en fait, ils sont à Altabianca, l'ordre des protecteurs. C'est con, on n'a pas le droit d'y aller. On peut y aller. Vous relirez ça peut-être à tête reposée. Donc, vous êtes en train de naviguer. Et effectivement, déjà, il se passe deux choses. Le temps se couvre. Alérudzi dit. Il va y avoir un sacré tempête qui arrive. Ah, c'est pas bien ça. Et deuxième chose, derrière vous, il y a la vengeance du lion qui s'approche. Là. Sauf que là, on n'est pas équipé pour le... De quoi ? La vengeance du lion, elle est très bien équipée. Non, là, on est dans le... C'est un demain rapide. Ah bah, je te rappelle qu'on a le mécanisme de secours, là. Mais ce qui permet de prendre la fuite, mais on peut pas les affronter, là. Ah non, justement. Alors, bah, justement, mais quelle est votre stratégie par rapport à ça ? Bah, là, le temps se couvre, la visibilité est mauvaise, hein, on est d'accord. Il pleut pas encore, la houle augmente, le temps se rafraîchit, les nuages menacent. Est-ce qu'il va nous rattraper ou pas, déjà ? Est-ce qu'il va plus vite que nous, ce bateau ? Parce que déjà, la première fois qu'il nous a conseillé, il y avait une façon d'échapper au... Le soldat dit, de toute façon, on est là pour se faire capturer ou quoi ? Bah, oui. Mais nous, on doit baisser, on doit mettre à l'eau notre petit bateau. Vous êtes le plan B, hein. Bon, on laisse le bateau se faire capturer par le... Ah oui, mais nous, il faut quand même qu'on se barre, les gars. Oui. Donc, on met à l'eau. C'est en plein jour. Mais non, mais regarde, on manœuvre de manière à ce que, en fait, on se mette en travers de la vengeance du lion. On se cache derrière. Et nous, on fait tomber un bateau du côté qui est donc caché. OK. Et ensuite... Et on s'éloigne. Ouais, on s'éloigne dans la brume. Alors, allez-vous, dis, excusez-moi, il n'y aura pas de brume. Il va y avoir de la grande houle. Et avec une esquive, on va mourir, on va couler. Le Vengeance du Lion va vous rattraper facilement. je peux bien le faire. Et on ne peut pas se casser avec le mécanisme là. Pouf, comme ça. Mais non, le but c'est de faire capturer. Dans ce cas-là, faisons le capturer. Mais on sera avec. On sera capturé. Il n'y aura pas de plan un peu en infiltration fufu quoi. Alors il y a des grandes vagues et des éclairs et commence à pleuvoir dur. Ok. On fait quoi ? On se laisse capturer avec tout le monde ? On le laisse s'approcher. De toute façon, Alérou dit. Je ralentis parce qu'on est là pour se faire capturer. Génial. Super. Bon, on se fait capturer. Est-ce qu'on peut se cacher, nous, dans le bateau pour pas être pris dans la capture Ils vont prendre le bateau, de toute façon. Ils vont pas le laisser en mer. L'amener sur l'île. Ouais, mais au moins, pour qu'ils nous voient pas, on soit pas dans l'inventaire des prisonniers. Ouais. On se cache. On éventuellement se planquer dans le bateau. Dans quoi ? Dans de la morue ? On aurait pu se mettre dans les caisses. Dans les caches secrètes qu'on a fait. C'est vrai. Épisode 3. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on avait fait ça. Les caches secrètes, là. Bon, on se cache dedans. On se cache dedans. Vous vous cachez. Vous entendez des pirates aborder. Mm-hmm. Et vous entendez aussi jurer Mardonios qui dit « Mais je connais ce navire, il appartient à des gens que je déteste, ils sont pas là !» Et vous entendez aussi des bruits de combat. Heureusement qu'on sait pas... Ça tourne en défaveur, a priori, de vos amis les soldats. Oui, je crois. Ouais, et vous avez même du sang qui commence à ruisseler d'entre les planches, dans votre cachet. C'est plutôt logique. Voilà. Oui, j'espère que c'est pas à l'héros. Le but du jeu, c'est qu'ils se fassent capturer, pas tuer. Tu vois, faut pas que ce soit un massacre non plus. Une partie de l'équipage de Mardonios prend le contrôle du Malarieux Ardent, mais pas grand monde. Deux, trois personnes. On va les fumer. D'après ce que vous entendez, il peut peut-être y en avoir plus. Et il donne des ordres, mais vous sentez la tempête redoubler de force à l'extérieur. Et il y a des craquements très forts. Et vous sentez que le Malarieux Ardent, qui s'est fait retaper, travailler, etc., il commence un peu à craquer dans la tempête. Et même les pirates commencent à avoir peur et commencent à prier Dagan, un dieu. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier pendant cette séquence ? Non. Je serre le cul, c'est tout. J'apprends à lire. Je serre les fesses. J'essaie de lire. On peut rien faire, de toute façon, on est caché. On fait pas un bruit. On sait si notre bateau suit la vengeance du lion ? Alors, vous savez pas trop ce qui se passe, donc vous ne bougez pas pour le moment. Et entre les planches, vous voyez une sorte de lueur, de lueur familière, vert, on va dire. Et tout d'un coup, sur c'est le pont... C'est pas bizarre, c'est pas Sangfroid-le-Fillon ? Le grand retour de Sangfroid-Fillon. Ah oui ! Mais moi, j'ai reconnu la lueur, les gars. Vous entendez un gros prrr qui se met sur le pont, et des pirates qui commencent à hurler, et des coups de langue qui sont en train de défoncer un petit peu le bateau de partout. Voilà.
Mais pas, à la base, il est luminescent, ce... Oui, mais il était pas vert, il était jaune. Mais qu'est-ce qu'il fout, là, lui? Il a grandi. Ah non, il était verdâtre. Ah ouais, mais oui. Bon, bah là, bon, il est en train de casser le bateau, en fait. Il est en train de casser le bateau. Aussi, je pense qu'il a des gros claquements de mâchoire qui mangent les pirates. Du coup, il faut lui parler. Qu'est-ce qu'on fait? On sort? Bah, Ketra, parle-lui. Ketra. Bah, Ketra, c'est toi qui parles aux animaux. Ah, mais du coup, il faut qu'elle sorte. Et si je loupe? Tu lui dis, mais non, mais tu lui dis d'arrêter, simplement. Bah, quel but qui finit sur les pirates, quand même. Mais non, mais le but, c'était qu'on se fasse capturer. Bah oui, c'est qu'on aille sur l'île. Parce que là, le second, il est en train de nous sauver. Bah oui, c'est ça, il nous sauve pour rien. Enfin, il nous sauve. Bon. Dis-lui bah, si on sort, il va nous reconnaître, il va nous aimer. Non, mais attends, il faut que tu lui ordonnes de sauter du navire, en fait. Ouais. Et les autres, de toute façon, là, s'ils ont commencé à perdre des pirates, ils vont de toute façon aller sur l'île de machin. Bon, viens quand même avec ta magie, là, on sait jamais. Ouais. Hein, parce que sinon, c'est défoncé. Ouais, Catlan et moi, je sirote un petit alcool de moiton. Alors, justement, ça tombe bien que tu parles de magie, parce que toi, tu te prépares à utiliser ta magie, parce qu'on sait jamais ce qui se passe. Et là, tu sens une petite vibration. La magie marche moins bien. Une raison étrange. Je n'ai pas dit qu'elle ne marchait pas. Elle marche, a priori, moins bien. Je ne sais pas pourquoi. Donc, Keitra et Clodomir remontent sur le pont. Attends, je peux faire... Alors déjà, on remonte discrètement sur le pont, parce que le but, ce n'est pas de nous faire arrêter. Sachant qu'en plus, Mardonius, il veut nous tuer pour de vrai, puisqu'il nous connaît. Est-ce que je peux faire un petit jet de perception, là, pour essayer de comprendre ce qui se passe? Je peux faire un jet de connaissance des secrets. Connaissance des secrets, oui, perception. Connaissance des secrets, on va sur les mots, s'il vous plaît. Il est réussi. À ta connaissance... Il y a quelques endroits du monde où on ne peut pas utiliser la magie. Tu as dit un jour, Mélanda, elle a parlé de Kniga. Mais tu es quand même loin de Kniga, donc c'est étrange. Voilà. Toujours est-il que Keitra, Clodomir remonte sur le pont. C'est tout ce que j'ai pour un 13. Exactement. Okay. C'est déjà pas mal. Il remonte sur le pont. Et là, vous avez une vision terrifiante. Une mer démontée, des vagues hautes comme des maisons. La vengeance du lion qui est en train de se barrer loin. Des tornades, des éclairs. Sang-froid Fillon qui a... non seulement manger les pirates qui étaient sur le truc, mais qui a défoncé les mâts et qui a coupé quasiment le bateau en deux. Et il est en train de donner des coups de queue, il va peut-être replonger. Voilà. Ah. Est-ce qu'on peut surfer sur Sang-froid Fillon ou pas pour repartir? Est-ce que ce serait pas le moment de sortir la barque tractée par Sang-froid Fillon? Ouais. Enfin, du... Bon, moi je... Il faut que tu prennes le contrôle. Parce que là, le navire, c'est un peu mort, non? Il est coupé en deux, non? Attends, on n'est pas encore en train de... Et Sang-froid Fillon tourne son regard vers toi. Bah ouais, là, je... Bah c'est autre. Qu'est-ce que tu vas faire? Là, je lui dis... Va-t'en. Non, tu lui dis va-t'en, tu lui ordonnes va-t'en, c'est ça? Non, attends. J'utilise ma compétence. Attends, mais non, mais apaise-le. Hein. En fait, apaise-le. Hein? Qui redevienne notre lézard apprivoisé, là. Tu lui parles et tu lui dis quoi? Attends. Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis... Calme-toi. Tu lui dis calme-toi, c'est nous. Donc, dans ce tableau apocalyptique, tu dis calme-toi. Ouais. Tu lanceras les dés au début de la prochaine séance. Oh pour aller en septembre. On se retrouve Game of Thrones numéro 10 à partir du 13 septembre. Mais restez avec nous. Pourquoi? Parce que là, on va tout organiser. Et il y aura Yann, notre réalisateur, qui va venir ici. Il va nous poser toutes les questions que vous avez posées ces derniers jours. On va tout vous parler, on va faire un grand débrief. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour cette aventure. Bravo. À tout de suite. Merci, à tout de suite. Oh. Putain.
Et rebonjour et re-bienvenue dans Game of Roll, mais la partie un peu où on va papoter avec les intervenants et le MJ. Alors je tenais à vous montrer un truc avant qu'on commence. Vous l'avez pas vu, mais ça par exemple, ça, c'est juste Aria, quoi, pour vous dire à quel point Fibrotique est un taré. Donc voilà, il y a de quoi faire, on est large, mais on va pouvoir poser toutes vos questions en fait, c'est un peu ça, c'est pour ça que je suis là, d'habitude je suis en réel. Donc j'ai 2000 questions qui ont été récupérées par Fibre Tigre, votre serviteur, et alors je vais toutes les poser, n'hésitez pas à continuer à en poser sur le chat, elles vont m'y être remises. Alors il y a des questions pour Trunks, j'y répondrai, je vais poser des questions. Il fait Trunks aussi, il fait tout le monde, il n'y a pas de problème. Alors première question pour Lydia, par Proximo. Ton personnage recherche-t-il l'amour ? Évidemment, question évidemment. Est-il possible qu'Atlan séduise Ketra, par exemple ? Je crois que l'amour, c'est pas trop sa priorité pour le moment. C'est plutôt... De tuer des gens ? Non, pas du tout. De faire glisser des gens ? Non, c'est plutôt récupérer un peu de gloire par ses exploits, mm-hmm. peut-être en sauvant des gens, etc. Alors, tu le sais pas, mais tu t'es fait un petit peu draguer par une fille, une garde à l'entrée ah, de oui, l'Aria. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Et t'as été hyper froide, tu vois. Oui, c'est vrai. Et moi, j'avais prévu toute une histoire, elle t'emmène dans une taverne, faites la fête et mais tout. Parce que pour le moment, je suis assez insensible à l'amour, mais peut-être qu'après, ça va changer. Dans la qui saison 2. Alors sait, que voilà. Moi... Je suis très sensible à l'amour. Tes tétons, mon cher là. Mon téton. Bon, pour Fibotibre, toujours, il faut la monter le monde m'a fait penser à un truc. Il faut monter le son de Ya, apparemment. Ah. Les gens du chat disent que ton son est un petit peu faible. Ah, je peux parler plus fort, bonjour. Voilà. Y a-t-il des sports dans le royaume d'Aria ? Et si oui, des tournois, des sportifs célèbres payés des milliers d'écus, de la ferveur par la population, des manifestations dans les quartiers d'Aria ? Explique-nous s'il y a quelque chose. Alors, il y a des combats, des tournois de tir à l'arc. Ouais, on a vu. Il y a des tournois dans les. On verra ça un jour, je pense, dans les arènes des gladiateurs. Et puis, c'est tout. Le sport, c'est pas trop une priorité. Hein. C'est le Moyen-Âge. Ouais, c'est pas évident. Oh, le sport, c'est de décapiter des gens en public. Oui, voilà. Ouais. C'est des exécutions. Les quoi. Pendre. Bah, c'est vous les plus violents hein, pour l'instant. Du coup, là, on va faire un petit tour de table. C'est Sony qui demande pour chacun des PJ. De vos actions, qu'est-ce que vous regrettez le plus ou que vous auriez fait différemment maintenant que vous avez le recul nécessaire ? On va commencer par Daz, par exemple. D'avoir brûlé la moitié du pays. Ouais, le bateau. Le ouais, bateau, le port. La justice du lion, ouais, peut-être que... Alors c'est cool parce que ça donne des aventures. Bah, c'est rigolo, il y a des anecdotes. Voilà, mais c'est vrai que si j'avais pu éviter de cramer le bateau... Ouais, ça a peut-être changé la donne sur pas mal de choses. Ah, mais il est vicieux, je pense qu'ils auraient réussi à nous niquer la gueule. Le MJ n'essaie jamais de niquer la gueule, ça c'est... C'est vrai, c'est vrai. Non, mais par contre, c'est bien que quand vous fassiez des mauvaises actions, ça reste pas impuni à long terme, et les bonnes actions ne seront pas non plus punies à long terme. Voilà. Mm-hmm. Alors l'âme, elles seront récompensées. Moi, évidemment, ce qui m'a le plus influencé, c'est d'avoir passé cette nuit de folie dans les quartiers des plaisirs. Tu as tout perdu. Je me suis réveillé nu comme un ver. En fait, parce que au début, j'avais un développement de personnage qui était en mode, je vais essayer de faire un max de potions, faire des expérimentations. Ouais. Et quand j'ai tout perdu, et en plus au rythme de l'aventure on allait, je me suis dit en fait. Le temps de retrouver. Juste avoir un flacon, c'est une guerre de ouf. Ouais. Effectivement, je me suis dit, en fait, j'ai fait un personnage qui est plus dans le. Pas le roleplay, mais les décisions et tout. Et j'ai mis de côté un peu mes mécaniques. Et là, j'ai pour objectif de les retrouver maintenant. Mais je voyais bien c'est que. Très shonen, ce que tu mets. Voilà, complètement. Non, mais je voyais bien que les autres avançaient un peu sur leur spécificité, leur pouvoir, et que moi, pas du tout sur le coup. Mais je dis pas que je regrette, parce qu'en fait, je me suis bien marré d'avoir joué le perso autrement que je l'avais imaginé. Mais du coup, maintenant, j'ai envie pour la prochaine partie justement de faire des nouvelles potions, de tenter des choses. Mais bon, il ne me laisse pas le temps de vider des bouteilles de vin pour avoir des flacons vides. De Rive, combien de jets de dés regrettes-tu alors Mais en fait, dans un autre monde, mes jets de dés sont bons. Oui. Voilà, oui. C'est ça le truc. Mais dans ce monde-là, ça ne marche pas. 100 quand même. 100, mais ce n'est pas le premier en plus. Hein. Oui, c'est le deuxième, je crois. Le troisième, on me dit. Ah, le troisième, merci. Merci, précisez-le aussi. D'avoir tué Maria. Mais t'as fait un 0-4 aussi. Même. Ah, tu regardes d'avoir tué Maria. Bah ouais, parce qu'en fait. T'as moi... paniqué ou quoi ? Il a paniqué. Alors non, c'est pas. Ouais, parce qu'en fait, elle était quand même relou, il faut le dire. Je voulais m'en débarrasser, mais pas comme ça. Ouais. Quand je l'ai butée, pour moi, l'idée c'était qu'elle allait. Quand elle s'est butée. Elle s'est butée toute seule en buvant la potion, l'idée c'était peut-être de l'avoir déprimée à mort,
mais pas de se buter instantanément. Quoi. J'ai pas je rappelle quand même que le premier qui a senti le bordel, il s'est jeté par une fenêtre. Ouais, hein. Mais parce que c'était situationnel, il y avait une fenêtre et tout. Là, voilà, tu vois, le contexte. Là, le contexte, c'était, elle était assise sur un banc dans un parc, je me suis dit, bon, bah, elle va se barrer, et après, c'était plus trop mon problème, tu vois, il aurait pu se passer des trucs. Mais là, le fait qu'elle se suicide complètement devant moi, et, tu jouisses. Et que je me jouisse dessus à cause de la prune, que le chat a décidé, je précise, que je me retrouve à perdre Amaury à cause de ça, je me suis dit merde et tout. Et du coup, après, j'ai imaginé, je me suis dit non, mais attends, il y a peut-être moyen, genre, de ressusciter Maria, tu vois, avec des cartes machin. Mais finalement, non. En fait, je voulais pas de Maria. Ouais. Parce que c'était le PNJ relou par excellence qui nous aurait. Voilà, je l'avais limite dangereuse parce qu'elle était tellement amoureuse qu'elle aurait pu me buter. Là encore, c'est le karma qui te rattrape. Tu l'as utilisé. Oui, c'est vrai. Utilisé comme. Ah, mais là, elle a rien demandé. Elle l'a draguée une journée entière. Là, vraiment, sans pitié. Parce que, mais après, elle a été collante. Donc, bon, voilà. Donc, je regrette de l'avoir tuée. Oui, mais finalement, bon, c'était drôle. Lydia. Oui, donc moi, je regrette de m'être laissé influencer. Mais t'as 5 ans, voilà. Non, mais sache que tout le monde la défend. Hein. Je veux dire, vous êtes tous des salopards. On a été des gros relous, on a été des relous. Non, mais ouais, quand j'ai tué les deux gardes à Alta Bianca, je pense que je l'aurais fait autrement. Ouais. Alors, t'aurais fait comment, vas-y J'aurais utilisé la carte pour les influencer, pour qu'ils ouvrent eux-mêmes les vannes en fait, du vin. Zéro trace. Son plan était bon. Zéro tracas, zéro trace. Ouais, mais je serais reparti, paf, comme ça, et c'est bon. Ouais, mais c'est comme des gardes dans un Rambo, quoi, tu t'en fous, quoi. Ça meurt pas. Parce que j'ai pas envie de tuer tout ce qui bouge et c'est tout. C'est une gladiatrice au pointi, hein, c'est vrai. Alors, Fibre, on nous demande s'il y a des stats de défense possibles, parce qu'on voit tout le monde perdre des PV. Est-ce que c'est possible d'avoir des vêtements ou des armures magiques, enfin, est-ce qu'il y a des choses pour atténuer les dégâts? Alors, jusqu'à présent, ils ont leur politique, ça a été je m'habille soit avec mes vêtements normaux, soit avec des vêtements extravagants. Donc, la question n'est pas vraiment posée. Mais si je devais le traiter, si demain ils s'achètent des armures, il y a des armures spécifiques prévues. Mm-hmm. En gros, ça absorbera effectivement certains dommages. Je vais faire ça un petit peu. Alors, même si on est des règles très très simples, je vais faire ça localisé. C'est-à-dire que par exemple, on aura peut-être une armure juste sur le corps. Et du coup, on fera des jets pour savoir si c'est localisé ou pas. D'accord. Il y a une question pour moi, donc je vais y répondre. Combien de temps ça prend pour préparer? Alors, je ne suis pas tout seul, je suis avec Morgane. Et on prend entre 1 heure et 1 heure et demie à setup 6-7 caméras, dont celle qui est suspendue. Donc voilà. Et après, derrière, une demi-heure. Il y a eu quand même deux pilotes que tu as insisté pour faire. Ouais. Et ça a pris beaucoup de temps parce qu'on a parlé des pilotes un peu aujourd'hui. C'est vrai, les gens se demandent si on peut les voir quelque part et on ne les a pas diffusés. Ouais, c'est toi qui les as, non? Oui, je crois que je les ai. Ouais, ils ne sont pas super glorieux, je trouve. Hein, non. En fait, ça a été surtout des pilotes techniques pour voir est-ce que ça marche, comment on met les caméras, ce genre de choses. Donc, après, vous, ce que vous avez fait. On précise que dans le pilote, Kaitra jouait une gladiatrice végétarienne. Oui. Elle refusait de tuer les animaux, ils ont failli mourir de faim. Mais parce t'as dû tuer un animal, non, un sanglier. Un sanglier, tu vois encore. Oui, mais parce que par défense. Non, un sanglier, c'est moi qui l'ai tué. Gladiatrice végétarienne. Oui, mais c'est parce qu'elle voulait pas. On a Tanaka qui pose la question à Lamedaz. Pourquoi vous n'avez jamais acheté une arme de base, n'importe quoi, pour pouvoir vous défendre sans utiliser vos consommables, c'est-à-dire les cartes, les fioles, les potions. Parce que. Parce que moi je suis un magicien, donc je suis une brêle en corps à corps. Ouais, c'est un bâton, tu vois. Non, mais on est des brêles en corps à corps. Non, mais ça sert à rien, parce que je sais que avec notre OMJ, qui est quand même ce qu'il est, voilà, moi en corps à corps, j'ai. C'est où ça déjà? Combat rapproché, j'ai 35. Ah ouais, non, mais tu fais rater un G, c'est quelque chose, mais faire un 97, c'est autre chose. Tu vois, si vous ratez votre score de lecture à 60, je vous dis rien, mais 97, 100. Hein, oui, non, mais d'accord, non, mais combat rapproché, j'ai 30. Mais surtout, c'était pas l'envie que j'avais de me battre. Ouais, voilà. Je vais pas me battre avec. Je préfère gifler des gens encore. Moi, je préfère avoir Kaitra avec moi, en fait. Ouais, c'est bien. Mais c'est un peu votre bouclier, vous tendez Kaitra. C'est complètement tout le temps. Le côté un peu. Dès qu'il faut sauter, nager, taper. C'est Kaitra. Bah bien sûr. Se faufiler, c'est Kaitra. Non, mais j'aime bien être en tandem avec Lydia, moi. C'est moi, je suis le genre de mec, tu vois, à Fort Boyard, je reste en dehors, je dis à Kaitra, la clepsy. Bah, c'est on est complémentaires, en fait. On est la force de frappe du groupe. Tout à fait. Du coup, il y a Kanto qui pose une question. Alors, je ne sais pas si tu vas y répondre, parce que ça peut spoiler. Quelle est la plus grosse information ou occasion qui est passée sous le nez des joueurs? Alors. Il y a pas mal de trucs, mais il faut pas vous spoiler parce que moi je regarde pas les replays, je lis pas le chat pendant les émissions. Il y a une quête qui sera impossible à faire désormais, donc je peux si vous avez creusé un petit peu l'histoire du dieu exilé, tout ça, etc., que vous en avez parlé à Mélanda, donc c'est quand même très ça pose beaucoup d'hypothèses. Bon, déjà, tout le nord de Vandermeer, c'est une zone qui est expliquée dans l'arc, qui est explorable. Il y a des aventures, un peu à la Robin des Bois, puis après, il y a un lieu étrange. Sur la carte, il y a un précipice, bon, il y a des choses à faire.
Et mais y a, ouais, effectivement, Mélanda, elle aurait orienté vers une sorte de quête religieuse. Et il y avait un, il aurait été possible de s'infiltrer dans le palais Alta Bianca pendant les noces et faire et voler un ouvrage sacré. Voilà. Mais c'est des trucs qui sont plus possibles désormais. Ouais, ouais. Le voilà. Couler. Il était en train d'essayer de négocier des conneries, donc. Non, mais c'est normal, c'est bien. Moi, ça me rassure aussi que vous fassiez. Parce que parfois, les gens disent, mais est-ce que c'est, est-ce qu'on est dans un couloir, tu vois, est-ce qu'on est comme ça? Et des fois, je me dis aussi, est-ce que je suis en train de vous driver trop? Et le fait non. que vous passiez à côté de grandes choses, moi, ça me rassure, ça me dit, OK, ils mais font une aventure qui est meilleure. On a vu le retour d'un mec aussi qui nous a envoyé un message, j'entends, mais moi, j'aurais fait ça comme ça, j'aurais fait ça comme ça, là, vous êtes dessus. Et génial, justement, c'est notre aventure. Ouais, c'est je sais pas. Ouais, mais, enfin, généralement, quand tu te plantes, c'est là que c'est drôle. Oui, oui. Si c'est tout droit, c'est vrai. Ou tout droit, ou si on avait vraiment coché toutes les cases qu'on croisait pour vraiment tout remplir, c'était pas. Il y a quand même des chances que la saison prochaine fasse un épisode, hein. Voire un début d'épisode. Parce que... Une petite demi-heure. Justement, ouais, je viens avec cette question de Morlock qui demande si quelqu'un regrette qu'il n'y ait pas eu de mort dans l'équipe, sous-entendu, jouer un nouveau perso, se renouveler finalement. Parce que c'est toujours le principe, quand tu rentres dans une table, on te demande ton perso, mais toujours un deuxième perso. Franchement, moi, non. Non, moi non plus. Moi, je suis trop nouveau en jeu de rôle, donc j'y tiens mon perso. Ouais. Mais c'est pour ça, c'est bien. C'est on dirait pas. Non, mais j'aime bien de faire subir des trucs, mais quand Atlan m'a failli me tuer. Alors, j'ai glissé, déjà, j'ai pas failli te tuer. Et je crois que quand t'as voulu me sauver, tu m'as enlevé le dernier point de vie. Ouais. Et que c'est, finalement, c'était Claude Demers qui me sauvait. Ouais, et avant, j'étais mort. Ouais. Et j'étais dans ma tête, j'étais en train de me dire, j'étais pas en train de me dire, ah bah c'est bon, je vais reroll un deuxième perso, j'étais dégoûté. Ouais, ouais. Tu pensais pas encore. Il faut vraiment se reset-up, en fait, c'est limite, tu vas jouer un étranger, quoi, tu vois, t'es dans ta tête, t'es là, tu fais, je connais pas, qu'est-ce que c'est. Ouais, ouais, bien sûr. Tu sais, tout abîmé partout, par contre, vraiment, moi, j'ai la première voiture, quoi. Quand vous, si toutefois l'un de vous meurt, ce sera un grand moment, c'est-à-dire qu'on sera enterré, il y aura un discours. Si on est enterré, qu'on va tous mourir noyé en haute mer, je peux dire que personne ne va nous enterrer, il y aura pas de discours, il y aura rien. Pas de fosse commune, il y aura juste des cris. Et après un lézard qui viendra manger des cadavres qui traînent en face de l'eau. Là. Du coup, une question de Jackman pour Fibre. Comment gères-tu les phases d'improvisation lorsque les joueurs font un truc que tu n'avais pas prévu, peut-être que tu n'avais pas prévu, ou qui portent énormément d'attention à un PNJ qui faisait que passer Gourmandise toujours. Ça arrive souvent. Alors, il faut se préparer déjà. Ouais. C'est-à-dire que j'ai des listes de... par exemple, quand vous avez fait toutes les tavernes, là... heureusement que j'avais une liste de tavernes, parce que j'ai pas du tout prévu qu'il y ait des tavernes, tu vois, le nuage dans le bateau d'Akaba. C'était notre meilleure enquête quand même. Donc il faut être un peu prêt. Et sinon, moi je suis effectivement content quand il dévie du scénario. C'est vrai que j'ai toujours peur que ce soit un petit peu dans l'inconnu. Là, parfois, même aujourd'hui, là, j'ai eu des moments où j'étais un peu perdu et je dis bon, vous faites quoi ça. Alors, le temps que vous réfléchissez aux trucs, je peux encore. Après, c'est l'expérience. Hein. Il y a toujours le tips de tu fais semblant d'aller aux toilettes et tu réfléchis pendant que les PJ y a des disputes. Mais plus effectivement, plus il dévie du scénario, même s'il y a effectivement des points d'intérêt très intéressants. Là, en fait, vous avez dévié aussi majeurement d'un scénario, ce qui fait dans le fait que vous n'êtes pas des gens très gentils. Non, vous êtes pas des. Vous êtes pas, sympa. Vous êtes pas la compagnie de l'anneau. C'est-à-dire, vous êtes pas Frodon. Vous êtes, ah vous non, êtes non, des... ils sont chiants. On est assez problématiques. Vous êtes même pas Star Wars. Vous êtes... ils sont plutôt chaotiques, quoi. Quoi ouais, j'essaie de récupérer le truc. Qui pousse des gens au suicide. Moi Toi, tu t'as brûlé. Attends, moi, le seul truc où j'ai merdé vraiment, c'est j'ai brûlé un bateau. Non, t'as jeté des mecs dans le parcours, tu les as tués. Mais c'était pour nous sauver. Oui, mais t'aurais pu les balancer les uns sur les autres et les sauver. Après, tout le reste, c'est le chat qui vote pour Sanfroid Fillon qui défonce un port, Sanfroid Fillon qui vote. Alors, remettons au chat, le chat est super sympa avec vous. Le chat est super sympa. Parce que moi, je vois les sondages, il vous met toujours, c'est que des trucs. Alors, vas-y, le lézard, là, quand c'est énervé dans le chat. Le chat, ils aiment bien. Le Kraken, on l'a eu, merci le chat. Non, pas là. Là, t'as eu le. Oui, non, mais on l'a déjà eu une fois. Mais non, mais là, ce qu'ils attaquaient là, c'est pas le Kraken, c'est Sanfroid Fillon. Et du coup, c'est sympa parce que tu le connais, il y a moins de. Sanfroid Fillon, il nous pose plus de problèmes que le Kraken, au pire. Non, mais attendez, on va à l'apprivoiser, on va surfer dessus, on va s'en sortir. Début de saison 2. On a la compétence. Du coup, je on va aller comme des boss en surfant Y a-t-il une quête que vous avez le plus appréciée? Ça revient souvent d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a fait plus kiffer finalement? Quelle histoire ou petite histoire? Moi, j'aimais bien quand on a essayé de résoudre l'enquête avec Olympia. Ah oui, avec les commentaires. Ça c'était cool, mais moi j'ai bien aimé l'infiltration de Kétra à flanc de falaise. Ça c'était sympa. Moi j'ai bien aimé la phase où on s'est fait piquer la boîte à cause de quelqu'un. Et toute cette partie pour la retrouver, c'était cool. Ce détour. Il y a aussi la quête justement où on récupère le truc d'Ordo, là, la magistrature, machin, etc. Ah, c'est passé pour lui et tout. C'est... Moi je crois que c'est l'énorme sujet global qui est en train de se dessiner, je l'aime bien parce que j'arrive pas à le comprendre encore. Les tenants et les aboutissants sont immenses.
Et je commence à comprendre, effectivement, Dieu ennemi, Dieu exilé, quelle ville est liée à quoi. Tu commences à voir l'Osmanlie qui commence à se placer quelque part, les protecteurs, les tout le pas. Et j'aime bien le fait que je comprends toujours pas. Enfin, pas tout. Tu vois. Il y a aussi la fameuse arche qui peut tuer des dieux. Oui, voilà. L'arche qui peut tuer des dieux. Est-ce que c'est un serpent? Il y a tout, le meurtre du roi, enfin, la mort du roi. La mort du roi, la sorcière qui nous possède un petit peu. Zoltan qui a l'air d'être un horrible enfoiré dans le. Mais moi, je suis lié au meurtre du roi, en fait. Comme en vrai. Comme en vrai. Comme en vrai. Donc tout ça, et je me dis, ça me dépasse, et j'aime bien. Je me dis. En étant Nicolas, j'aime bien que ça continue à le dépasser un peu, tu vois. Alors qu'en fait, j'ai été un peu un instrument du meurtre du roi, mais bon. C'est clair. Un tout petit peu, quoi. Une question qui revient, et je sais que tu as la réponse. Aura-t-on un retour des JDR start-up foireuses comme on a pu voir sur Studio 404? Alors, qu'est-ce qu'on dit, là? Tu peux le dire. On en fait un cet été. Ouais. Voilà, donc vous n'avez pas de date, je suppose. Et ce sera, ce sera avant début septembre, mais ce sera un podcast audio et comment ça s'appelle? Ce sera très différent de la dernière fois. Donc, on prend le risque de faire quelque chose de différent. Mais ce sera le même personnage, ce sera toujours dans l'esprit startup 404. Mais ouais, ce sera un petit peu différent. Donc, voilà, ne vous attendez pas à ce que ce soit la même aventure. D'ailleurs, question qui enchaîne. Pour ce qui est du canonique, c'est-à-dire l'histoire, est-ce qu'il y aura des guests à un moment donné ou ce n'est pas prévu dans le canon? Parce que dans les one-shots, on en voit effectivement. Alors, ça, c'est une question qui a été posée partiellement à Trunks. Et Trunks, il m'a dit de répondre pas de guests. Ok, d'accord. Mais une team fixe, c'est aussi ça. Ah, c'est ça. Ça fait que ça roule, quoi. Donc, on nous pose aussi la question s'il y a une possibilité d'acheter la version papier de Game of Thrones, mais je suppose que. Alors, aujourd'hui, non. Maintenant, dans mon deal avec Webedia, je peux le dire, j'ai dit moi, je garde les droits de tout ce que je fais ici. Donc. Et aussi, le fait que je l'écrive de façon aussi structurée, c'est que j'ai peut-être une idée derrière la tête. Donc, peut-être, mais pas tout de suite. D'accord. Ça ferait un bon My First jeu de rôle, quand même. Hein. Alors. Les mécaniques sont un peu simplifiées par rapport à un bon jeu. Ouais, disons qu'il y a un wiki qui est fait aussi par les auditeurs, donc il est vraiment extrêmement bien fait. Ouais, il est super. Et du coup, effectivement, ça permet d'avoir un univers qui n'est pas toujours avec des elfes, des nains. Voilà. Ouais, histoire de sortir un peu de ça, quoi. Il y a des toulpas. Hein. Il y a des toulpas. Et toulpas, ça existe. Il y a des lapins aussi. Vous voulez Wikipédia, ça existe en vrai dans autre chose, dans une autre mythologie. C'est vrai? Non, oui. Je cherche des questions pour les PJ, mais alors tout le monde, c'est fibre. Fibre. C'est mieux. Ah oui, c'est MJ. Hein. Donc forcément, j'essaye de trouver des questions pour les PJ. Il y a quand même vos souvenirs le plus marquants, ça revient souvent, mais on en a déjà parlé. Du coup, je vais enchaîner sur toi, Fib, ça va être la mitraillette de questions, alors on va y aller. Est-ce que vous en... Alors ça, c'est bon. Est-ce qu'il s'agissait de leur premier JDR? Ah non, ça c'est pour les PJ. Est-ce que vous avez déjà fait du JDR avant ça? J'avais juste fait le JDR 404. Mm-hmm. Il a été un des déclencheurs qui nous a donné envie de relancer Game of Thrones. Moi, le prototype avec MV. Ouais. On a fait deux séances avec MV, ensuite deux pilotes, et ensuite, on va dire, plus le 404, donc... Au premier jeu de rôle qu'on a fait, que vous avez vu, Arya avec Daz, c'était ton sixième. Ouais. Voilà. Même sur un des deux pilotes, c'était vraiment... On a presque rien. Lydia ? Bah moi, j'ai une table Star Wars avec des amis. Que tu fais encore ? Ouais, qu'on continue. Et tu joues quoi ? Du gène aussi. Tu joues quoi ? Je joue une Twi'lek. Ah, ça m'étonne, sexy. Ça alors, une Twi'lek. Tu fais du gène aussi. Oui, après, ça, c'est autre chose. Attends, elle fait du gène super haut level. D'ailleurs, attends, ça... Cette dague est une dague de gêne pour elle. Oui. Non, mais elle fait du gêne de ouf, avec des tentes. Par trois jours, dans des châteaux en ruine et tout, là. Ou au Tibet, on sait pas. Moi, j'avais fait un tout petit peu de Donjons et Dragons et une campagne de Cthulhu. Ah, ça va. Ouais. J'ai un t-shirt Cthulhu aujourd'hui. Ouais. Les gens l'ont repéré dans le chat d'ailleurs. Alors, on demande aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour. Si tu avais des conseils pour pimper l'ambiance à une table de JDR. Alors, j'ai un truc que j'aurais aimé qu'on aime, mais c'est impossible ici. C'est. La bougie, j'aime bien, mais les bougies, ouais. Les bougies. Ouais. Dans le noir avec des bougies, c'est top. Même si vous racontez un truc avec des deux chevaux, ça marche vachement bien. Des bougies à LED, on peut faire ça avec des bougies à LED. Ouais, ça. Un petit peu de musique, c'est pas mal. Les ambiances, c'est cool. Ouais, il y a beaucoup d'ambiances de jeux de rôle. Bon, il y a des super musiques. J'adore la musique de Conan. Le MMO Conan. L'ancien, le tout premier MMO, est fantastique. Je l'aime beaucoup pour les jeux. Et puis, dans les manuels de jeux de rôle, ils disent de mettre genre un objet de pouvoir sur le truc, genre un crâne, un dragon, tout ça. J'aime bien. Moi, je mets des petites figurines aussi. Et puis des bonnes chopines, c'est des bons objets de pouvoir. C'est vrai. Pour faire venir des gens à la table, soit vous avez du mal à dire, parce que le jeu de rôle, c'est cool, mais vos amis ne vous croient pas, vous dites simplement, il y aura de la nourriture. Donc, par exemple, si vous faites un cerveau qui se passe en Bretagne, un Toulouse, vous dites, vous prenez de l'andouillette de Garmené, des crêpes, voilà. Et les gens, ils disent, putain, ils sont dans l'ambiance, tu vois, et c'est cool. OK. Les gens veulent savoir aussi, qu'est-ce que tu as complètement improvisé?
Enfin, qu'est-ce qui a été improvisé? Parce qu'on sait qu'il y en a, il y a des parts d'improvisation. Qu'est-ce qui était la genre... densité de la quête de gourmandise, ça a été vraiment très long pour moi. sinon, le fait que Clodomir s'empare de Ordo, alors que c'était vraiment tailoré pour toi. Oui, c'est vrai. Je sais pas pourquoi je l'ai pris d'ailleurs. Oui. Parce que c'est toi, mec. Parce que c'est toujours genre, non, bah attendez, c'est pas parce que je prends le. Mais en non, fait, je suis imaginative. Ah, si, alors en vrai, là je réponds aussi partiellement à une autre question. En fait, ils ont tellement une personnalité très précise que c'est assez facile de les mener par le bout du nez. Si je mets, il y a une soirée par là, Nicolas, il va y aller, mais tu sais, genre, il va même pas réfléchir, il va y aller. Si je mets, il y a un animal qui se fait torturer, alors elle va, tu vois. Donc en fait, c'est assez facile. Les coups qui sont évidents, quoi. Voilà, c'est assez facile de donner les points d'impact. Mais par contre, il y a aussi, vous êtes des joueurs de jeux vidéo, et vous avez ce biais qui est de. On fait les quêtes. On a une quête, on l'a fait, tu vois. Et ça se trouve, le seigneur du mal vous a donné une quête. C'est pas grave, allez, pour l'expérience, on l'a fait, tu vois. Et il y a ce côté. On va dire très systématique de jeu vidéo qui est bien pour moi parce que du coup je vous fais faire un peu ce que je veux. Mais à un moment il faudra se poser la question, est-ce que je fais quelque chose de bien? Est-ce que je travaille pour le bien? Ah, juste un truc du chat, on me dit dans le chat que tu as oublié ta compétence vengeance. Ouais, c'est revenu souvent. J'aurais pu me servir de ma compétence vengeance pour le coup sur le bouquin. Voilà, ouais, sur le bouquin. Codex, par exemple. Pour venger du bouquin, ouais. Ouais. Ah, j'ai oublié, ouais. C'est vrai. Ouais. On nous demande comment tu prépares tes sessions de Game of Thrones. Alors, il y a eu beaucoup de prépa il y a longtemps, mais... Je travaille une heure par jour. Une heure par jour, toute la semaine? Toute la semaine, samedi, dimanche. Du coup, sur 15 jours? Parce que c'est tous les 15 jours. Sur 15 jours, et là, en fait, maintenant, c'est une heure tous les deux jours. Ouais, vu que tu as déjà commencé pas mal à enquiller. Est-ce que vous êtes tous satisfaits dans la manière dont évoluent vos personnages? Parce que, il y a des choses qui sont voulues, d'autres non. Je vais commencer par... le côté tueur, non. Ouais. Oui, le reste, ouais, ça me va. J'aime bien le jouer de façon un peu, justement, pragmatique, roublard, et quitte à passer pour un salaud, c'est pas grave. C'est ton truc. Un peu pressé, on perd pas de temps quand on y va. Et un peu... ça me fait chier la manière dont mon maître me voit. Parce c'était que, dur ce passage, un peu. J'ai vraiment pas l'impression d'être... Bah, c'est bien, t'as une quête de rédemption maintenant. Ouais, non, mais en fait, le truc, c'est que tout ce que j'ai fait... À la base, c'était quand même pour servir le groupe. Et à un moment, c'était vraiment tuer pour tuer, en fait. C'était parce qu'on était dans la merde. Ouais. Et c'est mal perçu. Ouais, donc, mais souviens-toi, elle t'a posé trois questions. T'as eu un examen très sérieux. Attends, je suis passé le jeu. Et à la fin, elle t'a dit, et si t'es dans une... Si, par exemple, elle t'a même dit la chose suivante. Elle t'a dit, si un jour, Grindel vient pour me tuer, est-ce que tu te vengeras de lui? Et toi, t'as dit non, parce que je ne veux pas tuer. Elle t'a dit, c'est très bien, il ne faut jamais tuer, c'est très important. Et malheureusement, t'as dit oui, maître, et t'es parti, et avec ça, elle a gardé ce bon souvenir de toi. Non, mais attends, c'était pas prendre l'initiative de tuer, c'était on nous attaque, on est complètement corner, faut bien qu'on sorte du truc. Et tu remarqueras que j'ai jamais voulu couper les gens en deux, je les prends, je les jette. Non, mais t'as fait quelques écarts, mais ce qui est bien, c'est que tu es un personnage qui va pouvoir aller à la rédemption et. Ouais, enfin, je te rappelle que c'est dans un an et qu'on est mort au prochain épisode. Si on replace pas demain. Moi, sur la construction du perso, bah, en fait, t'es en dents de scie. Il est complètement en dents de scie, en dilettante. Mais en fait, c'est ça que j'aime bien. C'est qu'encore une fois, le fait de découvrir les aventures et que les événements te forgent et pas genre en mode je vous annonce comment est mon perso. Contre vent, marée, ton perso, tu suis cette progression de perso. Là, mon perso, il a été hyper ralenti parce qu'il allait passer les nuits à baiser à droite à gauche. Et je trouve ça drôle, en fait, que. Il est passé de je tue des araignées à comment je m'appelle. Alors qu'au tout début de l'aventure, je carriais à fond. Au tout début de l'aventure, j'utilisais mes potions pour défoncer des portes, pour coller des gens, pour l'hallucination sur la bande de bandits. Mm-hmm. Et le fait que, sûrement, ma nature de fêtard un peu con parce qu'il se pense hyper talentueux prenne le dessus, m'a fait rigoler. Et je trouvais ça bien, en fait, aussi de. Et c'est là, c'est la vie. De me laisser porter. Il faut aussi, enfin, dans les jeux de rôle, on ne s'amuse pas assez. Je veux dire, c'est cool. Non, ça, c'est vrai. Ouais. Et la frustration de ne pas évoluer, moi, par rapport à eux, en fait, elle est naturelle, en fait. Elle fait partie du jeu. C'est que j'ai fait plein de conneries et qu'à un moment, je me suis laissé porter. Et je me suis aussi beaucoup reposé sur les compagnons parce que c'est aussi le caractère du perso et qu'il y a un prix. Et voilà, le prix, c'est que je ne sais toujours pas le dire. J'ai appris une nouvelle potion à peine depuis le début de l'aventure. Le boulet, quoi. Je suis baladé à poil avec une toche bleue. Mais par contre, ta quête du sceptre avance. Oui. Ça, c'est pas mal. La quête du sceptre avance, pareil. Et t'es maudit. Je suis maudit. J'ai des tatouages, j'ai des piercings partout. Et les maudits, on ne sait même pas pourquoi. Ouais, c'est ça. Et en vrai, t'es parti en voyage étudiant pour apprendre et t'apprends vachement de choses. Et je trouve, tu vis les choses, quoi. J'ai l'impression d'être le ricain qui partit faire pour de l'or. C'est ça. Il arrive 20 millions de trucs. L'intérêt, c'est le voyage, pas la destination. Il sera en Roumanie, il sera au stade.
d'accord. Du coup, Lydia. Bah, moi, je suis bien contente d'avoir eu aussi l'occasion de récupérer des compétences. Magique. Parler aux animaux, faire partie de la guilde des voleurs, pouvoir apprendre la magie si possible. Moi, c'est pour 5 en intelligence, vous noterez. C'est très bien, je suis contente. Ah, c'est un truc qui revient souvent, effectivement. T'as 5 en intel, mais on va doubler cette stat comme ça. Il y aura pas de problème. On pourra lire comme ça. Moi, j'aimerais savoir, il y a un jour, ça a l'air intéressant. Mais moi, j'ai, pour qu'on soit d'accord, moi, j'interprète l'intelligence, alors c'est un truc un peu technique, à la Chaosium, donc l'appel de Cthulhu. C'est-à-dire que l'intelligence, elle te permet de résoudre des équations. D'accord. Mais tu peux avoir 5 en intelligence et avoir du bon sens. D'accord. Et t'es pas un abruti, t'es juste au niveau du joueur. Par contre, si t'es surintelligent comme Clodomir, par exemple, tu peux... comprendre qu'est-ce qu'il y a dans une fresque, un détail caché. Enfin, tu vois, oui, donc c'est de l'intelligence de cul. C'est de l'intelligence supérieure. C'est pas l'intelligence de bon sens. Voilà, exactement. Mmh. C'est pas l'intelligence de Donjons et Dragons. Elle est pas. Bah non, c'est pas vrai qu'en plus, moi, comme mon perso, s'en est pas mal sorti. Oui. Tu vois, un peu avec la débrouille et tout. Mmh. Pour moi, j'ai pas. Enfin, Vos stats, elles représentent des performances, c'est-à-dire votre capacité à vous dépasser. Parce que pour marcher, vous n'avez pas besoin de faire des tests d'intelligence. Alors, il y a des questions qui sont très. Vous allez voir, c'est très pointu. Donc, il y a Jeannot35 qui dit salut Fibre. Dans l'échange d'humains sur l'île des abandonnés, attention, des bisous, pouvait-il, une fois qu'ils avaient échangé les deux lapins contre le premier Tarsil Vernet, échanger ensuite ce premier contre le deuxième et le deuxième contre le troisième Vélon Santo, ils respectaient aussi ainsi la règle d'échange de l'île. Alors, je ne pense pas. Ouais. Mais non, parce qu'il y en avait deux. Même si un jet extrêmement bien réussi d'Atlan aurait pu tout, bien entendu. Mais de toute façon, l'île des abandonnés, c'était une petite blague que j'ai mis là, parce que c'est des gens très faibles, très pauvres, qui n'ont rien. Ouais. Mais ça, on l'a vu. voilà. Non, on l'a vu, parce que dès que tu as dit, vas-y, tu peux y aller, tu sors ton arme, il tombe au sol. Ouais, parce que nous, on était partis sur une opposition, comme avec les mecs qui avaient niqué la ville au tout début. Ouais, non. Et en fait, pas du tout, ouais. Alors, une question un peu pour tout le monde, mais surtout pour toi, Fim. Non, je pense que c'est pour tout le monde. Alors, il y a des gens qui trouvent que l'irrégularité du planning fait que les gens décrochent un peu. Est-ce que pour la nouvelle saison, il y a quelque chose qui est prévu pour améliorer ce point? Tout à fait. Donc, je me mets à la place de Trunks. Game of Thrones devient hebdo à partir du 13 septembre. Toutes les semaines, du coup. Voilà, mais vous ne retrouverez... Et en semaine. Mais vous ne retrouverez Arya qu'une fois tous les 15 jours, comme c'est prévu. Et... cette fois-ci, on essaye de s'y tenir à tel point qu'on aura peut-être même une assistante de production qui va organiser le fait qu'on soit tous là tous les mercredis. Donc, voilà. Alors là, je parle aussi pour Trunks, c'est à confirmer. Mm-hmm. On est en train de bosser sur la grille de rentrée. Donc, tant que ce n'est pas confirmé, on ne balade pas ça. En tout cas, le travail qu'on fait en ce moment, c'est de dire Game of Thrones, avec son succès, passe en semaine. C'est plus facile pour tout le monde de se libérer. Ouais, le dimanche, c'est compliqué. Un soir de semaine, 21h minuit, une semaine sur deux. Et on n'en dit pas plus. Voilà. Parce que, il y aura peut-être des surprises. Il y aura peut-être des surprises, mais en tout cas, c'est une semaine sur deux, soir de semaine, avec la même équipe. Ok. Du coup, à Fibre, comme tu parles de saison, je suppose que ce sera uniquement du débrief et que la suite de l'histoire reviendra à la rentrée dans 2 ou 3 mois. Ouais. Donc, en gros, c'est ça que ça se passe. Enfin, quand j'ai le 13 septembre, c'est le retour de la JVTR. Je ne sais pas si c'est un mercredi, ce sera nous. Si c'est un jeudi, ce sera 6 jours plus tard. Donc voilà, on continue. Sans froid Fillon, qu'est-ce qui se passe, qui travaille parle, elle lance les dés et là on voit ce qui se passe. Oui, donc nous ce serait le 13 septembre, ça tombe un jeudi, donc ce serait notre soir. Parce que normalement nous on mercredi d'après. La rentrée de la JVTV, la grande rentrée, toutes les nouvelles émissions et tout ça sera le 10. Mais peut-être que je serai le jeudi avec vous, comme ça on présentera les nouveautés. Ouais. Alors, une question un peu critique, il en faut aussi. Mm-hmm. Fibre, et ensuite pour les joueurs, pourquoi est-ce que tu ne cadres pas un peu plus les joueurs quand ils... pour qu'ils empêchent d'influencer les autres. Alors, ils ne sont pas censés être à même endroit. La télépathie. Ouais, bah, justement, je trouve qu'on a essayé de le faire un peu plus. J'ai essayé d'auto-régler. Il y a eu toute une période, en fait, au milieu de la saison, où YOLO, quoi. C'était très méta. On n'était pas ensemble. On était quand même super souvent tous les quatre. C'est ça, c'est qu'en fait, on est un groupe. Donc, si tu prends une décision... qui n'est pas forcément la bonne et que les autres le voient, et tu as envie de dire qui marchand d'Amaury, officiellement, on n'est pas au courant, nous, on continue à gérer le truc. Mais complètement. Mais les gens regrettent un peu le manque de RP, mais je pense que le manque de RP, c'est, par exemple, quand vous êtes en train d'essayer de faire du marchandage sur la quête des abandonnés, c'est beaucoup plus drôle si vous dites 2 secondes et vous faites semblant d'être sur le côté en disant
plutôt que de méta pendant une demi-heure devant les PNJ, alors qu'ils ne vous entendent pas, tu vois ce que je veux dire? Oui, je pense que c'est ça qu'il veut dire, quoi. Mais en fait, ça ne vous demande pas plus d'efforts, c'est juste qu'il faut s'imaginer que vous le faites. En fait, il y a un truc que j'avais proposé, mais qui aurait cassé le rythme du jeu, c'est qu'effectivement, j'ai vu des jeux de rôle, donc ceux de Lydia, des gens en spectateur, où des fois, quand il y a un conciliabule ou un dialogue un à un, le MJ et la personne concernée ne parlent que tous les deux et les autres n'entendent rien. Ouais, effectivement, c'est le mieux parce que c'est le plus naturel. Et Le setup, par exemple, les gens ne sauraient pas quel est mon lien avec la sorcière que ça, etc. Je le fais pas du tout parce que, en fait, la philosophie de Game of Rules, c'est de dire le jeu de rôle, c'est cool, c'est marrant, vous pouvez le faire avec tout type de gens, faites-le chez vous, c'est fun. Et je veux pas commencer à être un nazi. Tu vois, et un nazi qui dit, toi, tu sors quand tu veux pas, ça. On est juste entre gentlemen, on joue le jeu. Si ça déborde parfois, c'est un jeu, c'est tout. C'est pas, on joue pas notre vie, tu vois. Et l'histoire, elle reste globalement la même. C'est vrai qu'on pourrait s'imaginer, et s'il se passait ça, je pense que ce serait lourd et ce serait aussi froid. Et si c'est un peu la porte ouverte à Atlan qui dit, Fibre, je vais te parler tout seul, vous sortez tous, et là, il m'explique comment il va tous vous tuer, tu vois. Ouais. Et je veux pas que ça, je veux pas que ce type de choses arrive. J'ai pas que quoi, Atlan toi, forcément, mais. Non, mais c'est ça. Non, c'est PK, quoi. Voilà, Attends. C'est ça. Non, mais c'est ça, c'est. Alfredo de la Puerta. Il pourrait y avoir des choses comme Robert ça. Robert Ménardin. J'ai envie que toute l'équipe soit quand même soudée, tu vois. Et donc, effectivement. Mais de manière générale, quand quelqu'un, vous n'êtes pas censé entendre, c'est là où c'est compliqué, c'est. T'es pas censé savoir et du coup tu dois faire interagir ton personnage de manière à comme ce qu'il ferait s'il ne savait pas et c'est un peu tricky quand t'as pas l'habitude, mais je pense que c'est faisable hein. On va travailler là-dessus pour la saison prochaine. Mais du coup une question, on te demande par quoi t'as commencé quand t'as créé cet univers qui maintenant est très dense, on l'a vu, c'est quoi ton point de départ? Alors moi toute la semaine ligne déjà je la connais très bien parce que c'est quelque chose que j'ai utilisé dans des choses que j'ai fait dans le passé, donc c'est un univers qui est simplement inspiré de la Turquie. D'accord. D'ailleurs, l'Osmanli est réellement l'ancien nom de la Turquie. Et du coup, D'accord. C'est pas l'Anatolie. Du coup, Imrali Adazil est une vraie île en Turquie, voilà, des choses comme ça. Et il y a beaucoup de mythologies qui sont prises de la Turquie et que j'aime beaucoup d'ailleurs, des symboles. Voilà. Parce que c'était à un moment le plus grand empire sur le monde. Et Tamerlan est un grand souverain. Et c'est quoi déjà, c'est qui ta mère? Ta mère, c'est le plus grand magicien du monde. C'est le méga mage que je dois trouver. Et mais je pouvais pas faire. Il était quand même. Enfin, quand Trunks et Lam m'ont demandé de faire Game of Thrones ici, on a convenu d'un univers médiéval fantastique assez classique. Donc il fallait que je lui enlève un petit peu ces tonalités exotiques. Mm-hmm. Mais j'ai quand même pas mis de nains et d'elfes parce que j'aime pas trop ça. Mais il y en aura peut-être. Hein. Mais, on a eu des nains qui n'étaient pas des nains. Oui, des vrais nains. Des vrais nains. Voilà. Quoi. Mais voilà, j'aime. On a aussi des hommes avec des espèces un peu cheloues là, dans la bande de bandits. Voilà, c'est ça. Mais à partir du moment où vous allez. Si ça arrive un jour, vous allez arriver en Osmanli. Osmanli, c'est vraiment un pays merveilleux au sens merveilleux. Donc il se passe plein de choses surnaturelles. Et là, teasing. Et même à Kaba aussi. Faut-il qu'on y aille? Il y a une question que je la pose, mais cher Clodomir, comptes-tu lire le Codex Runica? Eh bien oui. Quand il retombera sur la gueule, parce que je le connais, oui, je pense qu'au pire moment du monde, un Codex va me tomber sur la gueule, lâché par un faucon. Justement, en fait, hein, j'ai réalisé effectivement que j'avais dans ma besace pas mal de bouquins et que je les lisais pas. C'est pour ça que le Codex Occultatum, je veux absolument le lire avant qu'il nous arrive une couille. Et du coup, le Runica, je m'étais dit, c'est cool. Le Naturalia, je m'en fous un peu. Le Runica, je me suis dit, c'est cool. Ouais. Je vais pouvoir le lire dès que j'aurai fini l'Occultatum. Yes. Merci, Adnan. De rien. Alors, maintenant qu'on le reverra plus jamais, je vous dis juste, c'était un nouveau système de magie. La magie des runes. Voilà. Bon, ça va. Donc là, on vient de balancer par la fenêtre tout un système de magie. Un nouvel ancien, c'est la vie, c'est la life. Et tu pleures un petit peu intérieurement, toi? Non, c'est la vie. Il y avait combien de pages de préparer? Non, c'était un truc, tu lisais, tu pouvais faire une rune, tu pouvais créer une rune, tu mettais une rune sur une hache, elle la rendait incassable. Ah, Lydia, elle aurait dû rester par la fenêtre, elle aurait pu apprendre un nouveau truc. Vous l'avez depuis longtemps, j'ai un moment, si tu ne suis pas là. Oui, donc c'est vrai. Ceci étant, des demi-journées dispo pour pouvoir lire des bouquins. Il y a la bataille. Là, on en a eu parce qu'on a pas mal voyagé en mer. Ouais. Mais autrement, c'est vrai. Et parce qu'on a fait l'effort aussi de couper des trucs en demi-journée. C'est genre, vrai. C'est une demi-journée. Bah vas-y, je vais lire alors. Mais sinon, on était pris par les aventures, les bateaux qui brûlent. Une copie un peu moins bonne. Ouais, il n'y en a pas qu'un. Tout est possible. Il faut sauvegarder dans le cloud. Il faut prendre le jeton dans la machine. Là, c'est vraiment dans le cloud pour le coup. Pour le coup, c'est pas dans le cloud, il est vraiment dans le cloud le Codex. On va te retomber sur la tête. En plus, c'est vrai, parce que ce que tu viens de dire, c'est qu'en gros, t'as vu, ça te retombe la tête sur la tête, et là, il vient de nous dire quand même, en fait, c'est mort de chez mort. C'est mort de chez mort. Hein. Ah, moi, j'espérais, moi. Ah, il va retomber. Il va te retomber dessus pour te faire perdre des PV, en fait. Ouais, c'est ça. Il va te tuer net.
Du coup, si vous, en rebondissant là-dessus, si vous m'aurez, du tac au tac, quel style de perso vous aimeriez jouer? Donc, on va commencer par... Là, tu joues un magicien. Qu'est-ce qui te plairait si tu joues pas ça? Qu'est-ce que tu ferais? Un voleur. Un voleur, ouais. Ouais, histoire de faire un voleur marchand, en fait. un voleur ninja marchand. C'était beau, t'en as tué. Mais souvent, c'est ça dans les jeux de rôle. C'est-à-dire, tu joues un personnage. Moi, j'ai fait une campagne, la campagne parle de Warhammer avec une fille. Mm-hmm. Et la fille, elle était ambassadrice elfe, elle voulait vraiment faire ça. Ouais. Et en fait, un jour, elle a cambriolé une maison, elle a dit, mais j'adore ça, tu vois. Et elle a fait que des voleurs ensuite, tu vois. Et donc, effectivement, souvent, t'as la vocation pendant le... L'âme. C'est-à-dire, si on devait reprendre un personnage de zéro... Non, si jamais tu meurs, qu'est-ce qui va te venir, en fait? Même là, si tu n'as pas réfléchi en amont, qu'est-ce qui te vient... qu'est-ce que tu ferais comme perso? Qu'est-ce qui te fait envie, en fait? Ah, qu'est-ce qui me fait envie? Caractère ou classe ou un peu... Un gars très fort, très con, un peu amoureux de la nature. C'est une sorte de... Ah ouais, de géant garde forestier, un peu... Ouais. Tu vois, John Coffey, quoi. Un peu béné, mais plein de bonne volonté. Ouais. Et tu vois, fois, il s'en rend pas compte, donc, il contracte pas. Donc, tu deviendras Kaitra et toi, tu deviendras un peu Atlan. Ouais, parce que là, on est là. Non, parce que Kaitra, elle a un truc, elle a des valeurs que moi, c'est une sorte de... Ouais, c'est le... Une sorte de golem amélioré, quoi. Mais un mec qui est vraiment genre... Il a un bon fond, quoi. Un bon fond. Pas forcément bagarre, mais en même temps, j'ai des valeurs parce que vous en avez pas. Hein. Ouais, voilà, je suis obligée de rétablir l'équilibre. Récompense. Hein, Moi, je jouerais bien un nain, mais nain. Enfin, pas un nain, pas la race des nains, un nain, quoi. Un homme atteint de nanisme. Un homme atteint de nanisme. Un homme atteint de nanisme. À qui j'essaie d'arracher un truc, je sais plus quoi. Une saucisse. Une saucisse, ah oui. Ça, genre troubadour nain, nul. Il essaye de faire. Il est nul. Pas bon, il n'y a rien. C'est quoi son point fort? Bah, du coup, il est petit, donc il se faufile. Il est, tu vois, il a un peu agile et tout. Un deuxième voleur. Ouais, enfin, c'est non, c'est juste il est nul. Un aventurier. Un aventurier, ouais. Qui a envie, mais qui est nul. Ouais, c'est pas beaucoup de réussite. Moi, je ferais bien un perso qui manipule un peu de magie. Ouais, c'est un petit peu ressenti. C'est Kaitra qui passe toujours derrière Clodomir, tu vois, c'est un truc qui ramasse des cartes. C'est ça. Ça pourrait être sympa aussi, un autre système de magie que ce truc-là. Bah, des runes, par exemple. Ouais, par exemple. Voilà, des runes. Ou un codex Botanica. Naturalia. Oui, c'est pareil. Bah, moi, il est difficilement lisible. Ouais, il est lisible. Sauf que t'as plus d'un tel. T'as une prune sur la gueule, il y a une page sur deux qui marche pas. D'ailleurs, je sais pas comment j'ai fait pour passer à travers toutes les prunes. Ça va arriver. Au bon moment, comme d'habitude. Moi, ça va arriver au meilleur moment. Mais toi, c'est bon. Ouais, moi, c'est... Oui, c'est, bah, fait, oui, c'est bon. Ouais. Il y a Amaury aussi. Hein. Il y a Amaury. Au moment où on va le sauver, il va jouir. Mon Dieu. Du coup, il y a une question qui revient, c'est... qu'est-ce qui, dans les votes des téléspectateurs, quand tu mets des trucs, tu... Est-ce que tu as une idée, ou alors à chaque fois ils te surprennent de ouf, ou tu sais plus ou moins ce qu'ils vont... Est-ce que tu es surpris par les votes des viewers? En fait, le système de vote, il est génial parce qu'il ajoute de l'interactivité. Ça, c'est mais sympa, ouais. Tu vois, par exemple, les prunes, à la base, je les ai remontées avant qu'il y ait le système de vote, et du coup, c'était plutôt tu tirais le truc au hasard. C'est-à-dire que je te disais, voilà, tu lances un dé, si tu fais un 1, c'est orgasme, si tu fais un 2, tu t'enfuis en terreur, si tu fais un 3, tu deviens la sentinelle, tu vois, des sens de partout, tu vois. Et donc, du coup, une situation, ça pouvait être... Enfin, tu vois, juste avant de lancer les dés, tu veux dire, merde, il va se passer quoi, tu vois. Et là, on l'a transformé en vote, donc c'est vraiment bien. Il y a des tas de trucs bien. Il y a des tas de trucs, et je trouve que les votes sont un petit peu prévisibles, non, vous ne m'en voulez pas. Mais effectivement, quand j'ai dit, vous avez le choix entre le Kraken et Fillon, moi je trouve que le Kraken, ça aurait été plus spectaculaire, tu vois, dans la tempête, ça. Mais je savais que sans froid Fillon, vous l'adorez, donc voilà. Bon, après, il faut que je fasse des questions qui sont peut-être un petit peu meilleures, mais en tout cas, c'est très bien d'avoir cette interaction. C'est très bien aussi que vous décidiez en fait ce qui se passe, et parfois, ça nous met tous dans les ennuis. Et c'est bien, vous êtes une force. Mais ils sont aussi très gentils. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais. On va finir parce que je crois que il faut à 23h, il y a quelqu'un derrière nous. Hein. C'est pas il y a encore deux questions, je pense. Ouais, okay. On peut. Ouais. Alors, les PJ, si vous devez vous donner un alignement, hein, c'est là qu'on va régler. Vous connaissez le principe de l'alignement Pas des masses, mais je vois la fourchette de trucs. Ouais, ouais. Chaotique. Bon. Non, chaotique neutre, toi. Chaotique neutre, je pense. T'as chaotique loyal et bon, et après t'as chaotique neutre, chaotique mauvais. On est tous un peu chaotiques. Disons que t'as bon, neutre, mauvais, déjà, c'est le sentiment. Ouais. Donc on va dire Kaitra, elle est plutôt bon, et vous êtes plutôt neutre, pour dire les choses gentiment. Moi, je suis neutre, je suis un peu con. Et sinon, vous êtes plutôt chaotique. Je pense qu'on est chaotique, c'est neutre. Chaotique, c'est un peu les hors-la-loi, donc Robin des Bois. Chaotique bon, c'est Robin des Bois.
Et sinon, c'est lawful, comment dire, loyal. Donc loyal, c'est les gens qui respectent la loi. Tu vois, oh là, on va pas tuer, on va pas voler, voilà. Les gens loyal bon, par exemple, c'est le pire. C'est l'instit. Ah, c'est relou. Ah, une dernière question pour les PJ. Qu'allez-vous faire? Est-ce que vous savez ce que vous allez faire, justement, des gosses? Est-ce que toi, t'as l'air d'avoir une idée? Mais moi, je veux les garder. Moi, j'aime bien le côté... Enfin, ça, c'est vraiment comme dans les films d'aventure où les mecs... Tu pars seul et tu te retournes, les gars, ils ont une vraie équipe avec chacun sa... Bah, à la base, peut-être à la remplie de bateau, tu voulais pas. Non, à la remplie de bateau avec tout. Ouais, mais en fait, des aventuriers, des lapins... À plusieurs reprises, je pense que j'aurais pas eu trop de difficultés à ce qu'on les abandonne, parce qu'en gros, c'était moi à chaque fois qui disais « Mais non, on va pas les laisser, alors que vous deux, là, on les échange contre des machins, on les laisse tomber, on les noie, machin... » Mais on les aime bien quand même, hein. Ouais, c'est génial, c'est pas parce qu'on les échange. Moi, j'aime bien le fait de me dire qu'il y a un équipage qui est identifié, tu vois, sur le navire, genre, c'est vraiment notre point de base. Voilà, c'est notre QG et pouvoir y retourner, ouais, c'est cool. Il y a un côté Peter Pan, tu vois, enfin, un équipage de gamins qui ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Ils vont rester à Void, abandonner toute leur lettre parce qu'on va jamais revenir. Peut-être qu'au contraire, ils vont voler un navire et venir nous sauver. Il y a un truc que vous n'avez pas fait, c'est que si vous les aviez abandonnés sur l'île des abandonnés, en fait, Dawit Kanami aurait juré de se venger et elle vous aurait retrouvé tôt ou tard. On aurait eu un autre pirate. Shikitsunebis. En fait, on les aime bien, on les garde. C'est bon, là. Ouais, bon, enfin, il a essayé de nous tuer quand même. Il veut plus, là. Dernière question, du coup, pour toi, Fibre. Est-ce que tu as prévu d'autres one-shots et est-ce que, du coup, tu as les thèmes? Non, il n'y aura pas de one-shots. Il n'y aura plus de one-shot? Enfin, il n'y en a pas de prévu. En fait, le problème du one-shot, c'est que c'est très fatigant pour moi. C'est-à-dire que moi, c'est facilement. Beaucoup de boulot pour je fais un univers, je fais des règles, voilà. Et là, c'est. Voilà. Mais mine de rien, enfin. Je ne sais pas ce que tu feras à l'avenir, mais je trouve qu'il y avait du potentiel sur le Battle Royale. Ah ben, on peut faire des Battle Royale à n'importe quel moment. Il fait. Mais la mécanique que tu avais était plutôt drôle. Genre, le chat, c'est de se déplacer contre les, contre les joueurs ici. Et il y avait une vraie bataille, une sorte de duel. Ça faisait très prédateur, je trouve. Tu vois, bah, en fait, une traque, une contre-traque. À un moment, ils trouvent une arme, donc là, on essaie de s'enfuir. C'était assez drôle. Hein. Bah, si un jour, même configuration que le Battle Royale, si un jour, par exemple, l'un d'entre vous ne peut pas venir, on est là, bah, y a un problème. Daz, il est planqué, il a eu un accident, tu vois. On pleure déjà. On pleure. Daz vient d'acheter un skate, tu vois. Et ben, d'accord. On met Trunks là et on fait un Battle Royale, tu vois. Il est là, on l'a sous la main. Ouais. C'est l'histoire du skate, du coup. Je vais essayer de m'en sortir. Voilà, Daz a acheté un skate électrique. Ça donne des idées à Fibre. Bah, du coup, on se retrouve en septembre. Ouais, la rentrée de la JVT, c'est le 10 septembre, du coup. Donc lundi 10 septembre, et à partir de là, les émissions vont se déployer. Et normalement, durant cette première semaine, on n'a pas encore fixé toute la grille, mais il y aura le retour de Game of Thrones. Ouais. Ça va, on a déjà fait 6 semaines d'absence une fois, on peut refaire 6 semaines d'absence une fois. Hein. Merci beaucoup pour le wiki et les fanarts. Les fanarts, super beau. Alors, je me rendais pas compte, c'est quand des gens un peu connus, ils ont des fanarts, c'est cool. Ouais. Mais quand c'est un fanart sur tes aventures, ce que tu fais. Ouais. Tu t'es vu tout nu avec. Ça fait trop plaisir de voir en plus comment les gens te voient. C'est que là, sur les fanarts qu'on a reçus, on a des gueules assez différentes. Des fois, elles respectent nos morphologies en vrai, des fois, respectent nos morphologies dans le jeu. Et c'est drôle de voir comment les gens imaginent. C'est très marrant. Ouais. Et le wiki, le wiki est fou. Le wiki est fou. Et sur le wiki, il y a tous les fanarts, d'ailleurs, qui sont référencés. Il y a toutes les dates, le wiki pour réviser entre deux épisodes, en fait. Parce qu'il y a tellement de trucs qui ne sont arrivés. Il y a tous vos jets de dés qui sont référencés. Enfin, c'est des mille. Ils sont même allés chercher dans des œuvres antérieures à ce que j'ai fait, dans lesquelles je parle d'Aria. Du coup, il y a des informations complémentaires qu'on a. Genre Olympia, sa bio, elle est plus longue que celle de Michael Jackson dans Wikipédia. J'étais genre, mais il a raconté tout ça sur Olympia, tu vois. Moi, je veux savoir combien j'ai fait de 92 depuis le début. Je crois qu'il y a un tracker. Il y a un tracker de 92. Il faut une appli. Là, finir sur un 100, quand même, c'est magnifique. Ouais, c'est vrai. Sur un 100, en plus, c'est vrai. Mais je changerai de dé la prochaine fois. En fait, c'est les dés que t'as. Non, parce qu'on se souvient des 100, mais t'as fait un 0-4. Il y a eu un 0-1 aussi aujourd'hui, toi, un 0-1. Donc, on se souvient plus des scores de merde. Mais moi, je fais des 1 pour est-ce que je peux allumer la lumière. Bah, ça, c'est sûr. Tu aurais fait un 0-0, tu aurais perdu la longue vue dans la mer, tu t'aurais dit tu vois, donc voilà. C'est vrai. Ah oui, on parle de longue vue, le dernier truc aussi moi qui m'intrigue à fond, c'est Shazam. Ah oui, il est fou. Donc c'est un magicien d'un univers parallèle. Avec le plan du métro parisien. Et un portrait de Trunks.
Et du Nutella. Et du Nutella. Et des de recettes, quelqu'un avait utilisé du Nutella. Ouais. Qui venait de chez Shazam. Je sais pas, attends, Shazam, c'est... Non, mais il voyage entre les dimensions. Mais il y a des, y a des magiciens puissants. Il va y avoir Siri qui va se couper. Ouais, ça veut surtout dire qu'en fait, Fibre, il a déjà préparé un multivers de bâtards. Non, non, pas forcément. Et qu'à la fin, tout va se rejoindre dans en un truc. En fait, on va stepper, on va se retrouver. Mais c'est vrai que Shazam, il peut, ouais, il peut se balader un peu partout. C'est sa spécialité. Chaque magicien a sa spécialité. Ah, on va voyage, pas, on va pas appeler. Non, mais j'ai pas encore compris. On s'en doutait. Shazam. C'est juste que de ce que je sais de Shazam. Mais par contre, Shazam, il a dit peu de choses, mais il a des choses efficaces. Donc je vous invite à bien écouter. Bah, faut qu'on trouve la poule noire. Faut qu'on trouve la poule noire. Je vais relire le wiki du coup. Hein. Du coup, merci beaucoup parce qu'il faut prendre nos thèmes. Et apparemment, le wiki a lâché parce que tout le monde est allé sur le Wikipédia. Ah oui. Il vient de lâcher. J'ai tombé. Le mot de la fin. En septembre, on se revoit. Merci pour tout. Et on se retrouve en septembre pour les nouvelles Merci. Aventures avec Fibre Tigre sur Game of Thrones, mais aussi Game of Thrones et sûrement plein d'autres sur. Voilà. À ciao, plus. Ciao, salut. Clic, clic, clic.